Bon, ah, voilà. Hey, bonsoir. Bienvenue à Radio. Ici Alex. Ninja coiffeur. Bon, c'est nous autres qui, euh, qui faisons le show de Radio. Au cas où ce serait votre première euh, fois ce soir. Euh, ce soir, à l'émission, euh, ben spéciale, ben vous avez vu déjà l'intro euh, de, de Radio. La nouvelle intro, comme tel que promis la, la, dans la dernière fois, il y a deux semaines. Donc, euh, j'ai réalisé ça dans le courant de la semaine. Si ça vous tente d'aller euh, voir euh, comment j'ai réalisé ça, j'ai fait des streams là, de comment j'ai fait l'animation. Euh, beau regardé... travail, beau travail. <laughs> Merci, je suis assez fier du résultat. Je yes. l'ai regardé une couple de fois. Là, fait on va le remettre euh, quelques fois probablement dans le courant de la soirée. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, on va avoir un invité. Euh, on a un invité spécial. <laughs> C'est... Euh, la... Il est à la tête des, de l'armée des diabletins historiques et probablement le meilleur historien sur Twitch, ça va être Elle Frank qui va venir yes. se joindre à nous ce soir. Euh, là, il faisait un pre-stream ce soir, euh, juste puis oh euh, bon euh, go 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 ouais euh, merci d'être là, elle est mes parents qui sont dans le chat, merci d'être là. Euh, salut salut. Puis, euh, donc le puis Puis nous on a euh, différents sujets à vous euh, à vous jaser euh, comme à l'habitude euh, euh, je vais continuer ma lancée sur les, euh, les sociétés secrètes euh, dans euh, ben oui ben, ben oui. oui fait que euh, ce soir je vous parle des, euh, des chevaliers de colon et euh, bon c'est plus ou moins ça, ça veut dire qu'on peut boire de la bière ça là, là. On peut boire de la bière, oui, on peut boire de la bière. Oui. Et euh, dans le fond, lui, El euh, Frank, il va venir nous parler euh, de la ferme de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame, la maison Saint-Gabriel. Il va nous parler des filles du roi et leur arrivée euh, dans le secteur de l'Est de Montréal. Euh, Ninja Coefer va continuer à nous parler de la maison des citoyens. Puis, euh, oui. tu vas nous parler d'autres sujets aussi. Oui, ben, en fait, euh, oui, effectivement, je vais vous parler de la maison des citoyens, euh, à moins que Al Frank en parle, je ne vais, vais pas spoiler son, ses, ses affaires. Euh, puis, euh, je vais vous parler, euh, ben, évidemment, euh, je vais vous parler un petit peu de mes bières, comme d'habitude, que j'ai été, je flash toujours mon matériel là ici à, à ma gauche. Euh, une, le point d'interrogation ici, ça c'est une boîte mystère que mon, mon co-animateur Alex est venu me porter à la maison aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Euh, je ne sais pas quand il va falloir. Je l'ouvre, Alex. J'imagine qu'on se garde ça pour euh, probablement la fin du show. Oh, quelque non, chose du oh, genre. Euh, je vais te dire quand l'ouvrir, je vais te dire quand... Ah, ok, quand ok, c'est ce bon. Parce que c'est okay, euh, bon. un élément mystérieux que tu vas. Ouais. Tu, ouais, tu vas voir, ça va être euh, ah, très cool. Bien hâte de savoir ce qui se cache là-dedans. Ça bouge pas, ça sent rien suis un peu nerveux là, de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Euh, Puis aussi, ben, je vais vous parler d'une observation que j'ai faite euh, euh, près de Pointe-aux-Trembles, près de mon travail. Une euh, observation insolite euh, parce que je me passionne pour ce sujet-là, tout ce qui est un peu euh, étrange, que ce soit les euh, true crime ou les, les histoires devenues, euh, les trucs qui ont de, de l'étrange qui auraient lieu à Pointe-aux-Trembles. Euh, toujours ouvert aussi, là, si jamais il y a des gens qui peuvent nous partager des choses, bien... Ça serait vraiment cool d'avoir euh, des témoignages de personnes qui ont vécu des choses étranges à Pointe-aux-Trembles. Ben oui, d'ailleurs, c'est le temps de vous, euh, de vous donner les infos de Radio Pointe-aux. Euh... Oh, ben, Excusez, Alex, j'ai oublié, j'ai un sujet aussi. Oh, je vais parler de la, de la, euh, du bateau-mouche de Pointe-aux-Trembles aussi. Bon, excellent. Euh, je, je voulais vous rappeler que Radio pointe c'est un podcast euh, euh, qui est en audio. C'est euh, et en, en live, puis on veut aussi votre interaction, fait que c'est vraiment un melting pot de toutes sortes d'affaires. Euh, donc, nous, on parle de Pointe-au-Tremble. Pourquoi qu'on parle de pointe aux tremble Parce qu'on habite à Pointe-au-Tremble et ben oui. euh, c'est notre, notre quartier, puis on, on, on tente de le découvrir un peu plus à chaque semaine. Son histoire, ses euh, moments insolites, euh, ouais. euh, toutes sortes de, de choses qui entourent ça. Puis je dois vous dire que moi, depuis que qu'on a commencé à faire ça parce que ça fait plusieurs années qu'on qu parle de faire un podcast. Oh, oh yeah! Alfred! Oh, oh, oh. Welcome, welcome! 60%. Hey, bonsoir, bonsoir, yes. les Diablotins historiques! Hey. Bonsoir. Ben là, bonsoir, content de vous Bien voir à notre podcast! Much, much love! Oh, merci, merci, yeah. les Diablotins historiques! Yeah. Yes, yes. Merci d'être là, tout le monde. Euh, merci, Al Frank. Oh, Al Frank je... euh, pointe au 30 Alex, je le répète, notre quartier d'adoption. Oui. J'aime bien ta, la, cette formule-là parce qu'on ne vient pas de, de Pointe-au-Tremble. On a tout à découvrir de notre, de notre, de notre arrondissement. C'est pour ça qu'on a décidé de se partir un podcast en lien avec euh, l'arrondissement de Pointe-au-Tremble, Rivière des Prairies, mais surtout Pointe-au-Tremble. Ben oui, c'est ça. Hey, merci, merci pour le follow, Blackmore001. On a aussi eu des euh, des, euh, des follow euh, tout à l'heure de Kaskira et de Farah le Gros. Euh, je ne sais pas si vous êtes encore avec, euh, avec l'armée des Diablotins ben, J'ai-tu J'étudie préhistorique, des diabolosités historiques euh, présentement, mais merci pour, pour les follow euh, tout le monde. Euh, J'espère qu'on va vous, vous assouvir votre soif d'histoire ce soir, même si. Euh... Ah ben Farah Legros, il est là, super! Ben, bienvenue sur Radio Pointeau. Salut Farah Legros. Bon, euh, Al Frank, tu peux euh, venir te joindre à nous? À... Ben oui. Euh, qui est-ce qui vient de. Parce que mon alerte de follow est un peu longue. Je sais pas c'est quoi le problème avec ça. Mais Jiffy euh, Jiri, euh, merci pour le, le follow. 144. Oui, 144. Mais euh, je sais pas. pour Des fois, je dis pas le, le chiffre à, à la fin. Bienvenue, bienvenue à Radio Pointeau. Super. Ah ben oui ben oui ben oui viens temps nous on va vous parler de la chaîne mais gars vu qu'il qu il y a plus qu'il y a du monde qui vient d'arriver on va vous repasser l'intro euh, que j'ai euh, sur laquelle j'ai travaillé euh, dans les deux dernières euh, semaines fait qu'on va on va se gâter on va gâter avec, euh, avec l'intro fait qu'on y va avec l'intro de Radio Pointeau et je voilà je Que vous avez apprécié euh, le, oui. notre intro. Moi, je la trouve euh, très cool. J'ai travaillé fort là-dessus. Euh, fait que c'est ça. Euh, je sais pas si vous étiez arrivé quand on parlait de, de ça, mais c'est vraiment un podcast qu'on parle d'histoire de, 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 de la région de Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal. Alors, euh, vous avez, on, va, on, on découvre en même temps que vous le quartier, son histoire, puis souvent l'histoire de pointe aux région, région méconnue. Oui, c'est tout tôt. à fait méconnu dans l'Est de Montréal. Puis il y, y a toutes sortes de choses qu'on ignore. Puis c'est beaucoup lié à l'histoire de Montréal. Et à l'histoire du Québec aussi, euh, ce secteur-là, quelque part, là, il y a beaucoup de liens à faire euh, au niveau historique. Euh, donc, c'est pour ça que c'est super euh, intéressant à découvrir. Puis nous ça, nous, ça nous amène aussi un plus grand sentiment d'appartenance pour notre, euh, notre quartier. Euh, vous savez, avec euh, la pandémie, on, on se promène un petit peu moins loin qu'on avait l'habitude de le faire. Hein. Fait que nous, c'est un peu de là qu'est venue notre idée. Parce que, comme ben du monde, moi, euh, j'ai commencé à être sur Twitch euh, euh, pendant la pandémie. Euh, ça fait pas très longtemps que je suis là. J'ai commencé à streamer dans le mois de mars dernier. Euh, puis euh, là, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait aussi Parce que moi, autrement, ma, ca... euh, ma, ma, ma chaîne de 415, c'est euh, euh, du dessin, euh, de la bande dessinée, euh, des, de l'art numérique, de l'animation. Mais on voulait aussi y ajouter le podcast qu'on. Euh, qu'on qu souhaitait faire de, depuis longtemps. Fait On s'est dit qu'est-ce ouais, qu'on fait. Donc, tu as, as, ouais, as nommé euh, la, en, en, en majeure partie euh, une partie histoire de notre quartier d'adoption. Euh, mm -hmm. Aussi, parler un petit peu de jeux vidéo à la fin, j'aime bien. Moi, je suis un gros passionné de jeux vidéo aussi. D'ailleurs, El euh, Frank, euh, tantôt, qui jouait à Mass Effect, euh, qui m'a donné gravement envie de me procurer la, 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 la trilogie des Mass Effect là, qui, a, qui a été euh, refaite, rematricée. Et puis, euh, on parle un petit peu de l'insolite, des, euh, des choses étranges de Pointe-aux-Trembles. Donc, on... multiples sujets, mais surtout de l'histoire. Mm -hmm. Puis on essaie d'avoir des invités euh, qui ont des choses à dire sur au 30. Euh, puis même, je pense que c'était un bon moment pour vous annoncer qu'on a un invité. Bien, là, ce soir, on a El Frank. Elle, puis était, on était super content. Comme je le disais en introduction, El Frank, euh, qui est probablement le meilleur historien de Twitch. Euh, donc, c'était vraiment le fun de l'avoir euh, avec nous ce soir. Euh, mais comme autre invité qu'on a déjà booké et qui va être avec nous euh, dans les prochaines semaines, on va avoir Bob le chef. Je sais pas si vous et connaissez ça, Bob le chef. Euh, vous pouvez aller voir euh, sur, euh, sur YouTube. Il, il est assez connu comme, comme chef cuisinier. Ben, et puis, euh, il vient le 11 juin prochain. Et. et... Euh, il vient de Pointe-au-Trempe. Il vient de, ben, en fait, de Montréal-Est. Euh, ah. Frank, je t'ai envoyé le lien sur Discord euh, en privé. Est-ce que tu. il oh, y a quelqu'un dans le chat qui, qui demande euh, Bob quand ça? Farah le, Fara oh. le groupe qui... C'est ça, c'est le 11 juin prochain. OK. Euh, attends, 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 je veux juste aller voir. Ah, euh... oh, il s'en vient, El Frank. Il vient dans le chat, il vient de nous dire qu'il s'en vient, là. Ouais, c'est ça. Ok parfait il s'en vient fait qu'on va juste stopper nos affaires oups j'ai euh, yes. en faisant ça j'ai caché Ninja Coiffeur. ah c'est ça la, la magie ben là ah voilà fait que là a... ah bon salut Frank salut Al Frank bon salut. attends je vois je... un petit instant je vais aller ici Hop. puis comme ça comme ça. On va faire un petit ajustement technique. Là, je pense que tu mis. Ouais, avais mis Ninja Coiffer à la place de L Frank. Ouais. <laughs> Attends un peu, Je vais ajuster ça, je le vois pas. Farah Legros qui dit Il faisait sa chaîne, je la suis depuis longtemps. Il n'a pas fait de nouveaux vidéos depuis un méchant bout. Ouais. Il a des contrats de TV. Ben oui. Euh, ben oui, ben oui, c'est ça. Il, il est occupé. Puis, euh, non, c'est vraiment cool. Il nous a donné son, euh, et son, ah, son, son agent. nous a... et voilà. Salut, Alpha. Je suis dans mon environnement naturel. Là. Ben oui, ben oui. <laughs> Attention, je veux juste. Ah, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Ouais, ben oui. Non, 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 je l'explique tout le temps. C'est le feu des diablotins historiques, ça. Ah oui, Il nous réchauffe okay. et c'est la, la passion brûlante de l'histoire et du gaming. Fait qu'on ne peut pas être <laughs> brûlé par ce feu-là. Ok. Nice. <laughs> euh, attends, je vais juste faire mon petit ajustement technique parce que là, on nous voit en double. Puis, euh, c'est un peu. Euh... Le ouais, bord. pas de problème. Parce que là, je... il faut comme setoper ça. Aïe, aïe, aïe. On est à nos débuts. Ben oui, c'est ça, ça fait pas très longtemps. Merci beaucoup, euh, L. Frank, pour euh, ben le raid, premièrement. Euh, comment s'est passé ton, oui. euh, ton, ton stream Chaotique un peu, je te dirais. Ah ouais. La première heure, euh, <laughs> c'est pas passé vraiment comme prévu. Parce que oui, mais, mais, eu... mais c'est un, 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 cha un chaotique commandité par Electronic Arts. Hein? Ouais, c'est <laughs> classique. <laughs> classique de Y. Euh, j'ai essayé d'ouvrir le jeu. Écoute, de la manière qu'on fait ça dans la Legendary Edition de Mass Effect, euh, tu as les trois jeux dans le même launcher que tu peux comme vraiment cliquer indépendamment puis vraiment démarrer un des trois jeux l'un après l'autre. Euh, puis dans le fond, quand j'ai essayé d'ouvrir le premier jeu, ça me crachait tout le temps. Il y avait un écran noir, puis après ça, ça revenait sur le launcher tout le temps. Ça ne voulait jamais démarrer. Là il ben, y a un viewer dans le chat qui m'a sauvé qui a offert une solution euh, apparemment il fallait comme changer la time zone dans le paramètre de région en tout cas je me comment aye. ça peut affecter le launcher d'origine je trouvais que c'est un peu n'importe quoi mais j'ai essayé la solution il a fallu que je redémarre mon ordi et mon stream par le même fait ah, ça. et prochaine... après avoir ah, je... fait ça ben là ça marchait ah, <laughs> ça ouais, a prochaine, sor... ça. prochaine sortie là il devrait il devrait se mettre un DLC de de genre tu sais Day one, ça fonctionne, tu sais. Ça serait, ça serait pas pé comme gag, tu sais. C'est une bonne autodérision de leur part, là, parce que Tabarnouche, il n'y a pas un jeu qui sorte pas sans que ça, sans que ça plante, là. Oui. Non, c'est ça, exact. Ben, en tout cas, merci d'avoir accepté euh, l'invitation de parler d'histoire avec nous. Comme je le disais tout à l'heure, euh, ben, tu es probablement le meilleur historien de Twitch. En tout cas, le meilleur si. que je connais. Ah, mon Dieu, merci. <laughs> ben oui. que... Il y en a d'autres, je suis pas tout seul par contre. Ah non, pour vrai, ben, je ne les connais pas tous. Hein. Ça ne fait pas très longtemps que je suis sur Twitch, mais j'adore. Euh... Du côté de la France, je te dirais, au Québec, je suis pas mal seul comme historien au Québec qui fait du Twitch. Mais côté francophone, européen, à ce moment-là, il y en a un petit peu plus. C'est notre là. Il y a Histoire Appliquée aussi qu'il a démarré sa chaîne. Euh, fait que de plus en plus, il y a une, comme une vibe Intello qui s'installe sur Twitch. Puis moi, j'aime vraiment ça. Je suis mm -hmm. content. Ben oui, ben oui. C'est super. Moi aussi, je suis très content. Puis moi qui stream euh, euh, généralement de, de l'art, je suis content aussi qu'il y ait ça, euh, le contenu artistique et puis toutes sortes de, de, de choses comme ça qui ne sont pas juste du gaming. Là. Il peut y en avoir. Puis c'est le fun d'avoir des. De, de, avoir ce lien là aussi avec le, le jeu, l'histoire de Twitch, mais c'est le fun qu'il y ait différents contenus, puis qu'il y en a pour tous les goûts maintenant là, fait que c'est vraiment accessible mm -hmm. à tout le monde. Puis euh, encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a bien du monde qui pense, qui associe encore Twitch juste aux jeux vidéo, alors que ça évolue assez rapidement là. Fait que non, c'est vraiment, c'est vraiment le fun ce qui se passe. Ça. Euh, dans le fond, El euh, euh, Frank, euh, aujourd'hui, je t'avais demandé euh, de voir s'il y avait un sujet historique qui, euh, qui, qui pouvait t'intéresser en lien avec la, la, la région de, de Pointo, dans l'Est de Montréal. Et tu, euh, tu as proposé de parler de la ferme de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame, la Maison Saint-Gabriel. Oui, exactement. Ben, je te laisse euh, oui. nous parler de ça. Euh, on est, euh, est assoiffé de ton savoir oui, à, oui, à, cette, oui, oui. à ce sujet. <laughs> Excellent. Ben dans le fond, euh, pour vous faire un peu le background, c'est moi, dans le fond, je ne suis pas du tout là, de, de la région de Montréal. Euh, je suis à 600 km plus loin, euh, à l'est, en longeant le fleuve Saint-Laurent. J'habite à Rimouski. Donc, euh, je suis ah, vraiment très, très loin. Euh, comment? Ma soeur est là. Ah oui? Ah, c'est oui. bien. Très belle région. Oui. Gestionnaire <laughs> ouais. dans, dans le réseau de la santé. à travailler à Rimouski. Oh, OK, OK. Donc, à travaille oui. sûrement à l'hôpital régional, j'imagine. Ah euh, oui, oui, j'imagine. J'imagine. Donc, c'est ça, je suis de Rimouski, mais ma famille ne vient pas de là, par exemple. Moi, à la base, euh, mes parents euh, se sont installés là vraiment pour le travail, il y a quoi, une quarantaine d'années de ça environ. Euh, mon père est plus originaire de Sainte-Perpétue, pas loin de Nicolet. Ma mère a grandi à Saint-Joseph-de-Beauce et à Victoriaville principalement. Euh, Puis les deux se sont rencontrés à l'université Laval, à Québec. Puis après ça, ben c'est ça, après leurs études, travail, famille et tout. Ça les a amenés à Rimouski, et du coup, ben là, moi, je euh, suis vraiment natif là, du Bas-Saint-Laurent. Euh, donc, évidemment, là, quand tu m'as lancé l'invitation, premièrement, beaucoup, merci beaucoup justement pour l'invitation. Merci à toi. <laughs> Ça me fait plaisir, écoute, quand tu m'as dit viens parler d'histoire, fais une chronique, j'ai comme fait Ah ben oui, parfait, vendu. <laughs> ah ben excellent. Très content. Ben oui. c'est le fun. C'est super le fun. Ah ben oui. Étant historien de formation, étant archiviste aussi de profession, j'avais juste pas le choix. J'avais juste pas le choix de dire oui à ce genre d'invitation-là. Puis ben, je t'ai passé sur ta chaîne. Au lieu de taper 400 que je t il un Oui, c'est ça. C'est Alex, mon nom. Euh... Alex, ton nom, parfait. Oui, oui. Good, ben c'est ça, Alex. J'avais découvert ta chaîne d'écoute complètement par hasard euh, par une publication sur Facebook que tu avais faite. Je trouvais que tu avais fait une belle présentation assez éloquente. Euh, T'avais comme bien mis en valeur là, ce que tu faisais, ton contenu et tout. Puis ça m'avait intéressé, j'aimais beaucoup comment tu t'exprimais et tout ça. Fait que là, ça, ça a piqué ma curiosité. Puis moi, quand j'ai vu OK, BDS qui fait de la BD en live, j'étais comme Oh, ok, original, je vais aller voir ça. Puis là, ben, tu t'en rappelles sûrement. J'étais venu te voir dans le chat, on avait jasé un peu et tout. J'avais bien aimé euh, ta vibe, ce que tu faisais et tout ça. Puis là, ben, quand tu m'es revenu avec l'invitation, j'ai comme fait, ouais, ok, ça me tente. Ben, Donc, super, euh, ça fait très plaisir. Puis euh, là, le défi, par contre, justement, où je veux en venir avec ça, c'est que ça a été difficile pour moi euh, de trouver un sujet par rapport à Pointe aux Trente qui est assez éloigné de moi, là justement, qui n'est pas dans, dans mon environnement dans lequel j'ai pas mal toujours vécu. Euh, et mais et même, même, nous, même nous qui sommes dedans, euh, euh, des fois, c'est pas évident de trouver des sujets pareil. Fait que je peux comprendre. <laughs> Mais en bon historien, évidemment, euh, j'ai oui. pas fait ni une ni deux, j'ai fait jouer mes contacts, puis euh, j'ai recherché un peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant de parler. Puis je suis tombé sur ce lieu historique euh, qui est classé monument historique justement par le gouvernement québécois, qui est la Maison Saint-Gabriel. C'est de ça que je voulais vous parler. Puis par extension, non seulement je vais vous parler de la maison, mais surtout vraiment de son contexte historique autour et de pourquoi elle est vraiment reconnue. Mm -hmm. Donc c'est un peu ça, finalement, le sujet de ma chronique. On va parler entre autres de Nouvelle-France, de Filles du Roi. Euh, et un peu tout ça, finalement. Ben oui, super. Et super intéressant. Ben oui, je, je, je savais même pas qu'il y avait des filles du roi qui étaient passées par, par pointe aux trembles Fait que c'est super intéressant. <laughs> Écoute, elles sont même plus que passées. C'est même. Ça a été leur lieu d'accueil et leur lieu de vie avant qu'elles se trouvent à Marie et qu'elles commencent à fonder des familles. Mm -hmm. Fait que c'est même plus qu'un lieu de passage. Là. Carrément, ça a été vraiment le lieu de transition entre leur arrivée de la France vers la Nouvelle-France et vers leur nouvelle vie familiale en Nouvelle-France. Justement, ça a été carrément le point euh, central de transition. Ah oui. OK. Bon, un petit bon. peu de mise en contexte avant, d'aborder justement un peu plus l'épopée euh, des Filles du Roi et euh, celle de la maison Saint-Gabriel. Donc, il faut se remettre en contexte. Euh, les Filles du Roi sont arrivées de 1663 à 1673. Euh, C'est une période assez charnière, en fait, dans l'histoire de la Nouvelle-France parce qu'à ce moment-là, les autorités françaises s'étaient rendues compte que il n'y avait pas euh, suffisamment le ratio homme-femme et euh, l'évolution de la population se faisait pas de façon assez constante. Il y avait un problème démographique. On manquait. Oh. Euh, il n'y avait pas assez d'hommes. Il, y avait... il y avait pas assez de femmes pour ce qu'il y avait d'hommes. C'est ça. Il y avait beaucoup okay. plus d'hommes que de femmes. Et oh. euh, ben, on s'est rendu compte que c'était effectivement un problème si on voulait justement fonder des familles, marier des gens, euh, qui fassent des enfants, qui puissent procréer, évoluer la colonie. Ça prend les deux. Généralement, mmh. ça prend les deux. <laughs> Surtout à cette époque-là. Euh, Aujourd'hui, on a d'autres moyens de faire des enfants par euh, différentes façons, notamment scientifiques, mais à cette époque-là, on ne les avait pas. C'était vraiment, fallait qu il fallait qu'il y ait un homme et une femme. Donc, voilà. <laughs> et tout le reste du processus qui s'ensuit euh, qu'on connaît tous. Et donc, euh, c'est à ce moment-là, finalement, que les autorités ont décidé de dépêcher ce qu'on appelait les filles du roi. Euh, on les appelait les filles du roi parce que c'était des jeunes filles célibataires euh, qui étaient vraiment mandatées par le roi de France pour aller se rendre là-bas, se trouver un mari, fonder une famille et euh, avoir des enfants. Pour augmenter la démographie justement de l'époque de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, qu'est-ce que c'est à la base Ça, Souvent c'est quelque chose que les gens se doutent pas euh, se posent pas réellement la question, autrement que c'est un peu notre origine puis le début du foyer de peuplement euh, de ce qui est aujourd'hui le Québec. Mais faut savoir que la Nouvelle-France ça s'étendait beaucoup 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 plus loin que le Québec. J'ai pas de carte malheureusement à vous montrer là, mais imaginez-vous là, vous avez toute la vallée du Saint-Laurent, là où la majorité de la population québécoise est concentrée et après ça ben vous avez ce foyer de population-là, mais qui s'étend vraiment plus loin. Après ça, le, ça va jusqu'au. Le Bas-Canada. La... Comment? C'était le Bas-Canada avec la. Beaucoup plus tard, le Bas-Canada. Là, on est plus au 19e siècle au Bas-Canada. On aura l'occasion d'en parler. J'ai aucune formation en histoire, à part mon, mon secondaire 4, je le rappelle. <laughs> okay, c'est bon. Ah, c'est bon. On va, on, on va t'aider à, à bien passer. <laughs> le bas Canada. Le bas Canada, on est après la conquête anglaise. On est après okay. l'instauration du parlementarisme. Et on est plus comme fin, fin des années 1700, début 1800. Mm -hmm. On est Mais vraiment pas. Euh, on est, on okay. est à une autre époque, là, carrément. Mais là, merci où on est en ce moment, c'est vraiment. <laughs> Il n'y a pas de problème. Donc, on est vraiment plus au milieu. Euh, du XVIIe siècle, donc 1663 à 1673. Et c'est une époque vraiment où euh, le territoire est vraiment très grand, mais très peu peuplé. Donc, on a la vallée du Saint-Laurent, qui est le foyer principal de peuplement, qui s'étend après ça autour des trois grands lacs de l'Ontario. Et après ça, qui s'en va vraiment, qui occupe une grande partie des États-Unis actuels jusqu'en Louisiane. C'est ce qu'on appelait à l'époque le colosse au pied d'argile. Parce que c'est un très grand territoire, donc un territoire colossal. Mais au pied d'argile, parce que ce territoire-là, il a beau être très grand. Il n'est pas très bien peuplé. Puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est un peu ça qui a conditionné la distance qu'on a aujourd'hui au Québec. On est reconnu comme un endroit euh, où le territoire est, est grand, trois fois plus grand que la France, euh, le territoire du Québec actuel. Et la distance entre nos villes, ben, vous êtes d'accord pour dire qu'elles sont vraiment très grandes. C'est quand même très long, là, euh, en automobile, se rendre justement d'une ville à l'autre. Mm -hmm. Et bien, justement, depuis cette époque-là, ça nous a conditionnés parce que notre, premier, notre première fondation de peuplement, on a voulu occuper le plus grand territoire possible. Et de ce fait, bien justement, nos premiers foyers de peuplement se sont établis quand même assez loin les uns des autres. Et encore aujourd'hui, ça a vraiment juste conditionné euh, notre développement, justement, en tant que population, en tant que société. Et la raison de ça, c'est qu'on était ce qu'on appelle une colonie comptoir, contrairement aux 13 colonies qui étaient concentrées à l'est des États-Unis, qui est un peu euh, l'embryon, le, 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 la base de ce qu'est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, euh, qui était une, vraiment une colonie de peuplement. Dans cette colonie-là, on y allait pour y vivre, parce qu'on fuyait entre autres les guerres de religion. On voulait fonder une nouvelle vie et le but, c'était de peupler massivement le territoire. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça, depuis ce temps-là, que même encore aujourd'hui, les États-Unis sont vraiment beaucoup plus nombreux que le Canada, malgré la taille de territoire. C'est parce que déjà de base, le but, c'était de peupler massivement le territoire. Nous, notre but en tant que colonie comptoir, c'était oui d'occuper le territoire, mais de couvrir le plus large possible dans un but d'exploitation et de commercialisation des ressources. C'est d'où le terme de colonie comptoir, parce que le but, c'était vraiment de ramasser les ressources et après ça, de les exporter. Et on après ça, de faire le commerce de d'autres ressources. Comment On était le IGA. <laughs> on peut, ouais, on peut comparer ça un peu à une épicerie. Ouais. j'avoue que l'image est quand même assez comique là, mais oui, on pourrait quasiment comparer ça à ça. Au ouais, sens ouais. où euh... Ouais, que, ouais, excuse ouais, ben. de, de te couper, Alfred. Euh... Il n'y a pas de problème. Il <laughs> n'y <laughs> a pas de problème. J'aime bien le commentaire quand même. N'hésitez <laughs> euh, okay, pas, hein, justement, pendant que je parle, si vous voulez euh, insister sur des éléments ou autres, ça ne me dérange pas. Là. Je me okay. suis préparé okay. à l'avance, mais cool. on fait ça à la bonne franquette. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, oui, donc c'est ça. Finalement, euh, parce qu'on était dans une dynamique, ce qu'on appelle de commerce triangulaire. Parce qu'à cette époque-là, on était dans les grandes explorations. Le but, c'était vraiment de trouver la route la plus accessible vers les Indes, vers euh, l'Orient, le, 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 euh, la partie orientale justement de l'Europe et de l'Asie. Et euh, ben, on a décidé à cette époque-là, vu que le chemin était occupé par euh, l'Empire ottoman qui avait conquis Constantinople, euh, on a décidé de passer par l'autre côté, par l'Ouest, à travers l'océan Atlantique. Et euh, ben, on a découvert tout ce grand territoire-là qu'est l'Amérique. Et ben, on a commencé à l'exploiter parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel d'exploitation des ressources. Et les Français, ce qu'ils ont fait à cette époque-là, c'est que... Ils ont occupé le plus de territoire possible en France pour ramasser les ressources qu'il y avait là-bas. Les ressources de pêche, essentiellement les ressources de fourrure euh, et autres ressources aussi qu'ils ont pu trouver, commercialiser, pour ensuite envoyer à la France. La France qui envoyait, elle, d'autres ressources à la Nouvelle-France. Et ensuite de ça, ça transitait vers les Antilles, vers les Caraïbes, où on avait d'autres produits qu'on ne re qu retrouvait pas, là, finalement, justement, ailleurs que dans ce territoire-là. Donc, on a la France, la Nouvelle-France. Les Antilles et les Caraïbes, qui sont dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc, dans ce commerce triangulaire-là, le but, c'est quoi C'est tout simplement euh, d'exploiter des ressources et de les commercialiser, de les importer, les exporter, dans un triangle de territoire entre la France, les Antilles et la Nouvelle-France. Donc, c'est pour ça que euh, ben, on appelle ça vraiment une colonie comptoir et que le, le, le peuplement, il s'est pas fait de manière proportionnelle à ce qu'on occupait comme taille de territoire, en gros. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on avait ce grand problème démographique-là, qui était justement euh, plus d'hommes que de femmes, parce que la majorité des gens qui venaient en Nouvelle-France, c'était des engagés, c'était des gens qui venaient travailler, se refaire une nouvelle vie. Euh, ça prenait et des, pas... vraiment les filles du roi là. Ça prenait vraiment les filles du roi, hein. parce que le problème démographique était vraiment réel. Il y avait vraiment beaucoup plus d'hommes que de femmes. Hein. Euh, pour vous donner une idée, la majorité des habitants, ben, c'est ça, étaient de sexe masculin. Et on parle d'à peu près 10 000 à 15 000 habitants seulement pour toute la Nouvelle-France. Donc là, je vous ai dit tantôt, c'était quoi la taille du territoire? Imaginez, il y avait seulement 10 à 15 000 ben, ben, personnes. Ouais. C'est pour vous donner une idée, là, quand même. C'est-tu juste de même. Euh... Ben, sûrement que ça ne doit pas être très documenté, mais avec une quantité aussi euh, grande d'hommes dans un même territoire, euh... y avait-tu beaucoup d'homosexualité cachée, tu penses-tu? tu ou tu... C'est-tu documenté? Euh, ben, probablement. Je veux dire, l'homosexualité a toujours existé. On, je veux dire, on a des traces documentées de l'époque de l'Antiquité. Probablement que dans la préhistoire, il y a dû avoir des relations euh, homosexuelles et lesbiennes, ça c'est certain. Il y en avait très certainement en Nouvelle-France aussi. Mais c'est dur de retrouver leurs traces parce que les seules traces qu'on a pour étudier ces époques-là, c'est soit l'écrit, soit l'archéologie. Dans les deux cas, retrouver vraiment des traces véridiques <laughs> de relations homosexuelles, c'est un peu compliqué, et... à moins que ça ait été sur... consigné par écrit. Ah, ouais. Surtout que peut-être que tu étais, je sais pas, peut-être peut-être euh... que l'Église peut était... Qu était... était pas mal présente. Ouais. Ça devait être assez caché ouais, quand est même. Ça, les... <laughs> oui, effectivement, c'était ça. Ça devait être assez caché parce qu'effectivement, c'était absolument pas encouragé par l'Église catholique. Les, de les coming out n'étaient pas les bienvenus. Non. Non, c'est ça. Même aujourd'hui, <laughs> euh, ils tolèrent l'homosexualité et les relations lesbiennes, là, mais. Avec des pincettes, mettons. Imaginez à l'époque. Ouais, c'est un vestige. Okay. OK. Ouais, 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 exactement. Okay. Mais il fallait qu'ils fassent euh... de quoi, fait n'ont qu ils ils ont eu pas le choix. Dit, là, là, on va régler cette histoire-là. On va faire venir des ça. femmes en Nouvelle-France. Oh. <laughs> ouais, exactement. Donc, euh, ça prenait vraiment les filles du roi et euh, ben, ça a été utilisé par contre à une seule occasion, euh, au 17e siècle, par Marguerite Bourgeois pour dessiner vraiment les 17 filles à marier euh, que sa communauté d'enseignantes hébergeait en attendant qu'elle trouve un époux. Euh, euh, un... oui? Excuse-moi, Frank, il y a, il y a Farah Legros dans le chat qui dit Chez les Amérindiens, c'était pas mal considéré, il me semble. Euh, je pense qu'il parle de l'homosexualité, j'imagine. Ouais. c'est très possible, honnêtement. Euh, je vais vous avouer que je ne suis pas un spécialiste de cette période-là. Il y a de mes collègues qui seraient encore plus qualifiés que moi là, pour répondre vraiment okay. dans les détails de ces questions-là. Euh, moi, je suis plus un historien euh, du 19e siècle. Donc, à ce moment-là, je connais un peu plus, mettons, la période des Patriotes et du Bas-Canada, mmh. justement. C'est un peu plus euh, ma période de prédilection euh, pour ce qui est de l'histoire du Québec. La Nouvelle France, oui, j'ai des bonnes bases assez solides là-dedans, mais tu sais, je ne pas. Euh, sans dire que je suis un spécialiste, il faudrait voir. Là, ouais. euh, pour ce qui est de l'homosexualité chez les Amérindiens, mais oui, euh, très certainement qu'ils devrait en avoir là aussi. Ben oui, c'est ça, il ben y a les two spirits qui existent, effectivement. Là, mais ça, ce sera un autre sujet probablement. Parce que, de ben, toute façon, les. Tantôt, il y a même Fa, euh, Farah le Gros qui nous disait que. Euh, pourquoi qu euh, que les gens, ils se matchaient pas, les hommes, avec les Amérindiens, mais je pense que c'était mal vu, hein, aussi. Euh, de... Ah, c'est arrivé, c'est arrivé, mais c'était oui. pas très bien vu, effectivement. C'était pas très bien vu parce que, écoute, à l'époque, quand on a découvert les populations autochtones, ça a pris des années et des années et des années de débats au sein de l'Église catholique à savoir est-ce qu'ils ont une âme comme nous, les Français. Mm. Donc, à ce moment-là, encourager les mariages massivement entre Autochtones. Samuel de Champlain en a parlé dans ses écrits, comme quoi, euh, lui, il rêvait d'une nation métissée. Et euh, encore là, je pense que ces textes-là sont pris avec des pincettes un peu aussi là, dans leur signification. Mais euh, par contre, c'est ça, au niveau vraiment de l'Église catholique et des, 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 des Français en général, euh, pour les mœurs de l'époque, évidemment qu'ils n'allaient pas recommander ça vers des personnes qui voulaient convertir au catholicisme et dont ils doutaient qu'ils avaient une âme. Donc évidemment, fonder des familles stables de Français et tout, c'était... il fallait matcher sens. ça avec des Françaises, en gros. <laughs> Le sang pur, hein? Oui, oui, ouais, exactement. Donc, c'est ça. L'expression « fille du roi » comme telle, euh, ce n'était pas une expression qui était vraiment popularisée comme telle. Ça a vraiment été utilisé une fois par Marguerite Bourgeois, la fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame et celle d'ailleurs qui a acheté euh, la Maison Saint-Gabriel, dont on va parler tantôt. Marguerite Bourgeois, qui est quelqu'un de très important là, euh, au niveau du développement de la Nouvelle-France. Euh, sa communauté, justement, de sœurs enseignantes, euh, ben, c'est ça, c'est elle qui les a hébergées. Et « fille du roi », ça désignait vraiment les 17 premières filles là, qui sont venues. Euh, qui étaient des filles à marier, là, qui étaient là pour euh, oh, trouver 17? un époux. Juste... Oui, mais ça, c'était les 17 premières. Il y en a eu d'autres. Okay. Euh, mais c'est ça, ça, a été, c'est okay. pour vous dire où a été utilisée l'expression en gros. Okay. Avec okay. l'envoi des filles du roi, le ministre Colbert veut inciter les engagés mâles qui ont terminé leur contrat et les militaires du régiment de Carignan-Salière aussi qu'on vienne d'émobiliser à s'établir dans la colonie. Oui, parce qu'il y avait des guerres à l'époque, il y avait évidemment des guerres avec euh, l'Empire britannique et un des régiments qu'on avait dépêché en renfort euh, de la colonie, c'était le fameux régiment de carignan salière mm -hmm. Il y a plusieurs des familles d'ailleurs comme entre autres la famille La Montagne qui est originaire justement d'un La Montagne qui était soldat dans le régiment carignan salière qui s'est marié, qui a eu des enfants et sa descendance Lamontagne. La Montagne. Aujourd'hui, si vous connaissez des La Montagne dans votre entourage, il y a fort à parier qui descendent de ce La Montagne là. Oh, oui, okay. ah, oui. Donc, ils ont été quand même très importants aussi. Le roi va prendre en charge, euh, chose importante à mentionner, le roi va prendre en charge le recrutement, l'habillement, les frais de voyage en France et en Nouvelle-France, pardon, et la traversée de l'Atlantique des filles du roi. Euh, le but, c'est vraiment de les encourager à venir à la colonie sans que ça leur coûte trop cher, sans qu'elles aient à trop se procurer de ressources. Il va accorder d'abord une somme de 100 livres, dont 10 livres pour les frais de levée de recrues, 30 livres pour réunir un modeste trousseau et 60 livres pour payer la traversée de chacune des filles. Elles sont recrutées principalement dans la région de La Rochelle, de Rouen et de Paris. Ces orphelines sans fortune sont majoritairement d'ailleurs des filles de la ville. On estime qu'elles avaient entre 16 et 40 ans, pour une moyenne d'à peu près 24 ans à leur arrivée. Entre 1667 et 1672, en plus du trousseau, on va accorder à plusieurs de ces filles, soit 41 une dot royale de 50 livres, euh, ce qui représentait quand même une très bonne somme et qui, pour les hommes en Nouvelle-France, était quand même assez alléchante. Non seulement... La femme était à marier, mais en plus, elle avait des ressources et une bonne dot, ce qui était quand même intéressant là, pour euh, okay. fonder un patrimoine familial là, quand même assez important. Là. Ouais, ça venait de l'argent, ça, là, en plus. Ça, ça venait ouais. avec l'argent, bien sûr. Chaque mariage venait quand même avec une dot. C'était vraiment une tradition à l'époque. Quand une femme allait se marier, euh, elle venait souvent avec la dot de mariage que ses parents lui donnaient. Et là, dans ce cas-ci, c'était des orphelines, donc c'était plus comme le roi qui leur avait donné. Donc, une autre dynamique, mais on est quand même un peu dans le même genre de tradition, là, finalement. Euh, Quelques-unes vont recevoir des montants un peu plus importants, soit 100 ou 200 livres. Euh, certaines années de pénurie en numéraire, cette somme de 50 livres est remplacée, faute d'argent, par des denrées tirées des magasins du roi dans la colonie. Donc, faute d'argent, il y avait quand même moyen d'avoir d'autres euh, ressources, là, finalement, qui provenaient des magasins du roi. Alors, arrivée au Canada, ces filles sont logées et nourries jusqu'à leur mariage. Presque toutes, d'ailleurs, vont se marier assez rapidement. Selon les rapports des administrateurs, bon nombre d'entre elles étaient mal préparées aux difficultés de la vie paysanne y... canadienne. Y en France, y... Vivre en Nouvelle France, vivre en Nouvelle-France, très différent Question... comme contexte de vie. Question innocente. Y avait tu un bonus à se marier comme tel? Tu sais? C'était-tu la dot et tout ça qui arrivait, genre, j'imagine. Ben oui, parce que c'était pas seulement que le simple fait de marier la demoiselle, il y avait aussi toute la dot et les ressources que le roi avait fournies qui venaient avec ça. Mm -hmm. euh... C'est ça. Okay. Oui, donc c'est ça. Le mariage en soi, c'était une chose, mais il y avait aussi la dot et toutes les ressources aussi qui venaient avec, qui étaient quand même assez intéressant pour les hommes de l'époque. Ouais. Euh, mmh. Par contre, ces femmes-là, malgré les difficultés de la vie paysanne canadienne de l'époque, hein, je l'ai dit tantôt, grand territoire de seulement 10-15 000, 000 habitants, euh, des terres très éloignées, souvent à développer vraiment là, de A à Z, euh, vraiment pas une vie facile, une vie carrément de, 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 de pionniers, de colons. Euh, mais elles ont quand même relevé le défi avec brio. L'environnement canadien est plus riche en ressources alimentaires, la faible densité de la population. Ça leur a permis d'avoir quand même de nombreux enfants, il y avait de la place, comme on dit, là, pour euh, loger tous ces enfants-là, et de vivre un peu plus longtemps que leur cousine demeurées en France. Donc quand même, là, ça leur a apporté malgré tout euh, certains avantages. Mm -hmm. Si on parle maintenant de Marguerite Bourgeois, pour ceux et celles qui ne la connaissaient pas, Marguerite Bourgeois, d'ailleurs, je pense que c'est un boulevard à Montréal, hein? ça se peut-tu? C'est pas... Euh, bien sûrement, sûrement. Bonne question. Ça, euh, je ouais. ne sais, sais rien, honnêtement. Là. Je ne me souviens plus, moi non plus, ça m'échappe euh, sur le coup. Quelqu'un dans le chat pourra euh, me le dire au pays. Je demande aux internets tout de suite. <laughs> Donc, Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Montréal, communauté de Sœurs enseignantes, qui est née à Troyes, euh, dans la région de Champagne, en France. Elle est née le 17 avril 1620, décédée à Montréal le 12 janvier 1700 et inhumée d'ailleurs dans la même ville le jour suivant, béatifiée comme. Euh, Béatifié le 12 novembre 1950, canonisé L. le 31 octobre 1982. Oui. frank le plus proche, c'est la, la rue Marguerite-Bourgeois à Boucherville. On n'en pas à Montréal. Ah, Et je, je pensais connais. que vous en aviez un à Montréal. ça, hey, pas là. C'est Google qui fait une erreur, ça. Bon, Voyons, non. Hein. Est-ce <laughs> que je t'ai arrêté? Pas oui, de oui, oui, oui. oui. Donc, c'est ça. Elle a été béatifiée le 12 novembre 1950 et on l'a canonisée comme sainte euh, le 31 octobre 1982. Donc, euh, sommes-toutes quand même assez récentes au niveau eh de oui. ces distinctions-là. En 1640, Marguerite Bourgeois va se joindre à une congrégation d'enseignantes non cloîtrées d'un couvent de la région de Troyes, en France, qui était dirigée par la sœur du gouverneur de Maisonneuve, fondateur de Ville-Marie, qui est aujourd'hui Montréal, justement. Mmh. Elle va faire la route vers le Canada en 1653 et en 1658, va ouvrir une école pour filles dans une étable à Montréal. En plus de chaperonner les filles venues de France comme futures épouses des colons, donc les filles du roi, elle recrute des Françaises et des Canadiennes pour enseigner, ouvre un pensionnat pour filles à Montréal, une école pour les filles autochtones euh, dans la réserve des sulpiciens de la montagne, ainsi qu'une école d'art ménager. Ouais. Ses sœurs vont commencer à enseigner dans des paroisses rurales euh, et elles justifient leur refus d'être cloîtrées en faisant valoir que la Vierge Marie est demeurée laïque. Monseigneur de Laval, d'ailleurs, leur avait interdit de prononcer leurs vœux, mais Monseigneur de Saint-Vallier, son successeur, les invite à fonder une école à l'île d'Orléans. Elles ont bientôt une école d'art et une école primaire aussi à Québec. Donc, très importante quand même là, que les sœurs de la congrégation de Notre-Dame, hein, des sœurs enseignantes là, qui se sont quand même vraiment beaucoup impliquées dans la colonie, qui ont beaucoup euh, développé justement au niveau de l'enseignement, au niveau euh, de l'encadrement justement des jeunes femmes et tout, et préparées justement à la vie euh, qui les attendait et qui ont été vraiment très importantes dans, euh, dès leur arrivée, des filles du roi, de leur encadrement, de ces orphelines-là qui provenaient de la ville, et euh, de leur prochaine vie par après, là, comme femmes, justement, de, de nombreux époux, de nombreux hommes là, qui ont fondé des familles, donné beaucoup d'enfants et tout, là, qui ont aidé pas mal à la Mais démographie oui. de la Nouvelle-France. Desquelles on descend. Oui. Mmh. Euh, en grande partie pour beaucoup de familles, ouais effectivement. Oui, hein? Puis, euh, je me rectifie, il euh, y a effectivement une rue... Euh, Marguerite Bourgeois euh, dans le sud-ouest à Montréal, près du parc Marguerite Bourgeois. Ça fait du sens, ouais. Ah, c'est ça, c'est le parc Marguerite Bourgeois, je me souvenais plus. Oui. Puis il y a une voilà. rue qui, qui s'appelle comme ça. Là. Ah, voilà, c'est ce que je pensais. Ah, ah, en fait, c'est la rue du parc Marguerite Bourgeois. Ah, ok. Bah bon, bien c'est ouais. bon. On passe pas souvent par là. Hein, nous on est on n'est pas non, mal. Non, non, est... on est loin là. On est cloîtré à Pointeau, <laughs> nous autres. <laughs> yes. Oui, pointe aux tram est un peu plus loin, effectivement. Ouais. on est à l'autre bout de l'île, oui. Donc, maintenant, si on passe à la maison Saint-Gabriel, en fait, c'est en 1662 que Marguerite Bourgeois va obtenir de Paul de Chomedey de Maisonneuve, dont on a parlé tantôt, le fondateur de Ville-Marie, une concession à Pointe-Saint-Charles, dans le secteur sud-ouest de Montréal, qu'elle a grandi en achetant de François Lebert, dès 1668, une terre limitrophe et une maison. Le domaine conventuel ainsi formé, appartenant depuis plus de trois siècles à la Congrégation de Notre-Dame, porte successivement les noms d'ouvroirs de la Providence au 17e siècle de ferme de la Pointe au 18e, de ferme Saint-Charles au 19e, et va prendre finalement à partir de 1930 le nom de ferme Saint-Gabriel, en hommage au Sulpicien qui possédait autrefois une ferme de ce nom dans le secteur. Le domaine, dès son origine, est destiné à assurer la subsistance des religieuses de la congrégation qui dispense gratuitement l'éducation aux jeunes filles. Entre 1668 et 1681, en plus d'accueillir un contingent de filles du roi, la maison de vin devient vraisemblablement la première école ménagère en plus en Nouvelle-France. Dans les premières décennies du 20e siècle, les activités agricoles de la ferme vont se limiter à la culture potagère et à l'élevage bovin. En 1952, la vente de terrain à la ville de Montréal permet d'agrandir le parc Lebert et de maintenir en espace vert l'emplacement de la première concession obtenue par Marguerite Bourgeois. Le domaine qui cesse ses activités agricoles va prendre ensuite ses dimensions actuelles au début des années 60. Et la congrégation entame des démarches dans le but de le préserver et d'y établir aussi un musée. Une résidence érigée sur le terrain en 63-64 pour loger les religieuses. La Maison Saint-Gabriel va être classée par après ensuite en 1965 par le gouvernement du Québec. Les travaux de restauration de la maison sont amorcés d'ailleurs la même année sous la supervision de l'architecte Victor Despocas. Le musée consacré à la Nouvelle-France va ouvrir ses portes quant à lui en 1966. La Maison Saint-Gabriel va bénéficier d'une aire de protection depuis 1979. Donc c'est vraiment un terrain et un bien, une maison protégée là, euh, par les lois gouvernementales, reconnue oui. comme monument historique national en groupe. Donc euh, voilà, c'est ça. Elle a été classée justement parce que bon, elle a été le lieu d'accueil des, euh, des, des, des filles du roi au début de la colonie. Euh, et elle a été un domaine là, qui a vraiment perduré dans le temps, qui a eu plusieurs activités et qui a été vraiment euh, ce lieu-là symbolique d'accueil des jeunes filles avant mmh. qu'elles soient mariées après ça, là, finalement en Nouvelle-France. Donc un très très beau domaine. Mmh. Euh, encore visitable aujourd'hui, il y a pas mal de il y a pas mal d'activités. C'est sûr qu'avec le COVID, il y en a eu moins un peu. Mais euh, d'habitude, il y a quand même pas mal d'activités à faire là-bas. La là. site vraiment magnifique, une très très belle et grande maison. Euh, si vous avez l'occasion si de visiter ça, franchement, là, oui. je pense que c'est un lieu vraiment à visiter. Tu es déjà allé, euh, Frank? Non, malheureusement, je n'ai jamais été. Je n'ai pas visité Puis... assez Montréal à mon goût. Puis euh... Frank, euh, juste, attends, excuse Alex. Ouais. Frank, le, le euh, est-ce situé dans l'est euh, de la ville À ah, ta minute, je vais relire mes notes. Moi, j'ai plus l'impression euh... que c'est dans l'ouest. Oui, c'est ça qu'il disait, je pense qu'il était dans l'ouest. C'est ça, hein? Donc, ah, okay, ok, 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 ok. Point de Saint-Charles, dans le secteur sud-ouest ah, okay. de Montréal. Là. Ah, c'est ça! Ok, ok, ok. Mm -hmm. Yes! Ok, ok. Ah, t'es bon, Klim, de, de t'en être appelé que c'était dans l'ouest, parce qu'on ne sort pas de l'est, nous autres. <laughs> non! Non, non, mais, hein, non, mais euh, écoute, parce que euh, je, je, je regardais ça cette semaine, parce que je, tu sais, je, veux pas, je, je, je savais que tu allais venir à, à, à notre podcast, puis là, Alex m'a texté les. Euh, puis là, puis là, je regardais puis, mais on sait que c'est dans l'ouest, tu sais. Mais, my God, ça a tellement l'air intéressant en plus là, à visiter comme, comme plage. Je, je me disais, ça serait tellement cool d'avoir l'équivalent dans, dans l'est. Mais, mais non. On, euh... on euh, ouais. C'est ça, on a de quoi de similaire. Tu sais, il y avait beaucoup de, de, couv ben, de couvents dans l'est aussi, là. Euh, mais on se ça, tu vas peut-être en parler tantôt, Ninja Choiffeur. Euh... Oui, c'est ça. Ben, ben c'est ça en fait. Tu as parlé des, des sulpiciens. Euh, puis pour faire du pouce là-dessus, c'est que il y, eu, euh, y a eu le, le premier euh, père dans le fond, euh, François Segnot, qui a euh, à pointe aux trembles dans, euh, les, qui était un, 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 un sulpicien qui, parce que euh, qui a, avec deux sœurs, les sœurs euh, Marie Barbier et euh, Ursule Gariepi, euh, Sister Sainte Ursule qui appelait, puis Marie Barbier, euh, ils n'ont pas donné de, de, de name tag, là, I guess, là, mais euh, qui se sont qui se sont euh, qui ont fait eux euh, le, la, le couvent de la congrégation de Notre-Dame, le pensionnat Notre-Dame de la Trinité, euh, qui a été fondé en 1690. J'imagine tout ça est emboîté avec ce que tu viens de nous expliquer. Parce que euh, et, et puis il y avait aussi Il euh, y avait aussi le euh, qui ont euh, eux ils ont fait pas loin d'ici euh, la, la, ce qui est devenu aujourd'hui la maison du citoyen euh, dans le fond euh, pas loin de pointe au trambles que je parlerai plus tard dans le podcast là, Mais euh, euh, Mais c'est ça, euh, finalement tout ça s'emboîte. boîte là, et le et le Le, 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 father, là, le, le père s'appelait Father François Segueneau qui était comme le, le curé, j'imagine, de la, la paroisse, et qui, euh, le, à, à l'époque, ça s'appelait pas Pointe aux Trentes, ça s'appelait Saint-Jean-Fort. Hein? Ah, ben, Saint je... Oui, oui, oui. Pointe aux Trentes, ça ah, s'appelle Pointe aux C'est le dire. fort Saint-Jean, oui. Le fort Saint-Jean. C'était ouais. sur un site anglophone, ah. j'imagine que ça parlait français, là, ça n'a pas de sens, effectivement. C'était le fort Saint-Jean, oui. Ben oui, ah, ben c'est super. Mais les Sulpiciens, oui, euh, je veux dire, ils ont été majeurs dans le développement de non seulement de votre région, mais de Montréal carrément au complet. Parce ah, que dans ça. les premières concessions qui se sont faites, les Sulpiciens, c'est pas compliqué, l'île de Montréal au complet leur appartenait. Ah oui, okay, okay, L'île de ça. Montréal au complet leur appartenait. Les territoires autour, euh, les ah, premières aussi, communautés autochtones qui se sont développées autour de Montréal, c'est eux autres qui les ont développés. Euh, non, pour vrai, les, 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 c'est vraiment les Sulpiciens qui ont, qui ont carrément développé Montréal là, dans les premières années. Mm -hmm. Bien, puis, euh, puis tu sais, dans le fond, c'est tout, tout collé sur la, la voie maritime. C'est ça qui est, le, qui est le nord de la guerre dans ce temps-là. -là, c'est sûr. OK. Ben oui, c'est ça. C'est bien situé pour ça, justement. Puis, euh, ben, ça, et justement, toi, tu étais à Rimouski, Alfred. Ouais. Ça a été fondé avant ou après Mont Montréal, Rimouski? Ah, oh, après. Bien après. Bien après. Ah, c'est bizarre. Bien après. Les premières villes à être fondées, c'est vraiment les trois centres urbains qu'on a aujourd'hui Québec, Trois-Rivières, Montréal. Et ma ville On natale. à peu près dans. Sorel Tracy, Sorel Tracy aussi, qui était. Euh... Oui. <laughs> ah, t'es de ah, Sorel, je pensais que t'étais de ben, ouais. Pointe-au-Trente, toi aussi. Ben non, je... on... nous autres, c'est ça, on n'est pas de pointe aux trente on, est... on a déménagé à pointe aux trente okay. mais on... c'est pour ça qu'on ne connaît pas ça. Avez-vous ben, viens... de Sorel tous les deux Non. Non, moi, je viens de Rosemont. je viens De Rosemont, mais euh, c'est un petit peu, c'est ça, c'est le. C'est de découvrir un petit peu, c'est notre terre d'adoption à hein, moi et Alex. Ouais. Ok, ok, ok. Yeah. Fait que ça, ça fait ça. des années que vous êtes là, mais vous venez pas de là comme tel. Exact. Yeah. C'est ça, puis on, on connaît rien, tu sais. Moi, dans le fond, quand j'étais je, quand ado, j'entendais, ben pointe au tram, ça pue. pointe tram de les raffineries. Fait que sais, à un moment donné, tout <laughs> le monde du Pacifique il nous <laughs> okay. en parle, justement. <laughs> Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu vas voir, Montréal, ça sent pas mal moins bon que Rimouski, surtout dans l'Est. Ça sent un peu la raffinerie. <laughs> 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 les préjugés, <laughs> <laughs> c'est monde <du> <laughs> Pacifique. C'est <laughs> plus <rire> vrai. C'est plus vrai. Ben oui. Et hey, puis, parlant, pendant qu'on était dans le chat, je veux juste te remercier, Martin, pour le follow et aussi et bouffe mon 2 par 4 J'imagine que c'est le même qui qu le Merci pour les follow. Fait que C'est super, super apprécié. Ben, ben, gentil de votre part. Ben oui. Hey, c'est vraiment intéressant de, de t'entendre, L. Frank. Là, sérieux. On voit l'historien. C'est C'est malade. Je que je m'étais préparé. J'ai quand même pris pas mal de notes là, avant de, de, de déballer ma chronique. Là, mais quand même. Ben ouais. ben J'ai quand même la connaissance sous le chapeau. Ouais. Ben oui, ben oui. C'est clair. Fait que, alors, En tout cas, si tu dis que cette période-là, tu la connais un peu moins, euh, j'aimerais euh, ça t'entendre sur... <laughs> je aller... n'ose pas imaginer ouais, ce que tu connais. Oui, je J'ai pas bien compris. Pardon, ah, excuse. Bon, ouais, des fois, mon micro, il coupe avec Discord. Ouais, ton micro coupe des fois. Ouais, avec Discord, ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'hésitais à aller sur Discord. Euh, ouais, euh, j'allais dire que... Euh... Si tu connais aussi bien euh, cette période-là, puis que toi, tu dis que tu connais encore mieux la période du 19e siècle, euh, ça doit être assez intéressant de t'entendre en parler. Euh, oui, ben oui, De cette période ben Surtout que là, présentement, je suis en train de finir une maîtrise à l'Université Laval, une maîtrise que j'ai tirée, que j'aurais été censé finir il y a un bon bout de temps de ça. Là. Mais bon, les avis euh, et... euh, font en sorte que ça s'est étiré un peu plus. Hey, je, tra moi, je travaille ça, sur ça les patriotes, justement. Mm -hmm. Ça m'a ouais. toujours fucké, là, Elfrank, là. Université Laval à Québec. Oui, ouais, c'est normal. C'est parce ouais, que c'est okay. pas... Euh, Laval, ça vient de Monseigneur de Laval, le premier, euh, le premier archevêque de la colonie. OK. Ah, ben Et Laval, oui. autant que l'Université <laughs> Laval, ont été nommés à son nom. C'est le nom d'un personnage, ah, okay. pas le nom de la... Okay. L'université n'a pas été basée sur le nom de la ville de Laval. C'est ça, <laughs> Ouais. C'est bon, merci. Puis avant qu'il y ait ouais. l'université à Laval, ben, il y a l'université de Montréal qui est à Laval. Là. Mais C'est ça. C'est même. de même. Les, les universités Et ont oui. des campus partout, là, de toute façon. Oh. Oui, mais c'est ça. Je fais une maîtrise avec l'université Laval, effectivement, euh, depuis 2015, euh, sur les procès en cours martial contre les patriotes de 1838 au Bas-Canada. Fait que j'analyse autant les témoins que les témoignages. Euh, côté de défense, accusation, euh, l'implantation de la justice militaire aussi dans la colonie. Euh, Il y a vraiment euh... des. L'intervention de l'armée, tout ça, là, Puis vraiment, c'est ah, ça. Ouais. Les témoignages, les témoins dans tout ce contexte-là. Puis ouais. Ah, intéressant. Il y a vraiment des. Euh... Excuse-moi, juste Alex, il y a vraiment des, des, euh, des textes de tout ça qui ont été gardés. Tu sais. Ah ouais, c'est bien mal. Oui, oh oui, écoute, j'ai quand même beaucoup d'archives okay. que j'ai pu consulter. Euh, mes documents principaux qui ont vraiment été les, euh, les minutes de procès. En fait, là, tout le, 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 le processus et les délibérations là, par rapport au procès en cours martial, là, euh, toutes les déblatérations des textes de loi, tous les témoignages, les jugements, ah ouais. euh, euh... réactions et tout ça. Oui, ça, ça a été une des premières sources. Les examens volontaires qui ont été faits, ça, c'est comme un peu les interrogatoires en prison par les officiers de justice. Tout ce qui est examens volontaire, témoignages hors cours, des lettres aussi de correspondance. J'ai aussi les les rapports d'élection aussi, des élections justement de ces années-là, pour qui telle personne avait voté et tout ça. Euh, fait que, ait plein d'archives qui ont été conservées comme ça. Ça, ça a tout été gardé euh, sans, sans, sans qu'il y ait du iCloud, sans qu'il y ait du… Mm -hmm. Tu sais, c'est fou. Il y a vraiment les gens qui ont gardé les papiers, j'imagine, qu'ils ont numérisé plus tard, mais tu sais, c'est… Oh, oui, oui, c'est ça. Je te dirais pas mal. Toutes mes sources, ça a été euh... des sources que j'ai eu accès euh, en numérique. Mais il y en okay. a plusieurs qu'il a fallu vraiment que j'aille ensemble centre d'archives, que ce soit à Ottawa, uh -huh. à la Bibliothèque et Archives Canada. Euh, ou à la Bibliothèque Archive nationale du Québec à Montréal, à Montréal. et à Québec. Là, qu il fallait que j'aille chercher un peu fonds d'archives à ce niveau-là. Là. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de stocks en ligne là, de nos jours. Mm -hmm. Ah ouais, okay, ouais c'est ça. Moi, j'allais dire euh, que dans notre premier épisode de Radio Pointeau, on a parlé justement d'un sujet, parce que là, à date, euh, mes sujets, je, on y va dans, dans le mystérieux... Euh, euh, puis, euh, puis les, puis, puis il y a eu des, on parlait des sociétés secrètes, ça fait trois épisodes qu'on parle des, des sociétés de secrètes, puis on a parlé des frères et... chasseurs. Tu dois connaître les frères chasseurs. Et, euh... Absolument, c'est eux autres que j'étudie justement. Ah ouais, c'est <laughs> ça. Est-ce que, je... tu est es t'es un frère chasseur Non, <laughs> non. non, On ne peut pas dire oui à ça parce que ils n'existent plus depuis les rébellions. Donc, euh... ouais, ouais, <laughs> ça, C'est on a vu ça, au dernier ça, podcast. Ça, podcast ça a duré six mois là, en gros, là, euh... ce, cette société-là. Mais on en parlait dans notre euh... épisode 1. Plus que ça, un peu ça a ben duré À pointe au tremble ouais, ben Point c'était plus... Ah, six mois Trump, parce okay. qu'il y a eu une petite cellule de Frères Chasseurs, c'est pour ça qu'on en a parlé... Ah, euh... oh, ça ne me surprend pas, ça me surprend pas. il était surtout concentré sur la rive sud de Montréal. Euh, mais il y en a eu pas mal à Montréal aussi, là, malgré tout. Bien sûr, puis moi je trouvais ça intéressant parce que les Frères Chasseurs, on parlait aussi de, de Sorel, parce qu'il était pour faire un, un, une attaque sur la ville de Sorel pour euh, l'armement. Puis euh, moi, je viens de là, fait que je trouvais ça le drôle de parler des frères chasseurs qui sont passés par Pointeau, puis était étaient pour couvrir euh, l'attaque de, de Sorel pendant qu'un est... autre groupe allait euh, de la rive nord. Je sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. En tout cas, il y avait, il avait ébauché un plan, un plan machiavélique qui n'a pas eu lieu finalement. Plan d'invasion de la colonie, euh, prise de contrôle du gouvernement, proclamation de la République indépendante du Bas-Canada, puis euh, opposition là, euh, forte et féroce, là, justement, contre, euh, contre l'Empire britannique. Ben oui, c'est ça. C'est maudit. Ben oui. Ouais, que... Rien que ça. Rien que ça. De, de, quelque chose de pas trop ambitieux. <laughs> pas là. trop ambitieux, ben oui. <laughs> Allez, ben Surtout en... vu la taille de l'Empire britannique de l'époque, ouais, c'était pas évident. <laughs> ben oui. Ben oui. Elle, elle est d'arrosie. Elle, est euh, Frank, elle dit qu'elle aime bien ton, euh, ton arrière-plan. de... Belle. Ah merci ça fait longtemps que je l'ai quand même écoute ça fait trois ans que je suis sur Twitch puis j'ai toujours eu le même genre de fond d'écran c'est que ma chaîne j'appelle ma communauté les diablotins historiques oui, puis, oui, vu oui. que j'ai une chaîne très justement vulgarisation de l'histoire et tout ben j'ai fait comme si dans le fond j'étais le roi d'un royaume de diablotins historiques puis là ça c'est ah. comme l'étendue du royaume le château qui est là le navire de guerre puis même tout, le t-shirt était là là, là ouais. même de... Yeah, malade. J'ai l'air d'avoir mon logo. Ah, super, super. Hey, ben, en ce cas, un... Ils sont en vente, d'ailleurs, dans ma boutique. Ah, c'est okay. bon. Ben oui, ben ah, oui. oui. J'irai voir, je hey, puis euh... voir Frank? Ben oui, de ben, toute façon, là, la plupart des gens ici doivent te connaître, là, mais ouais. ça ne m'empêche pas de... <laughs> de te faire un en petit... Il y en a qui viennent de moi, là, mais quand ben même. Ben oui, ben oui. Ben oui, <laughs> ben oui fait on va faire un petit shout-out à Al Frank euh, Merci pour... Euh... Pour ta chronique, euh, L Frank, c'est super euh, apprécié vraiment. Ouais, merci là, beaucoup. Puis merci tu sais, d'avoir fait, fait, fait un petit pre-stream en plus, puis d'avoir plugué euh, ma chaîne. C'est vraiment, vraiment le fun. Là. On, est, on est vraiment très, très content de, de ça. Ben, ça fait plaisir, écoute, je trouve que tu mérites d'être vraiment plus connu. Je suis passé voir tes streams à l'occasion euh, sais c'est sûr que ça fait pas longtemps que tu as commencé, les gens ne te connaissent pas encore beaucoup et tout. Mais euh, non, ça me fait plaisir, écoute, de faire ma part pour te promouvoir parce que ce que tu fais, je trouve que ça mérite d'être plus connu. Parce que des streams de gaming, des streams où des gens font juste jouer à des jeux vidéo, parler, dire n'importe quoi, on en a plein de ça. Mm -hmm. Mais des streams d'art, honnêtement, on n'en a pas beaucoup au Québec. Là. Euh... Je connais juste oui, toi, oui. je connais Calicea, je connais Petite Tanante qui en fait un peu aussi, Maripou. Euh, la petite comique aussi qui fait des emotes, vous êtes une poignée, vous êtes même pas une dizaine. Là. Fait que euh, je trouve ça euh, important là, vraiment de vous mettre en valeur Puis euh, de faire en sorte que les gens vous connaissent un peu plus Ben oui, ben c'est super, super apprécié Moi en tout cas, j'ai vois ceux-là aussi Puis il y a beaucoup de français aussi là, euh, fait, que, euh, fait que Mais tu sais, moi j'aime ça encourager le, le Québec Puis faire qu'on ait une communauté québécoise Diversifiée, puis euh, forte Puis intéressante, là, fait que c'est super le fun Qu'on puisse aussi avoir ces échanges-là Entre streamers, puis de, de faire des collaborations Comme ça, c'est vraiment, vraiment le fun Moi je trouve, c'est l'esprit de communauté Que j'aime beaucoup de Twitch là, euh. Oui, euh... non, oui, totalement. Ouais. Totalement, bon. puis là, c'est sûr que là, tu as connu ça en temps de pandémie, mais euh, tu sais, attends justement que l'on soit tous vaccinés, que le, le déconfinement commence, que l'on puisse avoir des rassemblements, des événements. Euh, tu vas voir la communauté Twitch, IRL dans les meet-ups, comme mettons les gros événements comme le LAN ETS, le DreamHack, le LAN d'autres euh, petits meet qui s'organisent un peu partout à Montréal, Québec et tout ça. Euh, pour vrai, là, c'est encore, encore plus une belle gang quand tu es rencontré en vrai, finalement. Ah ouais ah oui, ah ça c'est malade ça c'est malade parce que c'est vrai qu'on se côtoie tu sais des fois on va voir les streams de un puis de l'autre là fait que ça doit être vraiment vraiment intéressant là mais j'ai j'aime bien ça être fait de ben oui ben oui euh, voilà ben, en tout cas encore une fois merci euh, ben oui, merci merci beaucoup d'avoir été là Al euh, Frank euh, tu veux-tu rester tout avec te nous pour moi tu veux tu ben je, veux... je veux... Ben, c'est je... ça que j'allais dire écoute je sais pas comment vous avez prévu votre structure d'émission mais moi euh, je m'étais bouqué la soirée initialement là fait que c'est vous qui voyez. <laughs> si tu veux rester avec nous. Je peux rester, euh... je peux aller, non, non, ben, ben écoute, si tu veux rester avec nous, on va, on va te garder. Alors on sera bien content. Ouais. Bon, euh, ça me fait plaisir, écoutez, il n'y a pas de problème. <laughs> Bon, yes. ben, hey, on va passer à un autre sujet dans ce cas-là. Ben, merci de, de rester. Super. Ben, écrit. Oui, oh, okay. oui. bon. Ben, puis, on... Euh, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux vraiment nous couper la parole comme je t'ai coupé la parole. Tu te gênes pas. <laughs> on m'en donne à cœur joie. Ben, ouais, <laughs> ouais, c'est <fait> plaisir. <laughs> fait que je vais juste nous grossir un petit peu. Fait que, dans le fond, là, euh, on... avant qu'on passe. Attends, je vais juste euh, essayer d'arranger Ninja Coiffer comme ça. Euh, puis. Moi, je vais juste me placer un petit peu mieux. puis je euh... Oh, oui, c'est le même, c'est parfait. Eh, écoute, euh... Ninja Coiffeur. Ça serait, oui. serait l'heure de la boîte mystère. Le... Quoi? C'est l'heure de la ouais. boîte mystère. La boîte mystère, mais qu'est-ce mais que ça, la boîte mystère? Ah! Oh. Oh. Cette boîte-là, tu parles! Ouais! <laughs> Vraiment? Vraiment! Euh, Alex, Alex est venu me porter une boîte mystère aujourd'hui à la maison. Il m'a dit qu'il fallait que je l'ouvre durant le stream. Puis... Oh! Ben! Je suis très curieux de euh, savoir qu ce qu'il y a. On bien, de voir ça. Hein? cest tu malade avec un peu. C'est euh, lui oui, qui a mis le les mais... trucs? <laughs> Il y a du crafting, mes amis, là-dessus. Il y a du crafting. Fait que je, je l'ouvre de ça pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hey, on va faire ça à la passe partout un peu. Je ne regarderai plus mon stream. Non. Un peu, peu ça se fait-tu, genre, que les auditeurs verraient ce qu'il y a dedans, mais pas moi. Où je l'ouvre, Alex Ah non, ouvre-la puis check dedans. Ça va. Ok, ok. On Merci va, euh, Amio à Amio Pac-Man pour le follow. Super apprécié. Eh hey, hey, oui, ah, elle m'a demandé à boire. Ben, petite gorgé. Oh. Je... Hey, oh Ok, avant la boîte mystère, Alex c'est. Pour la petite parenthèse, c'est un de mes amis dans la vraie vie. C'est un gars que je connais depuis, depuis le cégep. En fait, c'est vraiment de mes très bons chums euh, proche de Rimouski. Euh, modérateur okay, aussi sur ma chaîne. Euh, Puis d'ailleurs, c'est ça, ce gars-là, côté bière. Si vous aimez les bières de microbrasserie, allez y jaser, allez voir sa chaîne Twitch aussi. Le gars fait des lives de dégustation, justement. Ah, avec oui, des okay. entrevues, des choses comme ça. Wow. Très, très calées ah, au oui, niveau hein. des bières de micro. -brasserie. Ah, ben on va. Ah, vais... Nous, on essaie... on essaie de plugger un petit peu une dégustation de bière dans nos. Euh... Dans, dans notre émission, puis Alex, je peux-tu attendre un petit peu, parce que là, on parle de bière, genre, la boîte mystère... Ah oui, parle, parle de bière, parle de bière. OK, je parle de bière. OK, parce que là, euh, on, on vient de parler de bière, puis euh, j'ai été, été m'acheter des, euh, euh, des... des bières, on le rappelle, euh, au Frigo des Dieux, euh, restaurant de microbrasserie, de bière de microbrasserie à Pointe-aux-Trembles. Il faut aller là, c'est vraiment le C'est une épicerie fine. <laughs> oh, oh oui, mes amis, je viens de me boire une... Euh, une Hopman, qui est l'équivalent de, 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 de. une bière de gamer à 8,5%, à 8, euh, qui, qui représente un peu le, le jeu Pac-Man sur la bière avec des, des petits morceaux de houblon. Oh, oui. C'est beau, hein? Assez beau. Je suis pas sûr que tu es bon à Pac-Man après avoir bu ça par contre parce que c'est 8,5. Il a, a probablement et... déjà dû boire. A, ce gars-là a tellement de collections de bières de micro incroyables chez lui. Là. Ouais. Ah oui, hein, c'est ça. Moi, ben, ouais, je, je m'y connais quand même en microbrasserie aussi. J'ai brassé ma propre euh, bière et, pendant. Euh... Et, Alex, je t'arrête. Oui. Je t'arrête tout de suite. Quand je suis allé au frigo des dieux, oui. première chose que j'ai demandé en rentrant, T'as-tu une bière qui a été brassée à pointe aux tremble Et devine ce qu'il me répondu, il me répondu. Ben non, j'en ai pas. Ben non, fait oh. que la, réflexi... la réflexion que je me suis passée c'est toi qui as déjà brassé de l'excellente bière à Pointe-au-Tremble. Tu es donc donc Frank, qui est le meilleur historien de Twitch. <laughs> toi tu es probablement le meilleur ex-brasseur de pointe au Trente. <laughs> parce que y en a Alexandre faisait Alex faisait de la très bonne bière, c'était malade, il nous recevait chez eux, il y avait même un frigo avec des pompes. Écoute, Alex ouais. ta bière me manque. Ah oui. Mais ça reviendra je... peut-être un je jour. Compte... <laughs> Ah ben, écoute, ça serait mon grand plaisir parce que c'était vraiment délicieux. Puis, Attends, j'ai euh, bien ai... compris, t'avais avais une brasserie à pointe aux 30. Ben, j'ai. on avait un un kit de brassage semi-industriel euh, deux de mes okay. amis et okay, moi okay. puis on brassait notre bière euh, nous-mêmes là puis tout ça mais c'est oh, ouais. ben okay. ouais. juste qu'à un moment donné euh, on... c'était pas mal long à faire euh, puis euh, j'ai ça j'ai un kegerator ben ouais, j'ai ça mais ben, j'ai ça encore euh, je mets je mets de l'eau maintenant dans mes kegs puis je me fais de l'eau pétillante <laughs> c'est comme des euh... mais ça on a arrêté parce que c'était vraiment long tu sais il fallait qu'on trouve le temps puis j'ai avec mes trois enfants c'était un peu euh, difficile de, de ah, ouais marié ah, euh, tout ça, là. Fait que... Euh, puis il était plus jeune aussi, à l'époque. Mais ça euh, reviendra. Mais on a tout vendu pour... Euh, C'était rendu trop gros, puis euh, ça prend beaucoup de permis pour, euh, pour vendre, puis tout ça. Puis tout le monde voulait tout le temps m'en acheter, puis euh, c'est ça. C'était comme compliqué, mm -hmm. Moi Moi, je vais y en acheter. T'es vraiment bonne, t'es bien. Mais alors, en tout cas, sache que maintenant, la place est libre à Pointe-aux-Trembles si tu veux être euh, euh, ouais. le, meilleur, euh, le meilleur brasseur de Pointe-aux-Trembles. Euh, donc... Euh, plusieurs produits ce soir dont de la le jugement de la brasserie Donham super euh, design sur la bouteille très violent oh. les dessins ah, ouais. sont malades oh, mais belle étiquette c'est qui qui a Et fait quoi, le dessin là dessus euh, tu, tu, vois tu le nom de l'illustrateur je vais regarder ça pour toi après, après les avoir montrés aux gens ah, qui Ouais, écoute. malade, malade. Euh, vraiment le dessin il est vraiment violent il est fou il tue la personne avec un avec un, un tesson, un tesson de bouteille. Ça, bon, autre... euh, ça fait penser beaucoup au film La Purge. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, oui, oui. oui, ben oui. oui. Moi, je ne ben l'ai oui. pas vu, mais je l'ai beaucoup entendu parler. Je connais le concept, un, là, deux, mais trois. ça fait un peu penser à ça. Le concept est assez oui. simple. Oui, Denham, c'est vraiment bon. Ah, écoute, ben là, c'est ça. Je m'étais dit, je vais acheter d'autres choses que de la Denham, mais euh, toutes les fois que j'y vais, ils ont une nouvelle que mm. Je ne peux pas pas l'essayer, elles sont toutes bonnes. Euh, mais, euh, Alex, tu m'as demandé l'illustrateur. Des fois, c'est marqué sur le tour. En okay. petit petit petit. Oh, oh, oh. De, Meilleur euh, micro au Québec selon Martin pau Mais c'est vrai que Donham, la particularité qu'ils ont. Ben moi d'ailleurs, euh, j'ai suivi une formation pour devenir, euh, pour être, pour apprendre à brasser. Puis c'était euh, une des personnes qui me donnait cette formation là. C'est euh, le gars qui va chercher les levures sauvages à Donham. Euh, il s'appelle Maxime Cloutier. Puis lui, sa job, euh, c'était de D'aller dans la nature, puis de, de recueillir des levures sauvages, puis de les faire grossir de les faire euh, proliférer sur des, euh, des géloses, puis euh, de les isoler pour, pour les mettre dans la bière. Puis euh, c'est comme des brettes qu'ils rajoutaient dans la bière pour donner le petit goût. Puis en plus, à âme ils, euh, ils ont de l'eau euh, d'un puits pour faire leur bière. Fait ils ne peuvent pas faire des quantités astronomiques parce qu'ils ils peuvent pas vider la nappe phréatique, là, de, comme, mettons, Bolson le frais, Ils font ça avec l'eau du robinet et puis mm -hmm. ils il la modifient. Mais, euh, Donam, ils prennent vraiment de l'eau de, de source d'un de, puits. C'est ça, ça la particularité qui donne ce goût-là euh, vraiment spécifique. Je ouais, qu ce, ouais, qu -ce qu moi? que tu parles là, j'en avais entendu parler. Comme quoi, ils prenaient vraiment une eau spéciale qui venait d'un puits et tout. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben oui. Alors, fait que... Oh, t'avais un sabre laser derrière toi, je viens de voir oui, ça. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe derrière moi, tout le monde Ah, <laughs> c'est ça. Oh, le sabre de Un sabre laser. En plus. Ouais. Une bière qui s'appelle, lisez bien, mes amis, la. Sabre laser. Sabre laser. Et... En bois de Saint-Casimir. Ça, ça vient de Saint-Casimir, tu dis Ouais. Parce que ça vient de Saint-Casimir, ouais. Ouais. C'est euh, les brasseurs, les grands bois. C'est ça. Oui, c'est ça, il me semble que ça vient de là. Écoute, je pense que... Puis là, je ne pouvais pas sortir mon sabre laser. C'est... garde. Sabre laser. Puis, je goûte à ça à l'instant. parce qu'elle m'intrigue ben trop. C'est une... Sabre laser des grands bois. une. Ça doit être une IPA, parce que une... sabre, c'est ben une, oui, de... une, ouais, une variété de... Ben oui, c'est C'est une variété de blon. C'est une station IPA, 4,2 d'alcool. Excellent. Donc, euh, ouais, euh, je goûte ça à l'instant, c'est sûrement bon. Ah ben là, vous me donnez le goût d'ouvrir une bière. Ah ben là, c'est vendredi. Vas-y, vas-y, vas-y. Ben oui, moi, pendant ce temps-là, oh, euh, je bois la Ruby Red de, du Trou du Diable, qui est une de mes, euh, de mes micro brasseries que j'aime quand même beaucoup. Puis, euh, ils font des caisses de 12 maintenant. Ouais, le coiffeur, est manifestement un Il ne fait que montrer des bières oublonnées. Oui. <laughs> Ah, écoute, ça se peut, ça se peut. C'est-tu quoi, Amyo Pac-Man? J'y vais avec. Honnêtement, là, les étiquettes. Je suis visuel. Je regarde. Waouh, tu sais, beau dessin. Ouais, je pense que. Ben oui, sûrement. Hop, euh, Ed. fais mon coming out. <laughs> C'est mon fumide spécifique qui dit que ça a l'air que Ninja Coiffeur, il y a un très gros sable laser. J'en ai entendu parler. <laughs> je ne sais pas. Est-ce que c'est la même personne qui voulait que, que je fasse un, un striptease, là? Je ne sais pas trop l'autre fois. là. All right. Ben oui, c'est drôle. On ne sait pas c'est qui c'est mon fumier spécifique, fumer. mais. Ben mais c'est lui qui m'a demandé l'autre ouais, fois. Oui, oui, euh, c'est la... ça. Ça fait deux affaires qui est deux fois qu'il te niaise, Fait enfin, je sais pas si. Ben écoute, euh, <laughs> c'est <des> requests, <laughs> Peut-être peut que un moment donné, je vais, je vais me laisser aller dans, 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 dans tes demandes. Écoute. Ben, il y a peut-être de quoi de phallique là-dedans. Écoute, c'est merveilleux. Sans ouais. blazer. jai eu du fun avec ça, Alex? Eh ouais. Mais là, je pensais pas qu'il t'en blazer. Restait. Écoute, bien ça, il y a un centre d'effets Ah, oh, ne l'a pas entendu. Oui. Non, je l'ai pas. J'entends. Je ah, oui, OK. Il y a du monde qui se batte pour vrai avec ça. Hein? Euh... Ben oui, je sais, écoute. Ils font des mods. Il y a à peu près 10 ans, j'ai acheté ça, ce sans blazer-là. J'en avais acheté genre 6-7. J'étais parti sur une Go avec ça, les sabres laser. Puis euh, j'ai rencontré ma femme. Puis je me sentais comme un petit gars. J'ai dit, il faut que je me débarrasse. faut pas qu'elle pense que je suis un, tant un petit gars que ça. Il faut que je me départisse. de. de... Mais j'en ai gardé un en souvenir parce que c'est celui de, de Luke Skywalker du, euh, de l'épisode 4, là, que je trouve vraiment hot, qui est vert. Mm -hmm. Mais ben oui, je suis un fan de Star Wars, que voulez-vous. Euh, donc j'ai pris ma première gorgée du, de la bière sabre laser. Écoute, j'y Non! Non, c'est pas ma préférée. Ah, mais non, mais le sabre, euh, Ouais, euh, peut-être. Les points. Comme trop légère, mais elle, elle a du goût. Légère. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Légère pour les c'est rare, ça. Ben, c'est une Ben, justement, c'est une session. Ah, c'est une, une session, OK, ouais. C'est une session. Euh, puis, donc, elle n'est pas forte en alcool, 4,2. Elle est bonne. Euh, écoute, c'est ça. Vraiment, Mais la bouteille, écoute, faut que je la montre, là. Il le... faut que je la montre encore, là. On a vraiment une espèce de design science-fiction. Mm -hmm. des, mm -hmm. Tu sais, les films des, des années 60 en noir et blanc, même, en tout cas, les premiers films de science-fiction, là... Mm -hmm. Ça me fait penser à ça. Ben c'est oui. drôle, ça me fait plus penser à Star Trek qu'à Star Wars. <laughs> Pour le nom, là. Ben, Sabro. Ouais, ok. Ben oui. Sabrou. Check, check une espèce de robot ici. Euh, ouais, mais ben là, ils peuvent Qui est dans le fond. Qu'est-ce que c'est, ça, Alex Tu sais, c'est quoi ça, ça C'est un, ferment, un fermenteur. Un fermenteur robot. Ben ouais. oui. Mais tu sais, ils incroyable. peuvent pas faire trop Star Wars non plus parce que ben, oui. sinon, ils vont avoir des problèmes avec, euh, avec Disney. El Frank, tu bois quoi? Ah, de mon côté, c'est tout simple. En fait, euh, j'aime beaucoup prendre des bières de micro spécialisées aussi comme ça. Mais euh, pour ce soir, c'est tout simple. Je n'ai pas pensé vraiment acheter de bière avant le, le début de, 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 de mon pré-live et du podcast. Donc, euh, ouais. je me contente simplement d'une Boréal rousse. Ah, ben tout sous, ça, c'est oh, un excellent choix. C'est oh, la bière préférée de Ninja oh, C'est <laughs> ma préférée. Regarde. Ah, pour vrai? <laughs> Donc, vraiment, vraiment. Je l'ai dit à l'épisode dernier. C'est un, un amour d'adolescence auquel je pense encore puis que je vais m'acheter de temps en temps vraiment. J'adore cette bière-là. Qui, qui est hyper caramélisée comme rousse, là, c'est bon, là, ça coûte pas cher, c'est merveilleux. Là. Oui, c'est pas mal parmi les, les meilleures rousses que j'ai goûtées, effectivement. Ouais. Il y a Amio Pac-Man qui vient de finir, une Funky Pomme récolte 2018, Pomme Wild. Je ne connais pas oh. du tout ça, mais ça me sonne comme un cidre plus que. Euh, plus hey. qu'une bière. Fait que, arrête, c'est la Black Label ta préférée. <laughs> oh, ben oui. Vraiment pas bonne, cette bière -là. Elle a son, son charme. C'est un charme de nostalgie. C'est un, un, hey, un charme de nostalgie. Il y a, nostalgie. A, eu des, il a eu des publicités de malades de, de, de Black Label dans le temps. Tu ne pas ne pas aimer la Black Label. Il, 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 écoute, il y avait des, des belles femmes, des beaux gars. C'était fou. C'était fou. C'était en noir et blanc. Là, ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, ouais. Mais, euh, je ne sais pas à quel âge, mais. Mmh. Euh, quand ça a sorti la Black Label, là, ils ont vraiment des paquets sur la, la campagne publicitaire. Je suis en bon 31 ma... ans en septembre, je suis tout jeune encore. Ah, ah oui. J'ai 41, ça fait que peut-être le 10 ans, il est là. là j'ai Ah ben oui. Ah, C'était <laughs> malade, C'est malade. Mais là, mais... Black Label, vous irez voir ça sur YouTube. Ninja quoi faire là, Tout le monde attend que tu ouvres ta boîte surprise. Ah <laughs> bah Oui, elle n'est même pas ouverte ah, encore. Là, il faut que je sois hystérique. Non, 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 non. J'y vais, j'y vais, j'ouvre ça. Oh! Je l'ai emballé. Ouais. Oh! Ça ressemble à... Ça ressemble à du tissu. Ouais. Ça sent du tissu. C'est pas que c'est du tissu. On regarder ça. Ça ressemble à un T-shirt, ça. Oh! Tu es malade. Tu <laughs> es malade. Tu es malade. T'as fait ça Déjà? Check check. T'es en vrai le chandail de votre podcast. Ça? Hein, ben, ben oui. Ben... Waouh, c'est bien le fun ça. Ah oui, c'était ma surprise. Très <laughs> euh... nice ce logo, j'aime beaucoup. Merci. On le fait en live en plus. <laughs> oh, nice ça. Ah oui, c'est comme, comme les gens, ils disaient, ils avaient leurs idées un peu, pis tout ça. Pis, euh, Fait que, ben, merci, euh, L. Frank, là, euh, Fait que, va mettre ça, là, Ninja Coiffure, là, tout de suite, hein. Parce que là, L. Frank il a son chandail, L. Frank. Pis là, nous ah autres. Ah oui. On <laughs> a nos chandails de logo chacun. <laughs> Je sais bien que ce saumon fumé du Pacifique voudrait bien que, que je le mette live, mais non, euh, je vais me garder une petite gêne, puis je vais aller me changer un peu plus loin. Ouais. Ça, je non, de toute façon, tu peux pas. Tu peux pas. Les, les... Même les mamelons des hommes sont interdits sur Twitch. Ah, ah oui, hein, je vais être, ouais. je vais être... Allez, ouais, là, mais c'est moi qui vais être banni. Là, ça va être ma chaîne. C'est ça. <rire> <rire> tu pourrais te faire un strike, effectivement. Ah <laughs> euh, oui. <laughs> Donc, Radio Pointeau avec Frank, c'est en direct de pointeau Peur. <laughs> c'est à côté un de des euh, ouais. whisky. Oui, c'est ça. C'est un, un quartier qu'on a chez nous qui est très populaire, notamment à cause du site historique maritime. Ben oui, j'ai un de mes meilleurs amis qui vient de saint luce sur mer Fait que je suis déjà allé à Poit-au-Père visiter le sous-marin. Euh... Ben oui, ben oui. Ben ouais. James? Avec le musée de la presse. Oui, euh, oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Le phare aussi qui est classé monument historique national fédéral canadien. Mm -hmm. Ben oui, c'est. Euh, bel... Ben tu euh, justement mon ami, euh, il travaillait au bistrot du Nipigon, là, c'est ça? Oui. C'est ça. Il travaillait là, puis le, le, le Nipigon, c'est un, un bateau qui a coulé, cest ça? Pour, si je me souviens Un bateau qui, euh, qui a fait naufrage, en fait. OK, oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je me rappelle pas à quelle époque, par contre, mais oui, euh, c'est un des bateaux qui a fait naufrage. Puis, ben, pointe au père, en fait, euh, la naissance du site historique vient du naufrage de l'Empress of Ireland. Ouais, c'est est survenu ça. pas trop longtemps après celui du Titanic, euh, en exact. 1914. Euh, avant... Le Titanic, c'est quelle année, déjà? 1911. 911, c'est ça. Donc, trois ans après le Titanic. Et euh, qui a fait encore plus de victimes hein, que le Titanic. Ouais. Et qui a coulé encore plus vite que le Titanic aussi. Ouais, ouais. Le Titanic, ça a pris un gros deux, trois ans facile avant que tout coule comme il faut. Mm -hmm. Alors que l'Empress of Ireland, 14 minutes, c'était fini. Ben oui, ben oui c'est ça. Hey, c'était rapide, 14 minutes. Hey, merci James Suzuki euh, pour euh, le follow. Super apprécié. Merci beaucoup. Ben oui, euh, l'Empress, a fait beaucoup de morts. Puis je pense qu'il a comme coulé mal. Il a coulé juste d'un côté. Puis là, les... en tout cas, je me rappelle plus c'est quoi l'histoire, mais il y avait de quoi de tragique là-dedans. Là. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que <coughs> le navire de l'Empress, en fait, a eu une nappe de brouillard en arrivant à Pointe-au-Père. Euh, Puis après ça, il y avait un navire norvégien, le Storstad, qui est un petit navire, là, dans le fond, de transport de marchandises. Euh, les deux navires se sont comme juste carrément mal parlés à travers de la nappe de brouillard. Et l'Empress of Ireland circulait comme ça. Le jusqu'à a juste complètement dérivé et a percuté le milieu du navire carrément en plein centre. Ah ouais. Oui. Ça me va à merveille. Ouais, T'enlèveras l'étiquette dans le... dans le collet. <laughs> <laughs> THX1138. Mais euh, non, sérieusement, c'est super gentil de ta part, Alexandre. Merci beaucoup. Euh... Oui, ouais, ça me fait plaisir. Ça fait, ça fait un mois que je prépare ça, Colin. C'est parce que. Ah ouais. Hein. Ben oui, c'est parce que, tu sais, avec euh, ma chaîne, je veux faire. Euh... Euh, des, des, genre des illustrations vectorielles pour faire des t-shirts. Puis euh, là, je me dis, ben, on va commencer à tester une compagnie, pour euh, faire des t-shirts. Puis euh, j'ai essayé cette euh, compagnie-là. Puis euh, ça fait des... Euh, J'avais un rabais pour, euh, pour la première commande, là, pour tester la qualité du produit. Fait que euh, c'est ça. J'ai fait faire des, des chandails des radios pointeaux. <laughs> si jamais tu veux les commercialiser, mettons, euh, mettre des textes, des... des, des des publicités, des choses comme ça, où tu veux faire d'autres designs, soit pour ta chaîne, soit pour euh, Radio Pointo comme tel. Euh, As-tu exploré la boutique de Stream Elements? Euh, je ne l'ai pas exploré, non. Je ne l'ai pas exploré celle-là. On va voir, parce que dans le fond, toi, à t'occuper de rien. Tu fais juste comme carrément mettre les logos. Les ouais. gens achètent tout directement via le lien Stream Elements que tu leur donnes euh, dans ton chat. Puis après ça, ben, tu as des alertes aussi de stream qui pop au pour faire à mesure que les gens achètent des produits. Puis euh, ça donne une cote de profit. Je pense que tu peux même la paramétrer, un peu comme dans la boutique de Streamlabs. Mm -hmm. euh, Puis après ça, ben, tu peux comme mettre vraiment tes propres logos, euh, choisir tes objets et tout. Toi à t'occuper de rien au niveau de la commercialisation, l'achat du produit, des matériaux et tout. C'est vraiment toi les autres qui s'en occupent avec euh, les compagnies avec lesquelles ils font affaire. Ah ok, c'est cool. Euh, moi je... C'est parce que je voulais aussi... Euh... C'est parce que je veux, je veux faire les... des trucs pas juste pour ma chaîne, mais tu sais que je peux aller vendre aussi dans des petits marchés et tout ça. Fait que c'est pour ça que je vais me chercher une compagnie pour faire une boutique à ici finalement. Fait que, ah ok ouais je comprends. Fait que c'est ça que je, je magasinais. Fait que, mais c'est Je sais pas c'est quoi la qualité. tu, tu sais quoi toi, c'est ça, ça que tu as présentement, tu portes euh, le Frank? Euh... Non, celui-là, c'est un, un custom made d'une autre compagnie. Okay. Mais euh, présentement, j'ai une boutique sortie public. Mm -hmm. mais je pense peut-être migrer vers Stream Elements éventuellement. Puis moi j'utilise beaucoup Streamlabs pour ma chaîne. Mm -hmm. Mais je pense peut-être virer vers Stream Elements éventuellement. Ok. Ok, ça. Moi, j'ai Streamlabs, puis ça, ça plante beaucoup, mais le service à la clientèle, il est quand même très bon euh, avec Streamlabs. Ils me répondent. C'est juste que me... c'est rendu payant. Stream Elements, ouais. Total Service sont encore pas mal gratuits, mais depuis l'introduction du Prime sur Streamlabs, ils ont mis beaucoup de trucs, notamment la boutique qui est rendue payante, qu'elle n'était pas avant. Mm -hmm. Ah, okay. ok. Ah bon. Hey, vraiment, en tout cas, merci beaucoup, euh, Alex. Ah, t'es sûr. là, mais. Ouais, hein? <laughs> T'es surpris, hein? Si t'attendais pas à ça. Ouais, mais je m'attendais tellement pas à ça, là. Non, sérieux, là. Je suis super content, c'est le fun. Ben oui, oui, on s'amuse. Yes. On s'amuse il, il ah Et bon, là, là, je suis plus. De faire ça. Ah oui? Ouais. Ah. <rire> <rire> All right. Bon, ouais. euh, on enchaîne-tu, Alex, avec. Euh... De quoi qu'on parle euh... Est-ce que tu veux nous parler de toi de la... Là, on parlait des, euh, on... avec le sujet d'Al Frank. Euh, Est-ce que tu veux enchaîner avec euh, les. Euh... Ah, ben What? là, là c'est ça l'affaire c'est qu'on va avoir de la misère à aller voir les. Euh, avec les, les quoi les, euh, La maison du. Ah, euh... oh, ben au pire, on va oui. le rajouter. On rajoutera Al Frank. Ok. Juste avant que tu enchaînes, euh, je te donnerai oui. peut-être un petit truc pour Discord de Alex, pour ton micro. Oui. Euh, Paramètres utilisateur, si tu veux y aller en bas à gauche. Euh... La oui. petite roulette à côté, ton oui. nom, puis euh, l'icône oui. le de micro et tout. Euh, Votant dans voix et vidéo. Oui. Puis après ça, tu as sensibilité de détection de la voix. La barre là, jaune et verte est probablement mise en, en automatique. Enlève-la de l'automatique. Puis paramètre là, fais des tests avec ta voix, mettons là, pour voir euh, la sensibilité. Puis tu peux comme mettre ta limite de sensibilité. Parce que d'après moi, vu que tu l'as mis en automatique, probablement qu'il fait une mauvaise détection euh, de ton micro. Des fois, ça arrive. As un peu, tu disais détection automatique. Déterminer automatiquement. Ceux là, là, déterminer automatiquement, oui. Ça, tu okay. décoches ça. OK. Et après ça, tu peux le paramétrer toi-même manuellement selon euh, comment ton micro sonne. Ok, puis ça va-tu le vas voir la barre ah. monter au fur et à mesure que tu parles. Là. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Fait que je le mets là, mettons, là. Ouais, le but c'est que ça de... passe le, le threshold là finalement de sensibilité. Ça, ça dépasse. Ah, OK. Comme ça. Ça, c'est le genre de, de commentaires qu'on a on a vraiment besoin. Ouais, ouais, <laughs> ouais, ouais, ouais. OK, ça, ça va Ça, ça fait pas plaisir, pire. écoute. Ouais. Oui. Ça devrait être pas pire, ça. Bon, ça va arrêter de couper comme ça. Non, mais T'as moins, es, as moins, as moins de fuzz. J'ai moins de fuzz, c'est moins. Mais là, c'est Al Frank qui a coupé. <laughs> Comment? Non, non, il est pas coupé. Ah, ben, ah, okay, 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 j'ai juste vraiment un très bon micro avec une bonne console. Fait que quand j'arrête de parler, okay. ça, ça coupe net. Ah oui, c'est ah, ça. C'est ça, c'est ça. Précis ouais. comme son, là, tout. Oh, ouais, vraiment. Ben oui, c'est okay. ça. On l'entend, d'ailleurs, la richesse de la voix. Là. Ben oui, Alex, euh, on peut enchaîner avec la, la maison du citoyen, pourquoi pas. Euh, on parlait tantôt de... Pierre hey, Frank est là. J'entends de quoi? Qu'est-ce que j'entends? Allô? Attends un peu. J'entends des sons. Qu ce que j'entends. Ah, OK, c'est beau. C'est beau. Je pense que j'ai réglé ça. Il y a quelque chose qui est parti tout seul. Là. OK, bon. Ah oh, oui, on enchaîne par quoi? Par la maison du citoyen. OK. Ah ben oui. Go! Vas-y, Ninja. Fait que on, on, tu voulais qu'on aille voir euh, le... le un ben, dans, dans un premier temps, euh, tu sais, juste aller voir... Euh, juste, juste vous dire un petit peu, là... là, 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 là ben, je, voulais, je vous en ai parlé, dans le fond, tantôt, là. Euh, le... le, le, le ce qui s'appelait à l'époque Saint-Jean Fort, aujourd'hui pointe aux trembles le, le Fort Saint-Jean. Euh, puis je vous ai parlé, dans le fond, là, qui, qui, ont, qui ont fondé euh, Essibor, le Hopman à Rome. OK. Euh, tu as eu un petit buzz, un petit, un petit buzz de cerveau. <laughs> euh, oui, c'est ça. C'est que, que... Oui, merci. C'est que le, le. Dans le fond, cet endroit-là qui, qui était le... Je t'ai envoyé deux choses. Oui. Je ouais, c'est ça là, c'est que je check de quoi en même temps là. Je t'ai envoyé deux choses euh, les euh, la... la place du village un envoyé un plan, commence par le plan d'abord. Je t'ai envoyé le plan. OK. Les euh... sœurs de la congrégation qui ont, fait... qui ont fait au début en 1879 un, un genre de devis pour construire leur a... affaire, je suis tombé là-dessus sur internet puis je ne sais pas si c'est parce que c'était jaune, mais my god, je trouvais ça dont hot. Je me dis Crème, c'est vieux, c'est d'époque, tu sais. Je t'ai envoyé la, une petite image, je ne sais pas si on peut la voir. Ouais, on va voir ça. Qui est un devis. Attends un peu. Je vais aller ici, puis je vais juste rajouter El euh, Frank juste après. Et, euh... et c'est un devis du couvent de la congrégation de Notre-Dame. Qui était euh, le premier bâtiment là, du pensionnat Notre-Dame de la Trinité. Un peu. Je vais voir si je peux organiser ça. Ok, ça, ça marche. Par les deux sœurs, Marie Barbier et Ursule Garriépi, a.k.a. Sister Sainte-Ursule. Fait que là, on a un plan, mais je ne sais pas si les gens le voient bien à l'écran. Ah, ça, ça c'est loin un peu. Mais bref, moi, dans la semaine qui a passé, Alex, je suis tombé là-dessus. Puis pourquoi j'ai arrêté là-dessus? C'est parce que. Euh, récemment, j'ai fait. Euh... Là, on a perdu Al Frank, mais tu es Bien, je... encore avec nous, Al Frank? Oui, oui, euh... oui, pas de problème. Je, veux, je, okay. je suis tombé là-dessus, puis ce qui m'a fait accrocher à ça, c'est que j'ai eu un petit ennui avec un de mes voisins. Moi, je suis propriétaire d'une maison, puis euh, j'ai eu un petit ennui avec un de mes voisins au courant des deux, trois dernières semaines euh, qui disait que les arbres, arbres qu'on a entre nos deux terrains sont nuisibles, puis il voulait s'en débarrasser. C'est ton terrain, c'est mon terrain. Euh, renvoyer la balle, renvoyer à l'autre. Puis il a fallu que je ressorte euh, mes, mes fameux plans de maison. Que quand tu achètes une maison, là, euh, ils, ils, te, ils te font faire ça. C'est comme un. Euh, ça s'appelle un. Euh, un cadastre. Un, un cadastre, dans le fond, là, de, de ta propriété. Là. Il, il faut qu'ils t'engagent des. Euh, Alex, ton père euh, était, faisait ça. Là, des. Euh, des arpenteurs, euh, c'est ça. Il faut que tu refasses faire l'arpentage. Puis quand je suis tombé là-dessus sur Internet, je me disais, my God, c'était précis, mais en même temps, pas tant que ça. Puis j'ai trouvé ça beau. Je disais, il, il y a même un cœur en avant du bâtiment. Puis ils ont mis un cœur. Puis c'est d'époque. Je me dis, bon, c'est-tu parce qu'ils ont fait une genre de... de, 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 de ils, ont, ils ont fait ça en verdure en avant, le cœur, je ne sais pas. Je trouve ça super intéressant, puis j'avais envie de partager ça parce que euh, cet endroit-là, au fond, aujourd'hui, c'est devenu euh, le petit vidéo qu'on qu va vous montrer, Alex, c'est la maison du citoyen. C'est un peu, C'est pas nécessairement le même bâtiment comme tel, mais ça se passe tout sur le même, sur la rue. Euh, ça se passe tout sur la rue Notre-Dame, là. là où il y a les, euh, le collège Roussin, là où il y a euh, le, le vieux Pointe-aux-Trembles, qui est un quartier qui a été revigoré il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, puis donc, on, il y a une petite, une petite vidéo un peu kitsch, là, de la, mmh, à l'époque, de, de la mairesse d'arrondissement euh, Chantal Rouleau, qui aujourd'hui est, est ministre déléguée. Euh, un, un petit vidéo de, promotionnel de, de la transformation de la Maison des citoyens, qui était un lieu historique à l'époque. Fait que, bon, écoute Alex, c'est pas plus grave que ça. Je pense que les, les, les auditeurs, ils voient là, que c'est un, un, un plan qui, qui ressemble un petit peu à ce qu'on qu a aujourd'hui. Mais... Je J'étais allé, oui. allé cette semaine, justement, là, puis euh, j'ai installé mon hamac, puis j'ai lu une bonne bande dessinée euh, juste en arrière de ce bâtiment-là. Que... <laughs> ah oui? <laughs> ouais puis c'est ça qui est drôle. Fait que j'essaie de reconnaître les places, mais c'est vraiment où est que le jardin potager, c'est là qu'il la place du village. Euh, okay, puis euh, la maison est là, puis il y a le presbytère qui était juste en arrière de l'église. Éventuellement, euh... je, vais, je vais faire un petit urbex dans ce quartier-là pour vous le montrer un petit peu. Là. Parce que historiquement, je pense que c'est vraiment le, le, le bout où il euh, y a eu les premiers bâtiments là, dans, dans Pointe-au-Trump. là, tu veux que je te montre le, le vidéo... Oui. Oui, oui, la petite vidéo promotionnelle de la maison du citoyen. des trucs. Moi je suis bien pro, yes. euh, pro broche à foin. Ben non, tu fais bien ça. <rire> Merci. <rire> ben ouais. Je vais juste monter ça un peu. <laughs> tu sais de derrière El Frank, il y a des planètes. <laughs> ouais. tout, tout, tout est là avec des. Ah, c'est que c'est drôle. Ouais, c'est ça, c'est super Ah, C'est ah, pas grave. C'est pas grave. Yeah, mais là, c'est quand même pas si pire là, ce que j'ai fait maison. Là. Parfait. Mais c'est ma okay. caméra virtuelle en fait, ça, d'OBS. De, de ouais, ouais, ouais. Je oui, oui. voir toutes mes lignes de streaming avec ça. Okay. avec ça. Ok. Comme celle-là, ou euh, mon ah, grand oui. des guerriers d'élite. Euh, ah, ouais, c'est cool. Il faut découvrir. Très cool. <laughs> on est on chez Alfred. On a procédé à l'aménagement de, voilà. de la nouvelle <laughs> place publique parce qu'on a voulu revitaliser le quartier. C'est un ancien stationnement On transformé en place oui. publique avec du mobilier. Quoi, t'as dit? des espaces de vidéo. qui permettent d'avoir des événements culturels de haut niveau, du cirque, le marché public, de la danse en ligne, du théâtre, de la musique. On a voulu aménager cette place-là pour qu'elle soit le plus accueillante un possible, paradis. pour que les gens se sentent bien, se sentent chez eux et aient envie de venir ici. On a réussi à y insuffler une âme où les citoyens, les organismes, les créateurs et puis les œuvres artistiques. Ah, la connais, elle. Les hey. gens viennent de partout, de partout de l'arrondissement et des autres arrondissements aussi. Et on accueille bien sûr des gens de l'extérieur de Montréal qui viennent nous visiter. Et les gens viennent découvrir le fleuve ici. Il y a vraiment une programmation réalisée sur quatre saisons. L'été, concentré sur une programmation culturelle de sport et de loisirs, donc avec des spectacles euh, multidisciplinaires, euh, cirque, chansons, musique, théâtre, danse, art visuel, sport-loisirs, yoga, euh, donc zumba, activités oh, peinture. Euh, donc, une programmation tournée vers le culturel, le sport et le loisir. Tandis qu'à euh, la saison d'automne, d'hiver et de printemps, une programmation tournée vers l'événementiel. Donc, par exemple, un grand mâle familial d'Halloween, euh, donc une cabane à sucre au printemps, un marché de Noël. On va espérer que ça revienne en euh, 2022. j'en parle. Oui, tellement. Hein? Mmh. Ah, on commence avec du. Oui. Alors, autant ça peut être une place où euh, il peut y avoir de l'activité. Autant, c'est aussi un lieu de, de repos, un lieu d'apaisement, de recueillement. Alors, ça répond à, à tous les besoins. J'ai jamais vu du monde jouer aux échecs. Mais moi, ça se répercute voulu, moi, oui. sur l'ensemble oui. du quartier, Mais dans pas tout souvent. le secteur. Et ça a un impact aussi sur le secteur commercial. Sur la rue Notre-Dame, on a de nombreux commerces qui, euh, maintenant, s'implique dans la place publique. Ce qui est une très bonne chose, c'est le développement économique. C'est là que j'aimerais... La euh... créativité économique aussi. C'est à ce marché-là que je voudrais avoir un petit stand pour vendre mes t-shirts, ce que je te parlais tantôt. La fois. place euh, publique, c'est le <laughs> okay. lieu de rendez-vous. Okay, ouais, c'est une place qui donne sur le fleuve, avec plein d'activités. Je vous invite à venir à la place publique, à venir profiter des activités qui sont ici, à venir vous détendre, à venir vous amuser, à venir contempler. Vous êtes les bienvenus, on vous attend, un très grand nombre. Bon, bon, sauf que, sauf que, tu peux l'arrêter, Alex. C'est pas cette vidéo-là que je voulais qu'on regarde, mais c'est aussi ça? intéressant. Non, le hein? bon vidéo, je te l'envoie sur euh, Messenger. C'est dans le fond, euh, c'est vraiment le, le, le vidéo du, euh, du plan qu'on venait de regarder. Ah, tu ah, ok, bon. De la maison du citoyen, mais c'est pas grave. C'est dans le même quartier. Pourquoi tu m'as envoyé cette vidéo-là? C'est intéressant, pareil, la vidéo. C'est ça, c'est Et... ça. C'est juste à côté, c'est vrai. Cette maison-là est juste à côté, là, vrai, <laughs> juste à côté du... du c'est euh... ça, c'est ça. Du marché, oui. Ouais. Voilà, c'est vraiment de ça donc sur la Notre-Dame, au coin de Ça, c'est super beau, cette place-là. du vieux pointe ça, c'est moins beau, mais ça, c'est correct. Ça. Ça, correct. <laughs> la maison yeah. du citoyen, ben, c'est un projet qui nous tient à cœur. On voulait regrouper l'ensemble des services administratifs pour une question d'efficacité, meilleure communication. On a heureusement euh, mis la main sur euh, le vieux ministre délégué euh, de la Congrégation de Notre-Dame. Yeah. Pour nous, l'important la dans l'acquisition, c'était mm -hmm. la conservation voilà. du patrimoine, la conservation de l'histoire, de pouvoir euh, restaurer ce bâtiment-là en le propulsant dans le nouveau siècle par l'ensemble des rénovations qu'on a pu faire. C'est vraiment beau comme place. Alors, dans un premier temps, on a procédé à la démolition de deux sections. On a le bâtiment de l'extérieur, donc un image Mais, dans on mais pour quelqu'un de Rimouski, le bord on du fleuve est encore plus grand. Ah oui, Oui, ça, ça, pour moi, ce n'est pas un dans bord de fleuve. On a intégré <laughs> un assentiment <ascenseur> correspondant <Non>, <laughs> aux ouais. dernières normes. C'est un bord on de regard. Oui, oui, c'est ça. Là, on avait toujours le souci de prévision. Ouais, je pense qu'à Rimouski, on parle plus de mer, Par exemple, on a. Non, donc, quand même pas, parce qu'on est capable de voir au loin, quand même. La structure du bâtiment, différents éléments architecturaux intérieurs. Euh, et je pense qu'on peut même en faire notre fierté. Le site même de la maison se situait en partie sur un cimetière datant de 1600. Il y a eu On des a fouilles archéologiques, je vais en parler euh, dans un futur épisode. Oh, ils Attends un peu, il en parle. Ah, ben oui. Et, a... La première action dans le cadre du projet, ça a été d'inscrire euh, le projet au niveau du Conseil du bâtiment durable du Canada dans l'optique d'avoir la certification Argent Lead Canada. Par exemple, au niveau des travaux, des aménagements, euh, l'accès à la lumière naturelle. Donc, tous les espaces à air ouverte ont été aménagés du côté ouest du bâtiment pour favoriser l'accès à la lumière naturelle. On peut penser aussi à l'aménagement d'une toiture blanche pour réduire les effets eaux de chaleur. On peut penser aussi à la réduction des débits d'eau au niveau des robinets euh, et de, des douches. Et finalement aussi, euh, on a aménagé un système de géothermie. 15 ah ouais. puits d'une profondeur de 500 pieds ont été creusés justement pour avoir accès wow. à la fraîcheur ou à la chaleur des sols. Alors, euh, différents aménagements restent à être réalisés. sur Quand le fais pour regarder vidéos avec euh, les deux de de... Du, côté euh, du côté ouest et du côté nord. Ah, euh, de... je sais, tu le euh, vois, vois, pas le ben, je le voyais via le stream, là, mais j'avais pas le son. Et euh, l'aménagement d'une scène commune de la ville de Montréal qui sera en port. Ah, ok. À la Maison du citoyen, Attends, si les citoyens retrouveront le comptoir ah, des permis, ouais, stream, le bureau d'accès Montréal euh, de ouais. le pointe ouais, que... les je... bureaux des je conseillers essayer, toute fois que la imagine. salle du mais conseil. Êtes sur Joseph Clément, victorien Roy. En honneur de euh, euh, Moi, je la regarde sur Twitch, père, comme tu faisais. Et j'ai été associée ah, okay. à l'administration oh, okay, okay. de Pointe-aux-Trembles pendant une trentaine d'années. La magnifique je salle de qui donne sur le fleuve prend le nom de la salle des couventines. En hey, merci euh, Maverick1 pour euh, le follow. pour les religieuses qui ont séjourné le fort ici, euh, pendant de nombreuses années. Peu, je ben des si avantages vous des mais mais sur le je plan économique. Que a on, a on a regroupé, images, regroupé mais... les 125... C'est vrai autre euh, de Ah, ben super, merci. C'est ah, oui. Cool, merci. On a créé par, par ce regroupement ah. une synergie euh, incroyable ah. entre les gens qui travaillent ensemble. Et ah, c'est une action très importante pour la revitalisation du vieux point au Je lance l'invitation à tous les citoyens de l'arrondissement à venir visiter. La maison du citoyen, bâtiment très sinon, accessible, euh, que tout, très ouvert, euh... Euh, vous êtes Désolé. bienvenue, vous êtes chez vous. Ah, oh, c'est correct, c'est Je veux juste savoir. le ça ne me dérange pas. <rire> <rire> Attends un peu. En euh... oh, gros. Bon, c'est revenu. Ben, ça. Veux, euh, tu peux te faire une scène vraiment, euh, vraiment dédiée à ça, là, genre où tu fais juste comme capturer ta fenêtre ple plein écran de Discord, que l'on voit ta fenêtre de stream, plus... Les, les deux ou trois fenêtres là, finalement de vous deux plus euh, votre invité euh, sur le côté à droite. Ben, comme, 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 comme vous des de, de Radio euh, On a besoin de coaching. <laughs> ouais. Attends, répète ça, euh, Frank. Ben, fais juste Et... te créer une autre scène où tu vas juste comme capturer ta fenêtre Discord en plein écran. Ouais. Euh, puis après ça, tu vas juste comme afficher ton stream avec les, les trois carrés de caméra qui vont être à droite, tout simplement. Ah, oui, c'est vrai. Ben, Juste oui. une fenêtre où tu, tu ça va être vraiment une scène dédiée où tu veux comme écouter des vidéos, puis les faire écouter à ton co-animateur, puis euh, ah. à votre invité, là, finalement. Ben, merci, Frank. On voit, on voit l'expérience. <laughs> ben, <là>, ben. <laughs> ah, ça, ça me rappelle <rire> mes <rire> débuts, justement, où j'expérimentais, j'étais pas sûr, là, j'étais plein d'affaires. Puis... <laughs> nice. Mais bon. tu sais, pour vrai, je me disais, ces vidéos promotionnelles-là, il y a pas grand monde qui les écoute. Tu sais, honnêtement... Attends, Puis là, je trouvais que ça avait. Hein, il y avait une 40, ça doit pas non? Ben, ça fait pas longtemps, euh, parce que tu. Attends un peu. Je pense que euh, euh, je vais juste aller voir. Mais il y avait une petite parcelle d'histoire là-dedans. Fait que je me suis dit, ah sais, c'est cool. Ils ont, ils, ils ont décidé de garder le, 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 <laughs> la bâtisse, mais c'est toujours un peu. On s'entend là, il y a toujours un peu de, de bullshit là-dedans. Finalement, mais... ils avaient besoin de locaux. Puis ouais. ça paraît bien de dire « on va garder l'histoire de... » tu sais En fait, c'est ce qui les oblige à faire ça souvent, c'est que oui, il y a une question d'image publique, mais en même temps, c'est que ça dépend si le bâtiment, il y a une citation ou un classement. C'est-à-dire ouais. ah. que tu as différents niveaux en fait, pour protéger un bâtiment, puis la récente modification de la loi sur le patrimoine culturel qui date de 2012, si je ne me trompe pas, c'était sous le gouvernement Marois. Euh, qui avait pris le pouvoir. Là. Puis je pense que c'est un un, un un projet de loi qui avait été abordé là, sous Jean Charest dans les dernières années, après ça que le gouvernement Marois a repris là, après leur élection en 2012. Euh, depuis ce temps-là, les municipalités localement, et je pense que ça inclut aussi les arrondissements de Montréal, euh, ont le pouvoir comme municipalité de citer des biens patrimoniaux. C'est-à-dire que de dire, OK, ce terrain-là, ce type de patrimoine-là, ce bâtiment-là fait partie de l'histoire de notre communauté au niveau local. Et on lui accorde une protection. Fait que là, ça, va lui accorder des protections au niveau légal. Euh, tu ne pourras pas faire ce que tu veux avec ça. Il faut que tu protèges le Tant cachet. Euh, ça donne du financement justement municipal ou gouvernemental québécois. Euh, ce genre de choses-là. C'est pas tout le monde qui décide de s'en prévaloir. Puis des fois, les municipalités sont, sont timides. Il y en a qui utilisent des tactiques un peu douteuses au sens où... Euh, ils vont faire semblant de... de, de, de ils, vont, ils vont laisser le bâtiment à l'abandon puis ils vont avoir fait semblant de « Ah, oh, mais on le savait pas puis oh, on a eu d'autres priorités. Ah, oh, ça n'a pas à donner. Il y a eu d'autres circonstances. » Le bâtiment va mourir puis ils voulaient juste éviter de le citer pour devoir payer pour, mettons, les réparations, l'entretien, la mise en valeur, des choses comme ça. Mais il y a eu on... des beaux cas aussi de protection avec cette citation-là. Ça, c'est un des ouais. moyens qu'on a, là, entre autres. Oui, puis on, on aime mieux des... Même si c'est chez ces petites vidéos promotionnelles-là de, de, de ministres ou euh, whatever... De de députés d'arrondissement euh, qui, qui, qui font un beau speech pour que ça a l'air ouais. beau, mais, mais c'est sûr qu'ils répondent à, à... Toi, ce que tu dis, c'est une loi, finalement, là, qui demande ça. Là. Ben, ça dépend si le bien est cité. Là. Je ne sais pas si dans ce cas-ci okay. le bien était cité au niveau municipal ou même classé euh, parce okay. qu'il y a une différence. La citation, c'est municipal, depuis la loi okay. sur le patrimoine culturel, mais le classement, ça, c'est provincial. C'est-à-dire que c'est le okay. gouvernement de Québec qui dit ce bien là. Il est important au niveau patrimonial historique pour l'ensemble du Québec. Donc, c'est pour puis, ça puis au niveau national. Puis, ce qui est, ce qui est malade, c'est qu'aujourd'hui, à Radio ben on en jase, puis l'histoire, euh, c'est aussi ce qui se passe actuellement. Fait que je me dis, bon, ben, au moins, ça sert à ça. Ouais, exact. <laughs> Mais ouais, même si le bien n'est pas cité ou classé, ça dépend vraiment de qu ce qu'il représente pour la mémoire collective de la communauté. Tu sais, C'est beaucoup ça. Mm. Euh, c'est pour okay. ça que je parlais d'image publique au début, parce que c'est vraiment un mélange de tout ça. C'est un mélange d'image publique. Est-ce que le bien est déjà <laughs> protégé par la loi ou non? S'il n'est pas, qu'est-ce qu'il va représenter pour les gens? Fait que là, à ce moment-là, ben, au niveau politique, euh, on va souvent mettre ça de l'avant comme quoi oui, on va quand même préserver l'histoire et tout ça. Puis bon, mm -hmm. des fois, ça sert d'argument politique ou ça sert de couverture pour se donner une excuse de. Ça dépend. C'est beaucoup mm -hmm. du cas par cas. <laughs> Puis quand, pis quand le, le, le bâtiment représente de quoi de négatif? Est-ce qu'il y a tendance à euh, justement à être représenté comme ça autant sais, c'est quelque chose de bad qui s'est produit? Est-ce qu'il est qu y a un jugement qui est fait? Genre? Je ne sais pas. Hein, ah bien, c'est sûr. T'sais, écoute, moi, pour la petite anecdote, ouais. moi j'ai déjà été en Allemagne euh, en okay. 2010 quand j'étais étudiant parce qu'anciennement, avant de devenir historien, moi je me destinais à devenir professeur d'anglais ou traducteur ou interprète. J'étais okay. allé faire des études en langue au Cégep, à Rimouski puis euh, j'ai pris une année de cours d'allemand. Puis la fin de cette année-là de cours, euh, le projet qu'on a eu avec le groupe d'étudiants, c'était d'aller en Allemagne. Fait qu'on est allé en Allemagne pendant deux semaines, puis entre autres, on est allé à Munich. On est allé à Munich, j'ai visité le premier camp de concentration, qui est devenu aussi le premier du réseau de camps d'extermination, le camp de Dachau. Mm -hmm. euh, puis j'ai visité okay. les, les fosses d'exécution au pistolet, j'ai visité des chambres à gaz, j'ai visité des fours crématoires où ils ont fait brûler des gens. Euh, des choses comme ça, un lieu vraiment chargé d'histoire, mais... Pas forcément positive. Fait que yeah. Je te le confirme effectivement. Ce genre de lieu-là, il est mis en valeur. Tu sais, on a eu une visite euh, guidée organisée okay. par okay. un guide, ben, ben, qui connaissait oui. tellement bien son sujet, il était tellement passionnant et intéressant. Ah, okay. C'est vraiment vraiment agréable. Yeah. Euh, Puis, somme toute moi, je suis sorti de là avec un sentiment partagé. Je te dirais autant. J'étais content que ça se préserve pour la mémoire collective. Puis en même temps ouais. qu'on se rappelle les, les, les erreurs et les horreurs du passé pour idéalement pas les répéter dans l'histoire. Autant que ça faisait vraiment drôle de penser que tu passes à côté de ces fours crématoires là, là tu regardes ça puis tu dis hey il y a des cadavres des de gens comptes. qui ont brûlé là-dedans. Là. Ah, ah. Puis là après ça tu vois la haie de cèdre avec euh, la fosse d'exécution, là tu dis qu'il y a des gens qui ont été tirés au pistolet là puis que le sang a coulé dans les fosses et tout là. Ça Ça engraissé les cèdres. Mais ah, 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 ben, des fois euh... ben moi euh... Depuis que je fais le podcast, c'est pas aussi dark là, mais t'sais, », mais tu sais, l'autre fois on est allé au parc. On, euh... on était dans le très dark, dark <laughs> ». J'ai noirci ça un peu là. Ouais ouais, ouais Moi je suis allé vrai. dans le soft là. Euh, yeah. J'étais allé à un parc au bout de l'île à Pointe aux Trembles, puis je disais à mes enfants, euh, tu sais, les arbres sont super gros là-bas, puis je disais, euh, tu vois les arbres là, gros comme ça là. Puis où ce qu'on est placé, c'est vraiment bien placé au niveau de. tu vois tous les affluents ben, tu sais, du, du. du fleuve, là, tu vois. Euh, comme le Saint-Laurent, mais aussi vers la rivière des prairies, tu, tu, vu qu'on est sur le bout bout, bout de l'île, je dis c'est sûr, sûr, sûr qu'ici, il y a eu des Amérindiens. Là, puis il y a probablement même un Amérindien qui a fait pipi sur ce gros arbre-là, puis ça devait être un petit arbre de rien. Il était bien impressionné de, du fait que ces arbres-là, mm -hmm. euh, ils, ils ils, ils ont déjà été petits. Puis ça fait depuis euh, même avant, avant, que Montréal soit fondée, qu'ils étaient là, peut-être l'arbre, euh. ça, ça va être un, un urbex à faire, euh, Ninja. Euh, oui. Je vais faire un, un lien BD. Euh, l'arbre le plus vieux de Montréal est situé à pointe aux trembles no. Ouais. non <laughs> Ah ben c'est ça je vais aller voir ça. Mais dis pas où, dis pas où! Mais ben, c'est proche, chez... proche de chez pas chez vous en plus. Ah ben tabac! C'est proche de chez c'est Écoute, dans... c'est sûr je vais aller faire ça. Dans la BD Paul à Montréal, ça dit hmm. euh, On prétend ouais, que... Je le... connais ces BD, là. On prétend que le plus vieil arbre de l'île de Montréal est un chêne rouge de 370 ans. Il se trouve au bois de la réparation à pointe aux trembles dans l'est de l'île. Ah, tata! Eh hey, bien oui, c'est pas loin de chez nous le bois de la réparation. Puis là, tu parles de vieilles choses. Mm -hmm. D'arbres qui ont du vécu. Tu vas venir? Non. <laughs> moi non plus, je sais pas où je m'en vais avec ça. J'avais une petite capsule aussi, euh, Alex, d'insolite, de, 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 ah, oui. de choses étranges qui s'est produit pour moi euh, cette semaine. J'étais pas à pointe au trente mais je considère que je peux en parler parce que dans ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, ça allait dans l'Est, OK? Euh, juste pour dire aux, aux personnes, moi je travaille au coin, je travaille de nuit, je travaille au coin euh, de Marseille, euh, pas de Marseille. Euh, des Ormeaux et de Marseille, oui, est ça, de, de Marseille et des Ormeaux, dans Montréal-Est, plutôt que pointe aux tremble qui, qui est comme une autre ville, hein, parce qu'on les rappelle, pointe aux tremble est un arrondissement de Montréal, mais entre pointe aux tremble et Montréal, il y a une ville qui s'appelle Montréal-Est. Mm -hmm. euh, dans Montréal-Est, j'ai vu quelque chose d'étrange durant mon chiffre de travail. Puis je me suis dit, comme je fais toujours des petites affaires qui ont rapport avec l'insolite, je ne peux, pas rapporter, je peux pas, pas rapporter ça à Radio Pointo, Fait que, Alex, j'ai fait une petite vidéo. Puis là, je veux juste le dire avant, avant qu'on la regarde, c'est très mal filmé. J'avais mon sel, il était 4 heures du matin, il faisait ultra noir. Écoute, on voit un point blanc dans le ciel. Écoute, et ce point blanc-là se déplaçait je sais c'est quoi, je sais à quoi ça ressemble. Des, des satellites qui voyagent, ça ressemble à une petite étoile qui bouge. Mais là, cette fois-là, c'était beaucoup plus bas, beaucoup plus lumineux. Un météorite, ça fait des sparkles. Il y a des espèces de petites étincelles, ça va vite. C'était pas ça non plus. Ça bougeait quand même. Euh, la misère a donné une vitesse, c'était quand même assez haut, là. C'était très lumineux. Euh. Ça bougeait vraiment euh, quand même rapidement, là, pas mal plus vite qu'un avion. C'est sûr que ce n'est pas un avion. Il n'y avait pas de lumière qui flashait. J'ai regardé, c'était-tu la station spatiale qui passait à ce moment-là? Je suis allé voir sur l'ordi live. Je vais regarder, y y a... parce que tu peux la voir en, en temps direct, là, la, la station spatiale. Où est-ce qu'elle est rendue? Elle n'était pas rendue là tout à fait. Elle était, elle était dans l'Atlantique à ce moment-là. Ça m'étonnerait. Je t'envoie une petite vidéo de, de ce que j'ai fait là. Euh, on, on voit surtout bien l'objet à la fin euh, du vidéo euh, où l'objet lumineux dépasse le, le building où je travaille, puis là, hop, oh, il disparaît. Mais, oh. merci qu'on regarde ça, Alex. Ok, je vais essayer de faire de quoi pour vous autres, pour qu'on puisse le voir toute la gang. Ok, on y va. Ça. Deux secondes, là. je vais essayer de, de vous faire. J'ai été témoin. Si jamais il y a deux auditeurs qui ont vu cette affaire-là, écoute, c'était quoi? Je ne sais pas, c'est ça. Hmm. Attends un peu. À ma connaissance, c'est un ovni. Euh, Peut-être qu'à la connaissance d'une personne qui a une, une qualification X en aérospatiale, il saurait exactement me dire c'est quoi. Puis là au, début, là, au début de la vidéo, il y a du flou, mes amis. Euh... C'est euh, un, un classique, ça, le flou dans des vidéos euh, d'oven. De hey, non, non, mais là, je vous jure que c'était mon. C'était mon, mon Samsung Note 8. Ah oui, puis il a, va Il Et puis ça, fait que là, l'autofocus essayait de. Puis là, si on voit que l'objet il bouge, c'est pas l'objet qui bouge. Tu sais, genre, c'était assez haut. Puis là, l'autofocus, c'est mes mains, genre, ça faisait comme un autofocus. Pas super agréable à regarder. Mais à la fin du vidéo, on voit bien là, que. Ça, ça passe au-delà du building puis bon ça vaut ce que ça vaut mais je pouvais pas pas le rapporter à radio pointeau euh, j'étais arrivé ouais. proche de pointeau tram. OK fait que on va C'est fait que là ça dit que mon stream est toujours en cours OK OK fait qu'on va... Ouais, c'est parce que dans le fond faut que tu fasses jouer la vidéo et après ça que tu recliques dans la okay. fenêtre Discord et que tu affiches le stream en évidence dans ta fenêtre euh, OK, on va essayer comme ça. On se voit toute la gang là. Fait que c'est pas si pire. Ça, yes. ouais. Là, si c'est si noir, faites-vous-en pause. C'est effectivement noir la vidéo. Fait que je pars la Au vidéo puis je reclique dans. Yes. Là, faut que tu recliques ah. sur ta fenêtre de stream pour la mettre en évidence. Ah, ok. Euh. Ma fenêtre de stream. Le... Ouais, ben, le, le, la fenêtre où, euh, où euh, ton stream est affiché dans le fond la quatrième fenêtre. Ah, ok ouais. Avec dans la fenêtre du okay. vidéo. Ah oui ok. Ouais voilà. Ah t'as peu. Ouais. C'est bon ça. Avec ce petit point blanc là. Ah excusez. Qui bouge, qui bougeait. Mais là si il bouge c'est mes mains là. pas. Ah, ouais. Lui il bougeait là, à, une... à une vitesse assez lente. C'était pas mal plus gros qu'un étoile. Là, là, je sais qu'on ne voit rien à l'entour parce que c'était pitch black dehors. On ne voyait absolument rien. puis là Quand le petit point blanc va arriver, euh, regardez là, en bas de l'écran, on voit le toit de mon travail. Puis là, oh, ça va disparaître. Et voilà, c'est disparu. J'aime les commentaires qu'on <laughs> t'entend dans la vidéo. Bien, oui. <laughs> oui, oh, j'étais assez, assez étonné. Mais à 4 h du matin, tu es un peu débile quand tu travailles. Bon, là, ça disparaît. Ah, ben. <laughs> Écoutez, ben... je suis désolé de vous présenter ça, je me sens quasiment <laughs> mal, mais. Ben, on, peut, on confirme que c'est un ovni. Parce qu'on ne ah, sait pas c'est qu il... qu quoi. C est, c est... C est... On peut confirmer que c'est un objet volant non identifié. Ça, il... pour le moment. Ben, pour su... ma part. Pour, ben, à mon sens. Si quelqu'un peut l'identifier, ça ne serait plus un ovni, ça, c'est clair. Par définition. <laughs> J'aimerais beaucoup. Mais c'est ça. Donc, je sais que station spatiale il irait pas mal plus vite que ça. ça. Ça se déplaçait vraiment, genre, je regardais le point, là, puis ça. Mm -hmm. Mettons, dans le ciel, là. Puis, en tout cas. Ah, il y a, ça, ça, ça... Il y a ça, ce monde spécifique qui nous dit que c'est sûrement juste Elon Musk. Fait... Ben oui, ben oui. Ça, ça, ah, un... c'est peut-être son auto. Ah, c'est ça, c'est la Tesla <laughs> volante. Elle doit être encore là. Bon, moi, je pense que c'était un satellite SpaceX pour euh, l'Internet par satellite. Ah oui, ça se peut. Penses-tu? Très possible. Non, je pense pas. Je uh... <laughs> pense pas, mais ne serait pas impossible en même temps. C'est ça. Euh, 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 c'est ça, c'est ça le, le, le nouveau projet d'Elon Musk là, qui envoie un paquet de satellites spécialement oh, oui, pour, a, pour alimenter les flammes euh, diablotins en arrière de toi. Exactement, tu as tout compris. Euh, euh, ouais. <laughs> hey, moi, okay. je, je voudrais vous parler d'un sujet très terre à terre. Je vais vous parler de société secrète. <laughs> oh. À Pointe aux tremble. Ben oui, ben oui, un classique. Euh, parce que moi, vois tu, euh, comme vous le savez, peut-être ceux qui étaient là les, dernières, les derniers épisodes, je parle à chaque semaine de, de différentes sociétés secrètes qui ont, euh, qui ont gravité autour de Pointe aux Trembles, de près ou de loin. Mais c'est surtout de près. Et là, ben aujourd'hui, c'est. Tout le monde la connaît. C'est pas très secret comme société euh, secrète. Fait que je vous dirais que c'est une société semi-secrète et j'ai nommé Les Chevaliers de Colons. Euh, <laughs> c'est semi-secret, mais euh, c'est quand même intéressant, euh, je trouvais, de vous en parler, parce que je veux faire le lien avec bon, où c'était à Poitottromme, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Euh, mais ça m'a permis d'en savoir un peu plus là-dessus euh, sur euh, les Chevaliers de Colomb, parce que. Ben, au Québec, généralement, je pense que tout le monde connaît ça. Hein. Tout le monde a un oncle, un ami ou quelque chose qui est des chevaliers de colons. Un ami de la famille. J'aimerais ça d'en avoir un, j'en ai jamais eu. Ben moi, j'ai déjà eu un ami quand j'étais jeune que son père il était un chevalier de colons. Ah oui, je sais. Non, non, je connais ça. Moi, mon père, ce qu'il me disait quand j'étais jeune, c'est les chevaliers de colons, c'est tous des gars qui boivent ça. Ah oui <laughs> Mais je vais vous en parler un peu parce que c'est intéressant ce que j'ai appris. Puis je vous rappelle que euh, mes informations sur les sociétés secrètes à Pointe-aux-Trembles, je les, je, les je les tiens de Pierre Desjardins et de son ouvrage intitulé « Les sociétés secrètes à l'œuvre dans l'histoire de la Pointe-aux-Trembles », un document très peu loué à la bibliothèque municipale que je tiens dans mes mains présentement. Tu as pu louer parce que c'est toi qui l'as C'est moi bizarre, qui l'ai. <laughs> <laughs> je devrais juste renouveler, euh, renouveler le prêt à chaque fois sur cet internet <laughs> quand la date approche. Exactement. Mais euh, ce que j'étais surpris de savoir, c'est que bon, les Chevaliers de Colons, ça a été fondé par un prêtre d'origine irlandaise qui était euh, qui l'abbé Michael J McGivney. Qui est né au Connecticut en 1852, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il a immigré à Saint-Hyacinthe à l'âge de 16 ans pour aller étudier, pour devenir prêtre au séminaire. Fait il, y a une, il y a un lien très québécois avec les chevaliers de Colomb, euh, parce que malgré le fait qu'il soit américain et d'origine irlandaise, il était euh, catholique et il voulait devenir prêtre. Fait il est venu. Et euh, suite à ses études au séminaire puis euh, à d'autres endroits euh, au Québec, il est retourné aux États-Unis euh, pour être ordonné prêtre en 1877. Euh, puis en 1881, il, avec un autre un groupe de laïcs, il a décidé de fonder un organisme de bienfaisance catholique et fraternelle pour affermir euh, la foi de ses membres et euh, venir en aide aux pauvres. Puis euh, il s'est dit. Tiens donc, je vais essayer de trouver un symbole qui, euh, qui unit le catholicisme et l'américanité. Puis il a choisi le symbole de Christophe Colomb. C'est pour ça qu'il euh, euh, y a une encre de bateau sur le logo des Chevaliers de Colomb. C'est pour rappeler Christophe Colomb. Euh, donc euh, il a fondé ça en 1882 au Connecticut. Et c'est arrivé l'ordre des chevaliers de Colombe. Il a gagné le Canada en 1897. Quand le premier conseil des chevaliers de Colombe a été fondé à Montréal, ça s'appelait le conseil 284. Euh, puis à l'heure actuelle, je, selon les informations que je détiens, euh, c'est les chevaliers de Colombe sont présents dans une douzaine de pays. Puis euh, il y a au-dessus de 550 conseils à travers le monde qui regroupent. Au-delà de 100 000 chevaliers. Alex, euh... tu as, as parlé du symbole des chevaliers de Colombe. Oui. Je vais t'envoyer une petite image pour les auditeurs, pour qu'ils voient que tu l'as décrit tantôt. Mm. Ben, J'avais des images, mais je me suis dit que ce serait ah. peut-être compliqué de les euh, dépasser. Euh, euh... Ah, ben attends un peu. Attends, attends, attends. On va le faire. On va le faire. On va... <laughs> C'est vrai, vraiment le, le, le trois personnes qui est plus dur à gérer. Hein, Alex, ben, pense euh... ben, ben, on va s'habituer parce que quand Bob le chef va. Ah, il faut la... le faire. Il faut, faut s'habituer oui. à ça. Là. Il faut qu'on euh, on, on se de euh... ouais. Mais en même temps, on fait un, aussi un, un balado là, audio. C'est sûr que, que c'est. Euh... J'ai une petite anecdote par rapport à Bob le chef euh, par après. Ah oui, ben oui. Euh... Uh oh, attends un peu. Avant qu'ils soient invités à notre show, c'est malade ça, c'est bon. Eh oui. <laughs> ok, fait que je vous. Je vous... Ah, si pas tu... grave, euh, Alex. Non 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 non, non. je vais okay. le faire, je vais le faire. Ok. <laughs> ok. okay, <ça> <laughs> okay, okay. Euh... Ah, T'as envoyé le lien sur euh, Messenger, ouais. Attends un peu le. Tu me fais faire de la régie okay. est solide, hein, même. Eh, est ah, là, Tu sais, c'est là que tu regardes. Ah, oui, mais quand je tu lis ça. Comme je... Un, ouais, je... Un, show comme, un show comme Radio Talbot, que le gars, il gère ça tout seul avec sa console. Ah. Tu te ah. dis, tabarnouche, tu sais, comment qu'il. Non, mais je lis, comme... je lis le logo des Chevaliers de colons sur mon PowerPoint. Ça, ça prend un hyperactif, là. Tu sais, ça prend quelqu'un vraiment qui. Je sais euh... pas, c'est. J'admire ça, moi, les. Les, les, les streamers qui sont tous capables de, de faire, à des vitesses incroyables, tu my God, c'est vraiment... On Ils sont pas rendus... <laughs> ah, ben oui, c'est ça, comme toi, Frank, là, oh, ça, ça a pris voilà. beaucoup de stream, hein, je pense, avec, tu sais, oh, une oui. bonne vitesse là, dans tes trucs, là, puis... Oui, ouais, et puis, autant niveau animation, prestance en live, gestion de la communauté, euh montage des scènes sur OBS, comment s'ajuster. Ah non, non, c'est beaucoup, beaucoup d'heures quand même. C'est ça, puis tu sais, juste avant qu'on te reçoive, je disais à Alex, tu sais, que dans le fond, c'est quand j'écoutais, parce que moi, c'était comme, j'avais déjà écouté ton, tes lives sur Twitch, mais tantôt, je me suis abonné à ta chaîne. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir salué. Oui, c'est ça, puis ça, je trouve ça génial, parce que ça arrive souvent, on follow du monde, puis attends un peu, ah ça, « Oh, je pense qu'il vient de planter. »« Quoi? »« Quand les gens, ils vont s'abonner, ils sont super contents de voir que le streamer, il remercie, il prend le temps. Toi, t'as fait un espèce de voix de diablotin. J'étais comme « Il est bien organisé, ce gars-là. C'est hâte. »« Ouais, j'ai comme déconné avec ton nom en plus. »« C'est ça, c'est ça. Ouais, quoi faire moi, j'ai pris ça... »« Pourquoi ça fait ça? »« Dans un mood surréaliste, J'avais envie d'une combinaison étrange. C'est ça qui est sorti, là. Fait que... » Voilà. Ah ça marche. Oh. Bon voilà. Et voilà. Bon, j'ai réussi à comment bien capturer des scores, je vais donner une coupe de trucs. Ah oui, ben oui, euh, no problem. Si vient pondre. Yes. <rire> <rire> non mais bon bravo. tu voulais me montrer le logo des chevaliers de Colombe, mais je l'avais déjà dans mon oui. PowerPoint. Fait que fait que qu'est-ce que tu voulais me dire Tu voulais me parler de langue de bateau ben, c'est parce que non mais c'est parce que t'as parlé de ça puis... puis je voulais le montrer c'est juste ça c'est juste ça c'est tout j'avais rien d'autre à dire ah oh, ok ah ben ouais c'est juste un sport je voulais un sport visuel c'est tout désolé ah non mais euh... c'est beau c'est beau je l'ai faites j'ai les fait. ouais. Okay. ouais mais c'est ça il y a langue de bateaux euh, je vais revenir à, à, mon, euh, à mon sujet je, je disais que ben, il y en a partout dans le monde euh, puis euh... Dans le fond, ce que ça prend pour être un chevalier de colon, c'est d'avoir 18 ans et d'être un, un homme de foi catholique. Euh, les chevaliers de colon, c'est n'est pas une structure officielle de l'Église, okay? c'est une structure alternative, mais il faut que tu sois catholique pour en faire partie. Euh, comme on a parlé dans le dernier épisode des francs-maçons, euh, ça prend, Il euh, y, y a des degrés et des fonctions dans les chevaliers de colon. Il euh, y a quatre degrés, puis c'est comme tout le niveau de hiérarchie. Euh, quand tu es rendu au quatrième degré, là, tu es vraiment comme au top. C'est très, très prestigieux. Puis les fonctions, ben, ça passe de grand chevalier, celui qui préside, à député du grand chevalier. Il y a des chanceliers, des secrétaires archivistes, secrétaires financiers. Trésorier, cérémoniaire, avocat, intendant, des gardes intérieurs, des gardes extérieurs, des syndics et un aumônier bien important. Euh, ce monde spécifique nous dit que lui préfère les chevaliers de Colombo, son détective préféré. <rire> Intéressant. <rire> hmm. Mais euh, les chevaliers de Colombo ne se définissent pas comme une société secrète, mais plutôt comme une société semi-secrète. Euh, parce que la seule chose qui, euh, qui est très secret dans les Chevaliers de Colomb, c'est la cérémonie d'accueil qui est réservée rigoureusement aux membres des Chevaliers de Colomb. Et on n'a pas. Il euh, ben, y a des choses qui se sont ébruitées à travers le temps euh, sur cette cérémonie-là, dont, hein, vous, voyez, vous avez sûrement entendu parler de l'épreuve du bouc. Non. Non? Ben, moi non plus. Ben, je sais qu'il y a, y a tout à une question d'une chèvre, d'un chevalier de colon là, mais. Euh... Okay, ouais. Mais bon, il y a une... je sais pas si ça consiste en quoi, l'épreuve du bouc <laughs> mais il y a une chèvre ou un bouc là-dedans. <laughs> puis, il y, a, il y a des mises en situation avec des faux amis. Il, il y a des mises en situation. Un faux américain délégué par New Haven, un faux curé, un faux policier, un faux handicapé, puis un faux, euh, un faux, ave... un faux aveugle aussi. Dans la cérémonie. Là. Ouais, oui, c'est des choses que, euh, ah. qui se passent là-dedans. Faut... Ouais. Ça sent la secte? Ben, C'est juste la cérémonie de sais, Puis je pense qu'ils veulent que les... voir comment les gens vont interagir, puis euh, tout un côté euh, euh, expérientiel. Et oui, euh, mmh. sûrement que c'est comme les brisons des prairies, effectivement, à Mio-Pac-Man. <laughs> <C 'est... rire> oui, les... Et comme dans les francs-maçons, dans, les... dans les sociétés secrètes, y ça, euh, beaucoup, euh, il y a ça de beaucoup. On dirait qu'il y a comme... Un côté, tu sais, quand tu partages quelque chose de, euh, de, de, de très élitiste, ça te mm -hmm. fait des, des liens très rapprochés. Fait que je pense que c'est ça qui est recherché ouais. là-dedans. Oui, et puis même pour les francs-maçons, euh, je veux dire, c'est connu justement que pendant la Révolution française, des loges francs-maçonniques à Paris, il y, en avait, euh, il y en avait quasiment au moins minimum une dans chaque quartier chaque arrondissement de Paris de l'époque. Euh, pas loin d'une douzaine, c'est pas plus, là, je pense, euh, dans toute la ville de Paris, qui était moins grande un peu, évidemment, à l'époque, en 1789. Mais euh, ah c'est ouais. très connu qu'il y en avait, puis que oui, beaucoup de membres influents euh, étaient membres de cette société-là, des bourgeois. Euh, fait que oui, il y avait quand même un assez fort réseautage, là, justement, dans les, les artisans de la Révolution française, mm -hmm. dont beaucoup là, qui étaient membres des francs-maçons, justement. Ben oui. Ah, ben, j'en je, doute pas, hein, parce que c'est des bâtisseurs, quelque part. Euh, ces gens-là, quand ils se mettent en, en société secrète, ils veulent développer des choses, ils veulent euh, se promouvoir. Là. Et, ça. Euh, et euh, bon, et puis, le, les, les chevaliers de colomb, comme les francs-maçons, ben, les francs-maçons, eux autres, ils, ont, ils sont mis à accepter des femmes. Là, les chevaliers de colomb, euh, aux dernières nouvelles, il n'avaient pas de femmes là-dedans, mais il y a un panche euh, pendant, c'est-à-dire euh, pour les Chevaliers de Colomb, qui s'appelle Les Filles d'Isabelle. Actualise et, euh, un peu. Oui, et euh, les Filles d'Isabelle. Sur Twitch Est-ce que c'est sur Twitch, les Filles d'Isabelle Sur Twitch Ouais. Je sais pas. Ah, oh, non, je pose une question. Je sais pas. Okay. Je so. sais pas. Non, mais les Filles ah. d'Isabelle, c'est en, en référence à la reine Isabelle de Castille, qui était la reine d'Espagne ouais. et qui était la protectrice ah, de Christophe okay. Colomb. Fait que dans le fond, les femmes se sont dit, ben, on. Les filles d'Isabelle et la famille Myriam, je ne sais pas, à Amio Pac-Man. Est-ce qu'on en va Amio, euh, précise ce que tu dis, Amio Pac-Man. Je ne suis pas sûr euh, que, de comprendre la référence. <laughs> Mais euh, c'est ça, c'est qu'ils sont mis en, comme en protectrice de, 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 de Christophe Colomb. C'est intéressant euh, à ce niveau-là. J'en viens à la, au conseil 2759 qui est le conseil qui a été inauguré à pointe aux mais En fait, euh, tu dis référence à des groupes religieux de ma région comme Chevalier de Colon. Ah ouais. Ah, OK. La, fa la famille Myriam, OK. okay. On ne connaît pas. C'est quoi ta région? Euh, il faut, faut savoir qu'il vient d'Amcouy, lui. Fait que plus ah, euh, la, ma la Matapédia, euh, un peu plus à l'est de chez nous. OK. okay. Ah, OK. okay. À environ okay. une heure de chez nous. OK, fait que la famille, okay. euh, la famille Myriam, ils euh, sont réputés pour être... Euh, être, okay. être okay. Euh, <laughs> lié aux filles d'Isabelle. Bonjour, <laughs> mon genot, euh, <laughs> OK. Euh, à point autrement maintenant. Ça a été, f... malgré qu'ils à... ont été fondés à Montréal, la première, euh, je sais pas si on l'appelle l'Oge, là, mais euh, le, le, le premier groupe, le premier conseil, en fait, des chevaliers de Colombe, il a été inauguré le 23 mars 1935. Euh, dans, à Montréal-Est. Puis je vais vous montrer par qui. Ça a été... Montréal-Est, ok. Oui, c'est à Montréal-Est, puis d'ailleurs, euh, les, euh, les chevaliers de Colomb. Ah, puis yeah, je, je vois justement la charte 2750. Knight of Columbus. Knight of Columbus. Night of Columbus. Puis, Columbus. Ouais. Okay. Puis ce que je trouve intéressant là dans ça, puis j'avais pas porté attention euh, auparavant, c'est que c'est tout écrit en anglais, puis euh, ça, ça fait un, un excellent lien. Parce qu'on a parlé aussi que les, les francs-maçons dans le dernier épisode, c'était beaucoup des anglophones. Puis là, on voit que ouais. le Conseil suprême oh. des chevaliers de colons de Montréal-Est est aussi anglophone. Puis ce qui est, ah. ce qui est intéressant, Je... là, qu'on va pouvoir poser la question à Bob le Chef, parce que Bob le Chef, là, c'est un anglophone de Montréal-Est. Hey, on va pouvoir savoir ben, C'est vraiment si ou... un descendant des riches, des. de hey, l'establishment. Ben oui. De Pointe-aux-Trembles de l'époque, de, de Pointe dans le fond. Oui, hum. on va pouvoir savoir si Bob le Chef, sa famille, est plus chevalier de colos ou franc-maçon. Parce que les francs-maçons à Montréal-Est, ils étaient aussi anglophones. <laughs> fait que ça, va ça va être intéressant à savoir. Fait que, tu vois, celui qui a, qui a inauguré le conseil, c'est Napoléon Courtemanche, qu'on voit ici à, à droite de l'écran. Euh, C'était le maire de Montréal-Est. Et historiquement, à Montréal-Est, tous les membres du conseil de ville devaient faire partie des chevaliers de colon. C'était comme une obligation d'en de, faire partie. Euh, les chevaliers de colon, ils ont eu un local à Montréal-Est pendant 42 ans. Euh, et puis, ce, ce local-là, il était situé au 11420 rue Notre-Dame. Je allé voir, je voulais faire un urbex, moi aussi, euh, à, à Montréal-Est. Euh, ben, oh. puis C'est-tu quoi Où, euh, y a, Ça n'existe plus. Il n'y a plus d'adresse. Ah, oh, 11... je, je pensais que tu allais, allais dire qu'ils t'ont refusé parce que tu ne connaissais pas le, la poignée de main sacrée. Genre. Non, non, non. <laughs> Ils t'ont comme, cha... comme challengé, genre pis là t'es fuck, je la connais pas. Ah, mais de Christ, je... ouais. Parlant de, oh, po de... de poignée de main secrète, euh... ouais. El Frank, est-ce que tu connais la poignée secrète des, des... des... des frères chasseurs? Eh hey, mon Dieu, j'allais déjà euh, j'ai déjà lu c'était quoi. Okay. J'ai déjà lu c'était quoi, je m'en souviens plus malheureusement. Okay. Mais je okay. sais qu'il y en avait une. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose que tu te, te, te touchais le nez, Puis en tout cas, c'était. c'est tu sais comme il y avait des. Ouais, clés de... avec le pouce, en tout cas, ouais, quelque ouais, chose, Ça, ça c'est le, le, le seul symbole secret que, qui était décrit, moi, de, que j'ai su la description. Là, mais les, les chevaliers de colon, euh, c'est mystérieux, on ne le sait pas. Fait que si vous voulez savoir c'était quoi la, la poignée de main secrète des frères chasseurs, allez voir l'épisode 1 de Radio Pointo. C'est ça, c'est pour ça que je faisais un gag là-dessus, parce qu'Alex a parlé dans, dans le podcast d'avant, c'était c'était drôle ouais, ouais, C'était Super compliqué comme affaire, là. Tu sais. Ouais, pour être sûr que tu parles à la bonne personne et tout ça, là. Ouais, ouais, ouais. Ben oui. Euh, C'est ça, les euh, chevaliers de colon se sont rejoints euh, au 11420 rue Notre-Dame pendant 42 ans. Cette adresse-là n'existe plus, je suis allé vérifier sur place et il n'y okay. a plus rien. Euh, ils ont bâti des, des, des condos à cette place-là et d'ailleurs, euh, ils ont bâti des condos aussi où y étaient les francs-maçons et euh, à tous les lieux euh, où se sont déjà présentés les chevaliers de colon, euh, toutes leurs salles de rassemblement. C'est tous des condos qu'il maintenant, ou presque. Euh, maintenant, les chevilles de colomb n'ont plus de, de local attitré euh, dans, dans l'est dans de Montréal, comme tel, dans Poit-aux-Trembles, parce que je pense qu'ils ont un, un peu plus euh, dans le coin de. Ben, proche de, de l'hôpital sur la, louis La Fontaine, sur la rue euh, Mar de Marseille, là, il y a une église là-bas. Je pense que c'est là qu'ils se, qu se rejoignent, mais à, à Pointe-aux-Trammes, ils sont souvent dans des, 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 des sous-sols d'église maintenant. Euh, les filles d'Isabelle, tant qu'à elles, euh, ils, ont, ils ont été fondées à Pointe-aux-Trammes. C'est une méchante drop, Alex, là. Oui. C'est ça, c'était comme... Ils avaient du power à l'époque, puis aujourd'hui, ils se ramassent... Oui, mais c'est normal aussi, parce que, tu quand tu dis que tu es obligé d'être catholique pour faire partie de cette organisation-là, tu sais, le catholicisme au Québec, il n'est pas sur la déconfessionnalisation. C'est sûr que là, ça a moins la cote. C'est ça, là. Puis là, c'est la déconfessionnalisation. Ouais. Et plus euh, toute l'espèce de, de partie d'agnosticisme de, du, euh, du gouvernement actuel. Là, est... On est loin d'être proche de ça, ça c'est ouais. clair. Là. Non, oui. Oui, c'est ça, fait que... Puis euh, d'ailleurs, vous irez voir sur le site web des Chevaliers de Colomb, ils ont refait comme leur, euh, leur publicité pour rendre ça plus jeune, mais n'empêche que euh, malgré le fait que les euh, mettons, on, on dit souvent, ben, on, on remarque qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont croyants, beaucoup plus que de ben, que les Québécois entre guillemets, très grosse guillemets de souche, là, mettons, là. Euh, il y a beaucoup de croyants, quand même, qui sont, euh, qui, qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas catholiques nécessairement. Parce que c'est deux choses différentes, les, la chrétienté et le catholicisme. Donc, euh, je ne sais pas si euh, il y a beaucoup d'immigrants qui, qui, se, qui, qui pourraient se joindre potentiellement aux chevaliers de colon. Puis d'ailleurs, à cet effet, les chevaliers de colon euh, ont... euh, Dans le chat. Excuse-moi, Alex, dans le chat, il y a Amio Pacman qui dit. Euh... Comme ma vie est assurée par les Chevaliers de Colomb, je reçois mes documents justement en anglais. Donc, est, ce que je comprends, c'est qu'il est assuré. Pe Peut-être qu'il fait allusion à sa compagnie d'assurance, qui est probablement une compagnie comme d'origine anglaise, je ne sais pas. Euh, Amio pac Pacman, si tu peux nous en dire plus. Ah bon, c'est à voir, c'est à voir. Qu'est-ce euh, euh, qu que j'allais dire? Ah oui, les Chevaliers de Colomb... T'sais, ils... Ils font beaucoup de, de, de bonnes choses, par exemple. Ils travaillent beaucoup pour des bonnes œuvres. Juste à titre d'exemple, en 2006 là, au Canada, les chevaliers de colon ont amassé 144 millions de dollars US de dons de dons qu'ils ont, qui ont pu remettre à des œuvres de charité quand même. et ils ont fourni euh, durant la même année 68 millions euh, d'heures de bénévolat c'est quelque chose. Que, wow. Ils il travaillent beaucoup pour la communauté. Par contre... Ils perdent en popularité, mais ils, ils sont constants ben, dans le, leur générosité. Ben, on parle okay. de, de 2006. Ah. Euh, c'est sûr, sûr que les Chevaliers de colomb défendent les, les valeurs de l'Église. qu'ils sont beaucoup... Euh sont beaucoup associés à la droite religieuse de plus en plus parce que euh, ils ont, on sait qu'ils ont contribué, entre autres, à des campagnes pro-vie euh, en lien avec l'avortement. Fait qu'ils ont financé euh, des trucs pro-vie. Puis ils sont aussi contre le mariage gay et tout qu ce qui est euh, anti- euh, ben, qui, qui est comme pro-valeur euh, de l'Église catholique. C'est peut-être juste le seul... Euh, le seul point négatif des chevaliers de colon, parce que ils font beaucoup de bonnes choses, mais bon, leurs valeurs sont euh, un peu conservatrices à ce niveau-là. Fait, euh, ouais. fait que voilà. Fait que dans ce que j'avais comme photo à vous présenter, ben c'est sûr que euh, regarde, regarde ici. J'ai une, <laughs> un une coupure de journal qui date de... Qui, par rapport à, à Montréal-Est, ici, l'avenir de l'Est. Qui fracassent leur objectif, ils ont récolté 14 820 Je ne sais pas si c'est en 87. À l'époque, c'était 5 milliards. En 87, ils ont ramassé 14 820 C'est du cash. En 87. Même marie soleil ou gars ne ramassaient pas ça au Téléthon. C'est bon. Voilà pour. Ah, ben merci, Alex. Merci, Puis, euh, la semaine merci prochaine, pour la présentation. Ben merci. Ben oui. La semaine prochaine, euh, ben dans deux semaines, c'est-à-dire parce que notre podcast dans deux re semaines. revient aux deux semaines, euh, je vais vous parler euh, de, euh, du, de, de la dernière euh, euh, organisation secrète dans l'Est de Montréal et j'ai nommé l'Ordre de Jacques Cartier, surtout connu sous le nom de la patente... Fait qu'on va parler de la patente dans, dans deux semaines, c'est la dernière société secrète et après ça on va aller dans cool. du true crime pour ma part. Oh nice, oh. intéressant. Ouais. Merci Alex. Ben, merci. d'écouter l'épisode de la semaine prochaine. Ben, dans deux semaines. Dans, euh, dans deux, deux semaines. semaines. Ben oui, yes. ouais. Ouais, parce que tu vas sûrement avoir des choses à, à dire là-dessus parce que la patente c'est euh, intéressant. <laughs> bon, oui ça date de loin comme ordre quand même lors de Jacques Cartier là. Mm -hmm. là depuis quasiment, euh, écoute c'est là depuis quasiment la colonie là je pense. Ah oui. Ah oui, De mémoire, là, je dis ça sous toute réserve, mais il me semble. Oui. Ok, ben j'ai hâte. De... Tu sais, je vais faire mes recherches, comme on dit. Hein? <laughs> Très populaire ces temps-ci, ce terme-là. Ouais. <laughs> euh, non, par rapport à Bob le Chef, euh, oui. comme je disais tantôt, je reviens là-dessus, ouais. là, c'est que j'ai participé à l'émission de Bob le Chef, l'Anarchie culinaire, il y a deux ans. Ben voyons. Donc. Euh, en avril ah, 2019, ouais. je l'ai rencontré, j'ai fait de la cuisine avec lui euh, ah, sur son nice. show avant. Il y avait une chaîne Twitch qui s'appelait Anarchie culinaire. Okay, il y a okay. une chaîne YouTube de ça. Je pense qu'il fait encore des Facebook Live, YouTube à l'occasion, quelque chose comme ça. Uh -huh. euh, il streamait très régulièrement sur Twitch avant chaque dimanche après-midi. Ah, euh, il y a ouais. des invités souvent et tout ça. Oui, c'est ça, je, je me souviens, il, il a comme été un peu recruté de cette façon-là. -là, oui, 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 ouais. Il y avait du 100-200 personnes sur ses lives. Les gens aimaient vraiment, vraiment beaucoup ça. C'est de valeur uh -huh. que ça ait arrêté d'ailleurs. Ces projets l'ont amené ailleurs. Mais, euh, c'est correct, là, je veux dire déjà, Bob le chef fait ça depuis facilement 15 ans, 20 ans, euh, oui, des shows bon. de cuisine comme ça, là. écoute il a passé à la télé, à la radio, il euh, bon, est respect, très connu dans les ben médias, oui. oui, c'est oui. une personnalité en soi là, dans le monde culinaire, oui, euh, il a sa propre approche, ton propre genre et tout, euh, puis c'est ça, dans le temps, il, euh, il invitait notamment beaucoup des membres de la communauté, puis, euh, deux, ces deux gestionnaires, justement, c'est un couple là, qui gère euh, tout ce qui est médias sociaux, publicité pour lui, là, depuis des années et des années, un couple d'amis mm -hmm. euh, de longue date. D'ailleurs, ses chaudes de cuisine, il faisait dans l'appartement de ce couple d'amis-là, souvent. Ah, oui, euh, mm -hmm. ouais, puis c'est ça, son couple d'amis, ben oui. il me connaissait, euh, il était venu sur ma chaîne avant, il m'avait connu par la bande, par d'autres chaînes et tout. Puis là, ben euh, c'est ça, début 2019, ils m'ont lancé une invitation, ça m'a donné vers le mois d'avril, parce que, bon, c'est quand même à 6 heures de route de chez nous, fait que... Il fallait que je Et planifie bien, un ouais. peu d'avance. Ah, ouais. <laughs> Juste pour y aller, là. Ça, c'est pas aller-retour. C'est y aller. Non, non, oh, non je, oui. sais, je sais, je ma, ma sais. Ma soeur vient voir ma, ma mère euh, qui, qui est à Montréal ici. Euh, euh, ma soeur se tape pour au... montréal une fois par mois. Puis, euh, ouais, ouais. Je la trouve vraiment bonne. C'est vraiment une, une route longue. C'est long elle est là-bas. Mais c'est le fun à faire comme route par contre, c'est le fun. Oui, tu vois, le paysages, ben tu passes à côté de Québec, trois rivières. C'est des beaux paysages, c'est le fun. Ouais. Mais c'est ça, il fallait que je le planifie d'avance. Puis là, ben, je suis allé là-bas. Euh, on a cuisiné, euh, je vois Farah là, justement qui pose la question dans le chat. On a cuisiné des galettes de sarrasin. Puis mm -hmm. euh, j'ai fait une recette de pain viking aussi. Ah oui. Fait que là, c'est tout simple, honnêtement. Là, on a juste cuisiné des galettes puis euh, puis, et puis du pain. Bob a fait une espèce de recette pimpée là, avec ses calettes de sarrasin. Il a mis de la sauce béchamel, des crevettes de matane, des fins herbes. C'était vraiment très bon. Moi qui n'aime pas vraiment les ah. crevettes en plus, moi-même, j'ai aimé ça. C'était ah, bon, oui. hein. euh, ouais. une belle émission. Il euh, y a une vidéo YouTube de ça. Je vais vous le partager dans le chat. Ben la vidéo oui. si YouTube oui. est encore là si ça vous intéresse. Ça. Ben ben oui, oui, ben oui. Ben oui. Puis ouais, euh, le plat viking, euh, un peu en lien avec. Ton décor, bateau, viking, univers... Euh... Ouais, hein, okay, okay. Ah, ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'essaie de trouver une recette de cuisine historique qui n'était pas trop compliquée à faire, qui ne demandait pas trop euh, d'ingrédients. Euh, Puis honnêtement, écoute, je vais aller voir combien de temps la rediff durait. On a fait quasiment quatre heures de show juste à cuisiner ces deux recettes là. <laughs> oh, ouais. cool. Il y avait de la jasette là-dedans. Oh, cool. ben, ah, Ben il y avait beaucoup de jasette, je te dirais les deux premières heures honnêtement là, euh, on a quasiment juste jasé puis papoté beaucoup plus que cuisiné. Que... Ah, ouais. oui. Mais tu sais la recette traditionnelle voilà, bien euh... ah ben merci. Ah, merci merci. Euh, Frank. Mais euh, merci tu sais la plaisir. recette traditionnelle de pain qu'on aurait pu voir, c'est le pain bannique qui était, euh, c'est comme juste de la farine puis de l'eau, à peu près. Oui. <laughs> ça, c'est farine, eau, sel. Ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, étonnamment simple. Puis bon, toi, c'était-tu bon, ce que tu avais fait? Euh... oh oui, oh, oui, oui, euh, on en a mangé. ouais c'était ouais, très bon. Okay. On avait bien mangé, là, justement, cette fois-là. On a fait quelques crêpes, euh, quelques galettes de pain aussi. On a comme mangé ça. C'était le fun, en plus, parce que après, euh, on a fait un espèce de petit cassette-là. On a ouvert, je pense, une bouteille de vin, une coupe de bière. Euh, là après ça, euh, Bob cool, avait cuisiné là, des Bob. saucissons avec un cuisinier italien, avec un, un boucher italien. Il avait fait des saucissons avec lui. Puis là, il avait comme amené 3-4 saucissons. On a mangé ça avec le pain, et du fromage. Oui, je euh, même. Le, là, là tu sais, c'est ça. Oui. Puis ouais, pour vrai, vous allez l'adorer. Ce gars-là, j'ai tellement trouvé... Ah, ouais. Et qui est entré dans la pièce, là, je sens qu'on commence le show jusqu'à ce que je reparte à la fin, là, vers l'heure du souper. Sérieux, euh, Gérard m'a vu un gars aussi facile d'approche, rieur, toujours le sourire au visage, euh, bourré d'énergie, vraiment le fun puis positif, puis euh, wow. drive ça là, vraiment, puis il y a beaucoup d'énergie, il est motivant, puis euh, c'est vraiment vraiment trippant là. Sérieusement, les quatre heures que j'ai fait avec lui là, ça a passé comme si c'était même pas deux heures, là, tellement c'était. Mais t'es chanceux d'avoir pu aller chez lui puis tout ça. T'sais, comme, c'est ça. Tu sais, moi je me disais, ah, peut-être que. Je sais pas, je m'arrange un setup, il pourrait comme me guider à cuisiner, <laughs> pour faire... Je sais pas, parce que tu sais, c'est ça, là, la, la présence de... avec lui, puis de cuisiner, ça, ça doit être, tu sais, même s'il est en ligue, parce que c'est ça, finalement, nous, on n'ira pas chez lui, tu sais... Be... <laughs> non, c'est ça. Il, il va il, venir il chez lui. Il nous invite toi. en live, là. Ben, on l'invite <laughs> en live, c'est ça. On... Bon, fait qu'on fait des, des tests, euh, ça, mais moi, j'ai fait euh, la, la recette de ces euh, gris cheese au ramen. Tes affaires, là! Des ouais, c'était pas si bon que ça, honnêtement. Je... Non! <laughs> non, c'était pas ah. mal. Ben, c'était pas si pire, mais je sais pas, il y a peut-être fallu que je mette euh, les petites épices euh, dans, 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 avec les ramen, justement, quand je le faisais bouillir. Mais même, affa mais même affaire, moi, Alex, j'ai fait, ben, on va y dire, j'ai essayé ces chips, genre, il y avait fait ah, ouais, des Ah ouais, je chips, voulais je les je faire en fait. Ah, oh, parce que je t'ai manqué ça. C'est pas mis une, une patate molle, ok, parce que bon euh, la, la recette, la recette, la recette tient, genre à tu coupes des bouts de patates, tu mets de l'huile, tu mets des épices, sacs ça accède dans le micro-ondes, bingo. Sauf que là, lui, tu sais, dans là, moi quand je l'ai fait, c'était des espèces de petits bouts de patates, tout moues dégueulasses, tu sais. Mais là, j'ai regardé après, tu sais, je l'ai regardé après, puis là, je me suis rendu compte, ouais, mais. Lui, sa patate était fraîche. La tienne, elle avait des racines. Après, tu sais, il aurait fallu quand même, j'ai les ingrédients de d'abord. J'ai voulu, euh, tu sais, suivre ce qu'il avait... Qu avait suggéré. Puis, ben c'est ça. J'ai pas suivi à la lettre. Parce que, tu sais, je pense que la cuisine, c'est beaucoup ça. Hein, tu veux réussir quelque chose, ben il faut un peu que tu suives à... à... À l'alerte, ce que, que le ce ben, que la le, le maître recettier, je l'appelle de même, euh, te dit de faire. <laughs> Au début, tu le suis tu à l'alerte. Après ça, tu as le droit d'improviser. Mais là, moi, j'ai toujours dit, « Oh, c'est pas grave, ma patate est molle et est germée. Ça va sûrement être bon. » Ben non, c'était dégueulasse. Es, c'est fait... mieux de faire des patates pilées que ça dans ce temps-là, pas des chips. <laughs> <laughs> oui, c'est ça. Ouais. Fait que voilà, euh, oh, je suis très mauvais cuisinier en passant, mais bon, cette fois-là, je m'étais dit, hey, tu sais, Gabriel, Gabriel, c'est ma fille qui a 10 ans. Dis, on, va faire des, euh, on va faire des des chips comme Bob le chef l'a dit. Puis en tout cas, fait que. Gros perte gros pour ma part, là, mais euh, la morale de l'histoire, il faut, première shot, il faut que tu suives exactement ce qu'il te dit, là. C'est <laughs> clair, c'est clair. Je vous ai mis les deux recettes aussi qu'on avait cuisinées euh, qui viennent de son blog. Ah, okay, Aye, cool! Ben merci. Bien, merci. Je Aye, allez des voir dessus. ça tout le monde, euh, les recettes de Frank euh, pour ces galettes. C'est va... pas les miennes à proprement ah. parler, j'en ai pris, bon, on s'entend la galette de Sarrasin, c'est pas quelque chose de très compliqué non plus, mm. Puis je veux dire ça fait très longtemps que ça existe. Euh, mais on a la version que Bob avait proposée avec la sauce, là, les légumes, les crevettes et tout. Euh, ça vous tente d'essayer ça, Puis sinon ben il y a la recette de pain plat, là, justement, comme il cuisinait euh, à l'époque viking, là, vraiment mm. directement. Ben oui. Okay. Moi j'ai déjà essayé de faire une bière de sarrasin parce que le, le gars avec qui que je brassais, il vient de. Il, il vient de Louisville, en Mauricie. Puis, euh, ah oui. Il y a le Festival de La Galette de, ah oui. de Sarrasin à Louisville fait Exactement. Il, il voulait qu'on fasse ça. Puis le sarrasin, c'est particulier parce que c'est pas une céréale en tant que telle. Euh, fait que. C'est comme. Il faut rajouter des enzymes pour faire extraire le sucre de ça. En tout cas, ça n'a pas marché. On a tout jeté ça des égouts. Pour vrai, ça n'a pas marché. Ah, oh, dommage. Oui, <laughs> dommage parce qu'il y en a qui réussissent. Là. Je sais que euh, la brasserie euh, Glutenberg, euh, ils ont réussi à faire ça, mais ça prend vraiment des bonnes enzymes pour euh, le sarrasin. fait que c'est euh, vraiment euh, tough à faire. Là. Ouais, mmh. ça, c'est pas compliqué à faire en plus. Il y en a pas beaucoup des bières de Sarrasin en plus. Franchement, moi, tu me parles de ça, puis j'ai essayé de replacer dans ma tête un produit de, de, de microbrasserie au Québec et tout, là, qui aurait peut-être fait ça, puis ça, ça, ça me dit absolument rien. Il y a la microbrasserie de la Nouvelle-France qui ont été des premiers à faire ça, justement. Ah oui, ok. Ouais, ouais dans le coin de. de... Ben, c'est comme dans dans, le... dans mort ici aussi, mais là, maintenant, ça a été ça a changé de propriétaire, puis ils font plus des IPA, maintenant. Là. Il a dit que. Ah, mal dit apparemment. Ouais. Aussi. Ah oui, Malmström, oui, dans la Naudière. Lager Sarrazin. Hmm. Ah, ben oui, euh, Amio Pac-Man qui dit ça. Ben oui. Qui a, qu a une Lager Sarrazin dans mon ça, frigo. Ça doit être intéressant ça. Par Malmström. Je, allé... ouais. je suis déjà allé visiter ça deux fois à Malmström. Le gars est super gentil. Là. Je vais te montrer son setup à l'époque. Puis, à l'époque que j'ai visité ça, mon kit de brassage était plus gros que le sien. Sauf qu'il y avait des bons fermenteurs. Puis, c'est pour ça qu'il faisait des lagues. c'était un ah, nesti ouais. de brassage, je vous jure. <laughs> Mais c'était drôle de voir ça parce qu'on se jasait. Puis là. Tu sais, genre, euh, son setup dit ah, Moi, avoir su j'aurais fait ça de même. J'ai dit Ah ben moi, c'est ça que j'ai fait, là, tu sais, puis euh, c'était drôle. Euh... Mais il brassait plus souvent, mais il remplissait ses fermenteurs. C'était euh, des gros fermenteurs là, euh, industriels là, quand même. Là. Alex Alex, tu fais... Alex faisait même ses levures à un moment donné. Je suis ouais. arrivé chez eux, il y avait des bêchères. Qu'est-ce que je fais des levures? calvaire tu sais, quand c'est rendu que tu brasses puis tu fais tes propres levures, là. Ouais. T'es pro ouais. en actual. T'es pro là, tu sais, ouais. Alex. <laughs> Mais ben bon. bon. Quand je tu à gras... à Pointe-au-Change. Y a-tu présentement une brasserie de quartier ou quelque non. chose ou non 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 non, non. Okay. non. non mais je me disais Malheureusement... que peut-être un jour Twitch va m'amener à ça. sais si. Peut-être. C'est ça que je me dis. Peut-être qu'un moment donné je vais, je vais me faire. Tu sais ça aussi que Radio Pointeau, on parle de Pointeau. Peut-être que ça va nous amener des gens de Pointeau. Puis peut-être que les gens de Pointeau vont vouloir avoir une brasserie. Peut-être que. T'sais, ça, on sait pas on sait pas euh, moi un jour c'est sûr que j'ai toujours rêvé d'avoir une brasserie mais bon on verra on verra comment les choses vont venir ouais. euh, ça peut être, ça peut faire partie des plans fait que je me laisse toutes les options libres là. si ça connais-tu connais-tu donne... euh, connais la chaîne Actuc et euh, le Grand Mister non 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 okay. je vais en... t'envoyer le lien de leur chaîne tu vas les voir en live euh, mais que ça donne le Grand Mister euh, qui travaille pour une brasserie je pense que c'est à Rosemont en plus je pense qu'il travaille pour une microbrasserie de, de quartier là, à Montréal, à Rosemont, si je ne me trompe pas, là, il pourra te le dire lui-même. Euh, ah, ma brasserie. Sa copine, ben oui. sa, sa copine est représentante pour Benelux. Ah, okay. Oui, ma brasserie, je pense que c'est ah, ça. Ben oui, je connais ma brasserie. Ah ben je savais pas qu'il y a des streamers. Oui, ben, sa copine, non. Mais lui, oui, ah, il oui. stream quand même assez régulièrement. Là, il est là très, très souvent. Mm. Euh, Puis après ça, Actuc, c'est un acronyme qui euh, ça signifie aussitôt que tu as une chance. Euh, ah. Donc AQTUC. Ils sont trois. Dans le fond, il y a Jonathan, il y a Laurie, puis il y a Yanael. Euh, Yanael et Laurie étant un couple, puis Jonathan étant de leurs bons amis euh, de longue date. Euh, Yanael, en fait, lui, euh, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là, dans le milieu de la microbrasserie, euh, très impliqué au niveau communication, marketing et tout. Euh, je pense qu'il avait fondé comme une espèce de grosse communauté de brasseurs sur Facebook, là, je ne me rappelle plus du nom. Euh, la décapsule. Merci à M. Ouais, ah, fait que oui. si tu peux j'en disais avec eux autres, là, je pense qu'il y, euh, y aurait long à entendre dire sur le truc de la oui, micro. Je, je euh, connaissais un la, la nanobrasseur, j'y allais souvent. Nano Brasseur, ouais. Ouais, ouais, j'y allais souvent euh, à l'époque que je brassais, mais maintenant, ben, j'essaie d'apprendre d'autres choses parce que les techniques, mes techniques de bière sont assez. Euh, je serais capable de rebrasser demain matin. Mais là, euh, ce qui me préoccupe plus, c'est, genre, mon Discord ces temps-ci, parce que je brosse, je, je brosse. <rire> 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 Il faisait pousser son blond, il faisait... J'en ai encore du blond, il wow. a commencé à sortir. Je... Ah ouais, je, ah, je te jure, Alfred, t'es malade, j'ai bu les meilleures bières à vie chez Alex. Ah ouais. Mais tu sais, Alex, je te mets pas de pression, je veux juste <laughs> dire à quel point t'étais foutrement bon là-dedans, c'était malade, t'avais vraiment un sale talent, là. C'est ah ben... hallucinant. Les, les, les gars de la job, ils allaient cher Alex avec le Cruchon. Hey man. Ah ouais, vraiment, t'es ah ben... très talentueux là-dedans. Mais merci. Moi, quand je suis passionné de quelque chose, j'essaie de m'y ma... mettre le plus à fond possible. Là. puis euh, Des fois, c'est ben, un défaut et une qualité en même temps. Là. Mais bon. Fait que ben, pour la bière, on verra si ça va revenir. Là. Moi, j'aime je... ça brasser, mais j'aime moins faire la vaisselle <laughs> qui vient avec. <laughs> ouais, moi, 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 je vois la. Voilà... Moi, je vais laver tes chadrons de potions, ça ne me dérange pas, Alex. Ah ouais, là, je, vais, je vais le faire. Tu me paieras en cruchon, ça va me faire ah ouais. Ben c'est ça, ça va bien quand c'est des petites quantités. Puis je sais que tu l'as déjà lavé chez nous euh, à l'époque. Oui. Mais, oui, oui, oui. mais euh, quand ça vient plus gros, c'est plus chiant aussi à laver. Euh... C'est ça. Mm. Mais tu pas obligé, de... c'est pas, pas obligé d'être gros. En tout cas, je dis ça de même. Ah, ouais. C'est quoi ça, ce sujet? Oui, le lien que j'ai envoyé dans le chat, c'est le podcast que j'ai fait avec justement Yanael, le Grand Mister, sa copine et Amio Pac-Man ah, en plus wow. sur euh, la bière et l'histoire. Ouais, ouais, ah, ben, ouais, c'est euh, aller voir ça. On va aller voir ça, est-ce que C'est le fun que tu nous envoies plein de liens de même de, de ton vécu de streamer pour vrai, Frank. C'est le fun. Là? Mais oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais ouais, oui. ouais. Euh... J'ai eu, ouais, eu quand même un assez gros vécu euh, en trois ans. Oui. Pour vrai, euh, écoute, j'ai commencé Twitch en fin 2017, début 2018. Je m'attendais strictement à euh, rien du tout. <laughs> okay. J'ai commencé parce que ah, rien du tout. Écoute, euh, 2017, j'avais commencé à explorer ça, mais je connaissais pas Twitch du tout. Euh, je hmm. connaissais pas vraiment OBS plus que ça. J'avais juste le goût de changer de style d'animation parce qu'avant, moi, je faisais de la radio. J'ai fait beaucoup de radio entre 2014 et okay. 2018. Pendant trois, okay. quatre ans, j'ai animé de la radio beaucoup comme notaire étudiante et tout ça. Puis là, j'avais le goût d'essayer autre chose, puis là, je m'étais essayé à streamer là, des jeux que je faisais, puis tout ça. Mais je ne savais pas c'était quoi un host, un hein, raid, Twitch, comment gérer la communauté, les, les add-ons, les bots et tout ça. Je ne connaissais rien, rien, rien de ça. Là. Dans le temps, euh, j'avais une caméra à 30 pièces un micro-casque. Ma, ma capture de caméra qui ne captait pas bien, là, qui n'avait pas une bonne fluidité et tout, puis ma capture de jeu, c'est tout. Je m'essayais ah, vraiment mais... juste pour le plaisir, puis je ne savais aucunement ce que je faisais là, à cette époque-là. Puis après ça, fin 2017, début 2018, il euh, y a de mes amis qui m'ont comme vraiment craqué, motivé, euh, parce qu'eux aussi streamaient, on jouait beaucoup à Overwatch dans le temps, puis on streamait nos parties et tout. Puis ça a commencé tranquillement de même, puis à un moment donné, ben, j'ai comme pogné la piqueuse, je me suis mis là-dedans plus assidûment, puis tout ça. Puis là, ben, avec le temps, euh, j'ai développé ce concept-là, beaucoup autour de Kingdom Come Deliverance. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Oui, le jeu, le jeu, ben oui. Ben oui, ouais, c'est beaucoup ça qui m'a amené ça. Puis euh, d'autres de mes amis, euh, des, des amis communs à Mio Pac-Man et à moi, là, justement, qu'on a euh, à Rimouski. Donc un deux est historien justement qui suivait beaucoup mes lives au début. Euh, il me disait crème pourquoi tu mets pas le focus là-dessus. Tu sais t'es es, es en histoire en plus ça pourrait être intéressant que tu développes de quoi oh, comme ça oui. tout ça. Je comme, disais ben ouais écoute je pourrais bien essayer ça ah, puis là j'ai vu que personne le faisait fait que ça a décollé comme ça. Uh -huh. Puis écoute moi je, ouais. je, je, je... Je ne ben, m'attendais pas du tout là, euh, à tout ce que j'ai vécu euh, en termes de streaming en trois ans. Là, ça. Mais non, même si euh, tu n'as probablement jamais fait... Oh, probable... Tu es sûrement dans ta tête encore en train d'apprendre. Je peux te dire que tu master dans la ouais, <laughs> salle. Ouais, ouais, bon, ben, merci beaucoup. Oh, oui, ah, oui, très, bon, très bon, très excellent. excellent. Ouais. excellent. Hey, Ninja, il te reste un sujet à parler. Oui, il faut que j'aille aux toilettes pendant que tu vas en parler parce que. Le bouchon qui saute. Le fameux bouchon qui part finalement. Ah oui, quel sujet donc? C'est la navette fluviale. Ah, jeu, jeu! Ah, mais pardon le jeu, mais là, je peux pas te mettre. Pendant que je vais être aux toilettes, je ne pourrais pas te mettre comme vidéo, par exemple. Ok, ben ben tu reviendras après. Comment ça d'en parler? Puis j'en viens. On va faire une pause. Oui, euh. Ouais. J'ai fait, fait un peu de IA bash tantôt, puis quand j'écoutais ton, ton okay. stream, euh, je me disais oh My God, c'est vrai, les jeux IA, tu les jeux achètes six mois après. T'sais, parce que toutes les fois que j'ai acheté des jeux IA, les premières. Tu sais, c'est des petits bugs mineurs. T'sais, le taux d'enfance que je comprenais, c'est que tu, tu voulais jouer avec le remote wireless, hein, c'est ça? Non, 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 pas du tout. J'essayais juste de à starter le fois... jeu point à la ligne. <laughs> T'as Ouais, puis le jeu il crachait. Dans le fond, ça m'amenait dans le launcher des trois Mass Effect. Là, j'essayais de le démarrer. Ça faisait juste comme un temps de pause, un écran noir. Pouf, ça revenait au launcher. Ben, c'est pas supposé. Comme, ben, voyons donc. <laughs> Non, c'est ça, c'est pas supposé. poser. Puis tu sais, je veux pas revenir là-dessus pour, euh, pour bâcher sur cette compagnie-là. Puis qu'ils font des très bons jeux. C'est ça qui est plate. C'est qu'ils font des bons jeux, mais 3-4 ouais. mois après, à consommer. à consommer, C'est un peu comme une, une bière qui doit fermenter ou un vin. Là. Les jeux de tant t'attends 3 mois. Après ça, ils sont. Ah, c'est écœurant parce que moi, c'est ce ah que oui. j'ai vécu. Un petit peu, BioWare. BioWare font tellement des excellents jeux depuis des années. Hey, des... J'ai fait Mass Effect 2. Euh, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Quand, quand tantôt, tu as finalement réussi à partir le jeu, j'ai le poil qui est levé. Je trouve te ah ça tellement. Hein. Ah, le générique, tellement... la musique, l'intro. Ah, C'était hein. fait par des docteurs, je pense, ce jeu-là. C'est ah, c'est deux espèces de brain, là, les, les premiers, puis ça a eu un succès fou, puis en tout cas, finalement, Andromeda, qui a comme été celui qui est qui un peu le déclin, si je... ah, euh, c'est la maladie des jeux récents, euh, ils les lancent pas complètement stables, car ils veulent qu'ils qu vont pouvoir le patcher, car ils savent qu'ils vont pouvoir le patcher, ben oui, c'est sûr, là avec le, un peu dans notre espèce d'œil numérique, là, ils savent très bien qu'ils vont non, pouvoir envoyer... Un patch là, mais tu sais. Hey, Pierre Lemay qui est dans la face, salut. Hey, salut Pierre Lemay. Ben oui, qui fait de la super bonne musique. Oh, vous avez un raid de Mathis! Oh, raid. Puis Alex, il n'est pas là. Ben écoute. Salut merci. Mathis! Salut Mathis! <laughs> merci du raid. Hey, on Pierre est tirés sur Salut. Habituellement, ah oui, notre Mathis podcast. C'est un de mes viewers okay. réguliers qui a commencé à streamer il y a peut-être deux, trois semaines environ. là. Ah, un mois, cool. bientôt un mois. Ah, ben c'est le fun. Mathis Game. Merci de, de, de raider notre, notre podcast ce soir, Radio que ça s'appelle. Fait que, comme, comme je te disais, euh, tu sais, c'est ça. Fait que les, les, les jeux, y est... moi, je suis un gros fan de réalité virtuelle, mais ouais. du départ, je me suis acheté le, le kit de développement d'Oculus de il euh, y a, je sais pas combien d'années, je pense, ça fait peut-être sept cette heures, je ne sais pas, le 2 le, le qui appelait, là. ça venait avec une caméra qui, qui traquait les lumières dans ton masque, là, puis c'était très archaïque, puis ça donnait mal au cœur, en tout cas. J'ai eu plein de fun avec la VR, puis là, récemment, étant un gros fan ah, de Star Wars. J'ai fait la VR en plus. Oh, c'est hallucinant, là. Moi, c'est ce euh... j'ai le q Quest 2 en ce moment, puis euh, je l'adore. Il fallait que j'achète des accessoires pour bien le rendre optimal, là. Ah, mais euh, pour vrai, à ça que j'ai tout, que je te t'écouter, c'est malade. C'est la plateforme que, que, là, que, je, que je te montre. Là, regarde, c'est ce qu'on a. Ah, en as une aussi? Ben oui. Ah, ben oui, ben ben oui, oui voilà. <laughs> c'est drette là. Puis, avec le. le, le... Probablement que tu t'es acheté une strap qui est un petit oui. peu mieux. Moi, j'en un, je Ah, man, c'est jouissif, ces masque-là. Ah, non, toi, t'as celui qui est sur Amazon. T'as celui oui, sur Amazon. Celui Amazon. Moi, moi j'ai celui d'Amazon, moi. Moi, j'ai celui d'Oculus parce que Day One, j'ai vendu mon Quest 1. J'ai acheté un Quest 2. Euh, c était, c était, c ma femme t'a découragé, mais écoute, était pour <laughs> moi, ça, il n'était pas question que j'achète pas le 2. Il y avait une puce graphique euh, qui était vraiment plus puissante, plus performante que celle du 1. Ben, Je dis garde l'île, c'est certain qu'il me le faut. Mais euh, bref, si jamais vous achetez le, le Quest 2, comme El Frank puis moi, achetez-vous une strap différente que celle qui oh, vient ça avec. ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça, c'est ça, le confort est vraiment plus là. Puis moi-même, El frank je me suis changé l'interface ici, le masque. J'ai acheté ça sur une compagnie américaine qui s'appelle VR Cover. Je sais pas si toi aussi t'as fait ça. Non, moi, j'ai juste ce cover normal puis j'ai un truc de silicone autour. Je m'excuse les gars, mais j'ai manqué un Raid, moi. Oui, oui. Ah, ben merci pour le Raid. Tu fais ce qu'on s'est fait. Pour te mettre en contexte, c'est un de mes viewers réguliers okay. euh, qui a commencé à streamer il y a peut-être un mois environ. Ok, cool. Ah, ben, bienvenue à chez nous. de le... variété. Ok, cool. Fait que, que c'est ça, tu sais, comme je me, je me suis, euh, suis graillé aussi de ça. Ça, ça, ça change, t'sais, Si jamais vous achetez un casque VR Quest 2, achetez-vous des petits add-ons comme cette strap-là cette ou, ouais. ou celle que. C'est genre 50$, hein, Frank, celle que tu as payée sur euh, euh, Amazon 35-40$ environ. là. C'est tellement malade. Pis là, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que. On parlait des jeux hier tantôt. Ça fait, trop... ça fait à peu près six mois que le jeu Squadron, Star Wars Squadron, oui, qui est sorti. Oui, 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 oui. Et je suis un gros fan de Dogfighter, J'ai joué à Eve Valkyrie quand la VR est sortie, euh, qui est dans l'univers de... de Eve online. Euh, sauf que c'est vraiment un Dog Fight, mais. Il n'y a, a plus de joueurs qui jouent à ça. Malheureusement, la compagnie, euh, la, 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 la filière de Yves qui s'occupait du jeu VR, ils ont comme complètement euh, bossé. Ça, ça peut être un succès, bref. Mais dans, dans le jeu euh, Star Wars Squadron, euh, ils, ont, ils ont ressorti à peu près toutes les mécaniques qu'il y avait dans le jeu Yves Valkyrie dans l'univers de Star Wars et EA. Quatre mois plus tard, six mois plus tard, c'est impeccable. Je vous dirais que ça vous prend une bombe pour jouer à ça en VR parce que, euh, tu sais, moi, j'ai un, une espèce de... j'ai une RTX 3070, là, que je me suis payé il n'y a pas longtemps, là. Mais, tu sais, avant ça, j'avais une 1080, puis ça laguait. Puis quand ça lague en VR, ben, c'est caca, c'est pas le fun, on n'a pas de plaisir. Mais, un jeu avec une... tu sais, je vous dirais, là, quand, quand, quand tu commences à avoir une... Euh, Peut-être une, une GTX euh, à 20, 70, à partir de ça, là, toute cette gamme de, de, de cartes vidéo d'NVIDIA-là, euh, ça, ça le roule number one et c'est vraiment malade. Le, le jeu Star Wars euh, Squadron, Alex, je ne sais pas si tu peux passer le trailer pour les auditeurs, euh, je, je t'ai renvoyé le lien. Je vais de faire ça. Mais c'est un, un jeu de bataille spatiale. Euh, ça se passe dans l'univers de Star Wars, vous l'aurez deviné. Il y a euh, différents modes, dont, bon, il y, a, il y a le mode normal skirmish, là, on, on se bat un vaisseau contre un autre. Euh, on incarne soit l'Empire ou euh, la Rébellion. Euh, puis aussi, il y a des, euh, un, un jeu de, de capture de flag. Ben, pas capture de flag, mais il faut détruire soit un croiseur interstellaire ou la base de l'Empire euh, qui va être protégée. Puis on, là, il faut faire plus du travail d'équipe. Donc, différents modes dans le jeu. Les bugs sont à peu près toutes réglés. Quand je dis à peu près tout, il y en a encore. Des fois, ça plante. C'est rendu que. Là, je me suis acheté un, 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 un routeur euh, Wi-Fi 5 GHz. Là, pour jouer avec le, la nouvelle fonction du Oculus Quest 2 qui s'appelle Airlink. Tu peux jouer à ton Oculus Quest. Sur ton PC sans mettre un Christy de fil. Moi, j'ai été des années à mettre un maudit fil, puis là, c'est rendu tellement malade. Écoute, c'est d'une fluidité incroyable. Enfin, bon, ah, je le teste que... sur AirLink. Justement, je l'ai aussi, puis il va bon, falloir que j'essaye ça. Ah, à surtout d'avoir, ben, j'imagine, avec ton, ta vie de streamer, tu dois avoir un, un routeur qui fait du bon 5G, puis tout. là. Parce que, parce que ça prend ça, c'est ça. Pas, pas particulièrement, là, mais je me munirais peut-être de ça éventuellement. Là. Bon, en tout cas, je te, je te le dis, si jamais tu vois que ça a des, ça a des gros freezes, euh, stresse pas. Il y a des, des bebel à, à 120 qui font vraiment la job. Tu sais, mm -hmm. puis euh, je m'en suis acheté un. La compagnie est juste vraiment. Là, la plupart des modèles est juste qui sortent pas trop cher aujourd'hui, qui font 5 Go. Ils font la job. C'est pas vraiment fou. La seule chose, c'est que quand on joue sans fil, ça draine énormément de jus. Donc quand on joue un jeu comme, 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 euh, comme euh, uh, Star Wars Squadron. Ça prend peut-être un petit peu plus de batterie que ce qui est déjà fourni avec l'Oculus Quest. mais me suis acheté une batterie d'appoint que, 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 que je me strappe en arrière. Là. Bon, je ne l'ai pas avec moi. Bref, une espèce de power pack que je mets en arrière. C'est pas trop gros. Ça fait un contrepoids, puis en même temps, je peux jouer des heures. Si vous avez, si vous avez mal au cœur, c'est votre problème. Vous êtes pas un bon pilote. Moi, je suis sans scrupules. Aujourd'hui, la, la VR, c'est pas vrai que ça donne mal au cœur si tu sais bien t'en servir. Puis que tu te focuses sur les bons points visuels aussi. C'est sûr, si tu regardes le décor pendant que tu joues à Star Wars Squadron, tu vas avoir mal au cœur. Écoute, tu serais dans un vrai X-Wing, aurais mal au cœur, anyways. Fait que quand, quand tu fais du, du dogfight avec euh, Star Wars Squadron, assure-toi de regarder le, vers, le vaisseau que tu veux tirer. Ça va te donner moins mal au cœur. Moi, c'est mon tip. Le, la question que j'ai pour toi par rapport oui. à ça, c'est que moi, de mon côté, je ne sais pas si toi, tu as fait oui. le même ajout, là, mais tu remarqueras que mes lunettes sont un peu plus grosses à l'intérieur de mon VR. C'est parce que depuis hier, j'ai reçu des lentilles que je pose par-dessus les. J'ai euh, pas les fait les le saut encore. VR, et que ils moi, ont je suis ouais. Parce que je suis un porteur de lunettes, toi aussi. D'accord. Euh, j'ai acheté ça sur framesdirect.com. <laughs> ça m'a coûté 120 canadiens. Euh, le oui. shipping a été gratuit. Ça a pris environ une semaine et demie à arriver puis euh, je les ai posés depuis hier, hier soir, j'ai joué à Phasmophobia avec Nathis Games, justement, euh, pas mal toute tout une soirée de temps. Phasmophobia, ah, Alex! Sérieux, euh, je me suis jamais senti aussi bien dans mon VR que ça, là. Pas de ah, lunettes, ouais. rien, ma force de vue là-dedans, tout ah, ça. J'avais pas encore aucun tour, j'avais détourné un peu, je sais pas pourquoi. Euh, ah, ouais. Mais là, pour vrai, depuis là, j'en ai plus du tout. Ça va bien, le casque est super confortable, Puis, euh, Peux-tu mettre dans, un dans un chap, jour, le chat le... mets mes lunettes? Peux-tu le mettre dans le chat, le... le site, c'est comment ça s'appelle? C'est framesdirect.com. OK. Puis moi je suis astigmate, hyper myope. C'est pas sûr. Je vais juste envoyer ta prescription puis oui, ils le font custom made. Moi j'ai envoyé ma prescription pour mes yeux. C'est peut t'as plus tough. T'es tu astigmate ouais. aussi euh, Non, non, moi je suis juste myope. Ah, c'est ça. Moi, je... Ah, ah, ben, il y a des points. Puis... Ça dépend à quel point t'es astigma... euh, astigmate, parce que ah, des fois il y a des points de, de, qui peuvent se corriger avec des, euh, des lentilles de myopie aussi. Là. Ok, ok. Genre, bon, en tout cas, un point d'astigmatisme, c'est un point de myopie, genre quelque chose comme ça. Ben ouais, merci, ça. merci du type euh, Alfred, parce que effectivement, moi ça fait, ça fait vraiment longtemps que je me dis. Ah, mais j'ai toujours trouvé ça très cher, là, parce qu'avant c'était beaucoup aux États-Unis que ça se faisait, fallait le faire importer. Ouais. Fait que là, ça c'est une compagnie qui est vraiment en, points, en, en argent canadien. Ça... Non, c'est américain. C'est basé au Texas, ah, okay. parce qu'ils ont un partenariat direct avec Oculus, la compagnie. Ah ok, fait que c'est pas trop pire là. Tu l'as acheté sur le site d'Oculus genre? ça Non, sur le site de Frames Direct. Le... C'est okay. des opticiens, c'est juste des opticiens en fait aux autres. Ah, wow, Et qui ont un partenariat okay. avec Oculus pour développer... Euh, des lentilles, un peu comme une paire de lunettes, mais vraiment pour le casque VR, quoi. Ah, ben écoute, ben écoutez, c'est certain, écoutez les auditeurs, moi je m'achète ça, puis <laughs> effectivement je fais aussi un review de ça parce que euh, ça fait trop longtemps que je fais du VR, puis je que, je, moi j'enlevais mes lunettes en fait, j'acceptais qu'il y ait un certain flou, tu sais. Ouais. Achète-toi ça, ça vaut la peine, vraiment. Ok, ouais, certain. Ça 120$ point. canadiens, ouais, ça vaut l'argent. <laughs> euh, ben oui, et puis euh, Alex, est-ce que tu l'as le, le, le. Je suis en train de le passer depuis tantôt, là, mais vous ne le voyez ah, pas okay. parce que je le passais pendant que vous parliez. Là. Euh, je ne sais ah, pas s'il y avait puis... des bouts que tu voulais. Euh, non, 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 mais, euh... que... Ben je pense qu'on en a, sur... on, on a beaucoup parlé, mais en tout cas, si jamais vous avez un casque VR sautez là-dessus, c'est complètement hot. C'est vraiment le fun. On peut même chatter, vo tu peux chatter vocal euh, pendant que tu joues. Euh, pis, tu sais, si, si vous avez juste une, ma une manette, là, genre soit une manette de PlayStation 4 que vous pluguez à votre PC ou une manette d'Xbox, euh, ça fonctionne très bien. Tu n'as pas besoin d'avoir un, un, un Hotass, à moins vraiment d'être passionné. Tu t'achètes un, un joystick pour les jeux de vol. Là, mais euh, moi, j'en ai un, puis honnêtement, je reviens toujours à, mon, à, ma, à ma bonne vie de manette de PlayStation 4 pour, euh, pour jouer à ce genre de jeu-là, puis ça fonctionne bien. Ah, mais, as tu joues avec quoi, toi, les euh, euh, les jeux de VR? Mettons que as besoin d'une... Est-ce que ça t'arrive de prendre ta manette puis de mettre ça sur ton PC, Alfred? Non, à date, j'ai juste utilisé les manettes vraiment du casque VR. J'ai jamais ah, okay. joué à de parce là, que là, j'ai fait trois que Tu joues avec ta manette, puis t'as juste vraiment la vue en VR du cockpit, mais euh... Ouais. Non, j'ai essayer une manette vraiment, vrai. vraiment spéciale autrement que ça là. OK. j'imagine, toi, t'as as acheté les petites euh, les petites euh, les dragons? Non. Oh, non, ça c'est pas... En en vraiment celle-là de base de la manette. Ça, j'avais acheté ça, c'était une quarantaine de dollars, Puis on peut... On peut serrer la main, ça donne l'impression de de, de... de vraiment euh, Pas avoir de manette, entre guillemets là, tu sais. Ah, OK, que, moi, je comprends. T'as pas besoin de tenir l'objet comme tel, et... Il est dans ta main et il bouge pas, là. En tout cas, c'était bien sur Amazon. Tu dis que ça vaut la tout. peine ces grippes-là, euh, Mathis Ok, je vais checker ça. Ouais, euh, il parle des, des grippes que j'ai. Ouais. Ah, J'imagine, oui. Ouais, ouais ben c'est que ça a été beaucoup inspiré du, euh, du modèle de, 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 de Valve, que le, le modèle de casse de réalité virtuelle qui a été fait par Steam. Ouais, le Valve Index. C'est ça, c'est ça, le, le Valve Index. Puis, euh, dans le fond, ils se sont inspirés de ça. Ils ont fait une espèce de, 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 de truc qu'on ajoute à la manette. Je ne sais pas si vous voyez la démarcation. C'est comme une espèce de pochette qu'on rentre là-dedans. Puis ouais, là, après ouais, ouais. ça, il y a, a une gance qui est élastique, qu'on peut ajuster ici. Puis euh, vraiment, ça, tu, peux le mettre, euh, tu peux le mettre hyper stretch sur ta manette. Okay. C'est cool. Ah. Quand, quand tu prends de quoi, tu le prends avec ta main comme ça. Ah bon, ouais. T'as pas, be pas besoin de te soucier que t'as de quoi dans la main. Fait que oui, ça vaut la peine quand même. OK. Ah. Ouais, ouais. Peux-tu m'envoyer pas... le lien? Euh, Envoie-moi là en privé sur Discord. Je suis curieux. Ouh. Oui, 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 je t'envoie ça. C'était vraiment pas cher en plus, là. T'envoie ça. Ça sur Discord ou dans le chat là. OK. Il y a, euh, il y a, dit, il y a Matisse euh, Game qui dit Ninja Coiffeur. La seule chose que je suis déçu, c'est que les manettes oculus ne fit pas avec. Hein? Avec quoi? Je ne sais pas avec quoi. Là. Il parlait du... Ah, euh... oh, peut-être le jeu Squadron. Oui. Ouais. Ah, est Effectivement, c'est -ce, -ce... ah, une erreur. Tu sais, dans le sens que tous les boutons sont configurés style manette Xbox 360 sur les, sur les ouais. contrôleurs de Q. Fait que on s'attend que ça aurait tellement été facile. Tu aurais été relax dans, dans ton salon en train de jouer dans ton cockpit de, de X-Wing. T'aurais utilisé, ben non, tu sais, il faut que tu aies accès à... à une manette qui, qui... qui réunit tes mains. je que... suis bien d'accord avec lui, là, ça c'est vrai que ça a été un, un donneur pour moi aussi, là. Bah, c'est dommage, il pense pas à tout, hein. comme ben non, non. J pendant que j'étais euh... pas là, euh... je sais pas si t'avais fait le lien avec les jeux, justement, d'IA, euh, sûrement tu en as, as parlé, qu'il <laughs> m'a oui, pas. Oui, zoos. oui, on a parlé. Ouais, ouais, c'est ça. Vous avez peut-être manqué le commentaire, mais la famille de Matisse vient de Pointo-Tremble, Ah ouais, j'ai manqué ça. Ouais. Hein? Ah, ah, ben coudon. donc. Euh, on n'y connaît pas les familles de Pointo, mais on va les découvrir. <laughs> <Fait> que... <laughs> c'est quoi la famille? Tu je ne sais pas si tu veux le dire, mais en tout cas. Euh, C'était une famille connue qui, si elle vient de Pointo. Près de la sixième et gauchettière, ça c'est. Ben oui, je sais c'est dans, ce... dans quel coin, ça. Ben oui, ah, ben ça doit être une vieille famille parce que c'est des vieux, c'est le vieux quartier. C'est. Euh, ouais. Juste dans mon coin, ça. Non, la sixième. La sixième, c'est proche. Euh... Ah oui, excuse. Oui, ouais, c'est vrai, moi, je, je suis loin dans l'Est, ok. Oui, ouais, c'est ça, c'est la famille Boucher. Ah ben on aura peut-être l'occasion de parler de la famille Boucher dans un prochain épisode parce que c'est. Il y a tellement. Honnêtement, là, je suis vraiment surpris de ça, moi, parce qu'il y a tellement de sujets. Tu sais, quand on, on a parti le podcast Radio Pointo. Premièrement, on, on se disait hey, que, Comment qu'on appellerait ça? Puis là, Ninja, il dit « Ah ben là, j'aimerais ça que ça soit, euh, euh, ça soit Radio quelque chose. Il me semble que ça serait bon, Je ben Radio Pointo. Puis là, il dit Hey, ça c'est bon, Radio Pointo! Euh, fait que euh, c'est comme ça qu'on a euh, qu'on a décidé de parler de Pointo. Puis euh. hé, euh, hé, yep, yep, yep. Fait que c'est ça. Ben, oui. Puis, Puis là, on se disait hey, On va juste sortir une coupe de sujets euh, qu'on pourrait parler de Et hey, On a rempli une page. J'ai rempli une page au complet là, de tous les sujets, de toutes les affaires. Il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Là là, euh, super intéressantes là, à, à raconter. Euh, C'est pour ça qu'on se, on se met le podcast aux deux semaines. C'est pour juste se donner le temps d'aller euh, euh, chercher à chaque semaine. Fouiller. Fouiller comme il faut, moi, là. moi, mon angoisse c'était Ouais, mais Pointeau 30. Salut. À un moment donné, il n'y aura, pu... aura plus rien à dire. Ben non, ça continue l'histoire. Il y a comme il y a quelque chose qu'on va toujours pouvoir trouver qui se passe. D'accord, en tout cas. Ben voilà. Oui. Euh, j'ai partagé dans le chat le, le lien de, de, mes petits, de mes petits trucs là. Je vais Je aller voir aller, ça euh... à l'instant. Oui, va ouais, ben ouais, remboucher. Euh, fait... 29,99$, vraiment. Ah, c'est pas cher. Ah oh, wow. Fait que. Ouais. Euh, Turbo Wing, euh, bienvenue. Salut. Salut, ça va? Bienvenue. Euh, puis boucher comme Boucherville, effectivement, les bouchers dans le coin, là, c'est euh, une. Ben, c'est pas Boucherville, c'est Boucherville. Boucher. Boucherville, ouais. Ouais, ouais c'est ça, effectivement. Fait que c'est ça. Euh, on a tout passé au sujet, Ninja, je pense. Ouais, que... moi, j'ai tout passé, là. Bon, bien excellent. Hey, moi, j'aurais le goût qu'avant qu'on se quitte, on fasse un, juste un dernier. Fou. On joue un dernier point de notre intro. <laughs> hey, t'as as tellement travaillé fort là-dessus, Alex. Je te comprends, même. On va remettre notre intro. On va remettre notre intro en plein, euh, plein vers la fin, puis on revient après. OK? Fait que, oh, juste pour que les gens qui ne l'aient pas vu, soit soit joint à nous, euh, ils le, le voient. Puis on va la mettre comme carte de visite sur nos réseaux sociaux parce que j'ai travaillé. là, Ça fait comme deux semaines que je gosse là-dessus. Là, Puis je suis bien content du résultat. Fait que let's go. On, on écoute ça. Fini. Ça a joue juste 31 secondes précisément, puis ça m'a pris comme deux semaines à faire. Bravo. Bravo. Franchement. Merci. Ah merci. oui, puis j'aime beaucoup, beaucoup qu'on voit le moulin là-dedans, le moulin de ben, oui. ben Oui. Qui est dans les 20 moulins du Québec. Ah oui, fa <laughs> Farah Legros, tu veux la revoir? Tu veux la revoir? Ah oui, on la remet. On la remet. <rire> <rire> Dire là, que la musique là, qui, fait, qui joue pour beaucoup là-dedans, là, ça vient de euh, notre ami Luc Villandré et euh, Oli Pitt aussi, que vous pouvez voir euh, ici avec les liens que je vous mets à l'instant euh, euh, dans le chat parce qu'ils ont permis d'utiliser un bout de leur tune euh, qui s'appelle euh, numéro 8, je pense. Ça. fait que euh, Merci, hein, moi je suis vraiment content du résultat là, pour vrai. Là. Euh, oui, beau travail, tu sais, pour man. Pour cool. hier, je l'ai fini. Là, Puis là, je l'ai regardé comme dix fois en ligne hier soir. J'ai dit, « Crime, c'est moi qui ai fait ça. » En tout cas, j'étais fier. fier. Fait que je suis content. C'est beau. Hein. <laughs> je suis content de vous le partager. Euh, fait que c'est ça ça, ben, ça, ça, ça ça conclut euh, le, le show euh, d'aujourd'hui de Radio Pointo épisode 3. Euh, fait que On vous donne rendez-vous euh, dans deux semaines, soit le 28 mai prochain pour euh, l'épisode 4 de Radio Pointeau, où je vais parler de la patente euh, lors de Jacques Cartier et que Ninja Coiffeur, lui, je ne sais pas de quoi il va vous parler, mais c'est un secret. Hein, ça, Moi non plus, je ne le sais pas. <laughs> c'est la beauté de la chose. C'est tellement secret que même <laughs> le détenteur ne le sait pas lui-même. Ah euh, oui! <laughs> voilà. Euh, aussi euh, en, en terminant mais je voudrais vraiment remercier Alfrank Frank d'avoir ouais. sa gang avec nous autres d'être là d'être resté tout le d'avoir été là c'était super le fun de de te jaser man ben oui ça fait oh. super plaisir les gars j'ai vraiment eu du fun on t'a tenu tard en plus là crime c'est ben ouais. fait, fait longtemps que tu stream toi là, là. oh fais-toi un pas avec ça j'ai eu ma journée de travail aussi et tout là mais c'est ah, correct ouais. je dormirai ce soir ah, c'est ben oui, euh... pas le fun. Ah, ben oui, Parce ben oui. Parce que je travaille en plein comme archiviste aussi, hein, fait que euh, ah, le, le okay, stream, okay. malheureusement, okay. ne me fait pas vivre. Donc, il euh, faut que je travaille en dehors. Ben <laughs> oui, ben ah. oui, c'est ça. C'est euh, pas donné à tout le monde d'en vivre je, je, de, de ça, non, est malheureusement. Peut-être un jour. Ben oui, puis en plus, t'es ben oui. partenaire, tu sais, fait que... Euh... Ouais, depuis, trois, depuis bientôt trois ans, en octobre. Ah, félicitations. Ça oui. ben ouais. Wow! Félicitations, en tout cas. Puis merci d'avoir été là. Merci. Puis merci à toute la gang, euh, puis au Diablotin historique d'avoir été là aussi avec nous. Et les ceux qui sont pas des... Euh, je sais pas comment je pourrais les appeler, ceux qui sont déjà des des, euh, des, des followers de 400 cases. Moi, j'avais pensé de les appeler les caseux, mais ça fait euh, ça fait poche. J'y ai <laughs> pensé aussi. <laughs> les caseux, les caseux. Les hey, hey, Alfred, vas-y donc avec ta voix de Diablotin et dire les caseux. Je, je sais pas, je... Je sais pas s'il peut hein? oui. peux Tu peux tu les casés! Ah. C'est bon. J'en ai plein d'autres bon. des effets de voix. Ah waouh, c'est malade Je Je suis pas rendu là, ouais. les casés. Ah mais est-ce qu'on qu va les appeler on, va... on va on va dire que c'est les casés. OK pour euh... ça s'appelle ouais. Mode, le programme que je prends je te montrerai. Ah oui, cool. Ah ouais, ben j'ai J'écris ça. Bon, fait que, oh là, on va se faire un petit raid. Est-ce que vous avez ouais. des idées peut-être dans le chat ou parmi euh... Euh, Frank Je vais regarder, j'ai quand même pas mal de monde en live. Je follow beaucoup de chaînes, fait que. Ben oui, ça doit. Hein? Euh, ouais, en trois ans, j'en ai accumulé pas mal. Ben tu justement, je te parlais des artistes tantôt. Il y a Calicea qui est en live sur du Jackbox Party présentement. Ah uh, non, elle vient de finir. Ah. Never mind. Ah. Bon. Euh, j'ai bien, bien fait de ne pas, te, de pas ouais. y aller d'avant avec ça. Sinon, euh, connais-tu l'abri du gamer? L'abri du gamer, j'ai euh, vu ça dans, 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 sur ta chaîne. Tu as une pub là-dessus. Ouais. Ouais, c'est un service d'aide. Euh, dans le fond, c'est une équipe d'intervenants, euh, de gens qui travaillent ouais. dans le milieu là, de la santé mentale et tout. Ouais. Euh, c'est un organisme... Et, euh, à <laughs> je parle à deux gars qui, qui ont travaillé en santé mentale, je sais pas. Ah oui? Ah ok, bon. Ouais. <laughs> oh, oui, non, 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 mais moi j'étais moi, éducateur en, en psychiatrie, puis euh, Alexandre aussi ah, était gestionnaire. Okay. Oui, moi j'ai été, okay, okay. été infirmier pendant 16 ans en psy. Fait que, oh, euh, ouais, ok, ok. Quand ouais. quand même. <laughs> moi je travaille toujours comme éduc en, en centre de crise. Euh, c'est ça. Ouais, c'est ouais. ouais. oh, ça, eux dans le fond, euh, c'est un service d'aide sur Twitch. Dans le fond, euh, ils, okay. ils se mettent en live, il y a un intervenant qui est là tout le temps connecté. Euh, puis que c'est un service d'aide d'écoute de référencement là, dans le fond pour mmh. les gens qui sont dans le besoin qui vivent de l'isolement ouais. social. Ou autre. Ça, ça a tu rapport avec euh, intervenant gamer, c'est le euh, même C'est un projet qui reprend le flambeau de mais c'est oh, totalement une autre organisation. Ok c'est ça. Il, lui ça fait longtemps qu'il faisait ça. Là. Je sais pas s'il si le fait encore. Là. Longtemps pas de temps que ça. Il avait commencé en 2019. Ça a duré peut-être un an un an et demi le projet puis euh, ça, il ça a arrêté. Hein? Euh, okay, okay. ouais, le projet a complètement arrêté. Euh, ça a mis la clé dans okay. la porte. Mais euh, c'est ça, c'est une autre a, gang, a gang a qui a marri, ouais. Nice. OK, ben oui, on va. Ben ouais, on rate ça. ça. C'est Abri du Gamer euh, abri, en majuscule abri. Abri avec un S, ouais, c'est ça. Abri en majuscule avec un S du gamer tout dans un. Ok, ben on lance le raid mmh. là-dessus. On va aller leur jaser ça. Hey, merci encore une fois tout le monde. Je suis vraiment content ouais, de s'avoir eu avec nous ce soir. C'est euh, pour Radio Pointeau, épisode 3. Ça augure bien. Chaud on... 3 heures. On va s'améliorer euh, aussi, de toute <laughs> façon. Mais je trouve qu'on fait des progrès de semaine en semaine. Fait que euh... merci de nous suivre. Merci d'être là avec nous. Euh, Puis on se redit dans deux semaines, le, euh, le 28 mai, donc, Radio Pointeau. Sinon, moi, je stream euh, du dessin ou de l'animation ou de l'art numérique euh, à tous les dimanches à partir de 20h et euh, j'ai aussi euh, 415 reçoit mon, mon show tous les jeudis 20h et euh, jeudi prochain je reçois euh, Steph du Dumais euh, pour euh, dessiner, avec qui je vais dessiner et qui vient tout juste de euh, de terminer un projet de crowdfunding avec son euh, sa bande dessinée qui s'appelle une bande dessinée de cyberpunk de science-fiction euh, euh, écoutez j'ai pas son je me rappelle plus plus du nom comme tel, mais manquez pas ça de toute façon. Peu importe comment ça s'appelle, c'est un dessinateur euh, qui est excellent. Il fait des bonnes BD très underground. Euh, fait que venez voir ça. On raid, ouais. On raid, fait que go, on raid. Go, la gang. On y va. Go. Merci, ciao, ciao, bye. Ça ça commence. Allez, tout le monde. Puis en Allez, salut. on est 18 à 20 personnes. 21. Oh yes, on y va, go! Merci Alfred Frank, hein? Ah, de rien. Ça fait très plaisir pour vrai, j'ai eu du fun.